Bonsoir à toutes et tous, installez-vous confortablement, on commence dans quelques minutes. Salut à Cassandra, salut à Jabas et merci à Aurélien d'être là. À tout de suite. De vous arrêter d'AFM pour LMCP, LMCP 160e du nom le mercredi c'est permis oui on a décalé hier j'étais vraiment capouté, ce soir bah j'ai quand même beaucoup plus la gouache donc du coup euh, eh euh, ou plutôt là, il est salut à Cédric Abida, salut à Barnabé qui nous rejoignent en cours de route n'hésitez pas à partager le live euh, et oui on était en train d'écouter jusqu'aux dernières mais euh, aux ultimes instants avant de lancer ce live en trafiquant un petit peu là, en bidouillant avec la table de mixage virtuelle le débat Macron Le Pen hein, qui a lieu en ce moment euh, malheureusement, il paraît qu'il euh, y a des gens qui se mangent des grosses amandes hein, s'ils si veulent le diffuser, donc ça va être un petit peu compliqué, mais vous l'avez sûrement écouté de votre côté, moi aussi, euh, j'ai manqué le début, mais voilà, en gros j'ai écouté, euh, j'en ai, ai écouté à peu près une heure et demie. Et du coup, venez, n'hésitez pas à venir nous en parler. On aura d'autres sujets, bien sûr. C'est une radio libre, donc on pourra aborder tous les sujets que vous voulez. J'ai même failli faire un rejet de ce débat et dire Ouais, venez, on ne parle pas des présidentielles ce soir. Mais bon, c'est un petit peu compliqué d'éviter le sujet, en tout cas ce soir. Donc on verra pour une prochaine fois, parce qu'on aura le temps, on aura bien l'occasion de relive d'ici là. Et bah écoutez, on va pouvoir démarrer. Ah, Le mardi c'est permis C'est radio de Google, en fait. Le mardi c'est permis, un rendez-vous à ne pas manquer et à suivre en famille Et à suivre en famille. Est-ce qu'en audio ça passe je, je crains qu'en audio ça ne passe pas. Et vu que c'est un débat en direct, on peut pas tricher sur l'audio en l'accélérant ou en faisant ce genre de choses. Est-ce que Aurélien tu as entendu parler de personnes qui auraient réussi à faire à faire l'impasse là-dessus et qui aurait réussi à streamer ouais, euh, le débat. Je sais pas, là, on, je, je crois que tout à l'heure il y avait David Dufresne mais... qui le diffusait, mais que le son, il faudrait que j'arrête d'être écoute. Ouais. Non, il l'écoute pas, attends. Là, il n'y a pas de son, donc euh, je sais pas, euh, je sais pas. Non, après, il faut voir avec. Il euh, y, y en a d'autres qui le font, mais ils ont payé, quoi. C'est ouais. le truc. Donc, euh... Donc euh, du coup les gros streamers qui peuvent se le permettre eux, ils peuvent, euh, ils peuvent commenter le débat et les petits streamers qui n'ont pas de thunes, eh ben, du coup euh, qu'ils aillent se faire foutre en gros. Est-ce que c'est le message qu'on veut envoyer C'est à peu près ça. Il bon, aurait une cagnotte Damon. Eh hein. bien en tout cas n'hésitez pas, faites des dons, hein, je le rappelle, je stream pour le SMIC, d'où la petite est en haut. Euh, normalement j'ai ré réparé le problème euh, des raids, les raids où on n'avait pas d'alerte. Je ne sais pas pourquoi il était sur Disable et pas sur Unable euh, de base. Donc il était désactivé, j'avais tout mis, tous les paramètres, tout enregistré. Mais ça ne fonctionnait pas, le crayon a mis le son sur une story Insta, mais ils ont coupé vers 22h. Story Insta Live, bah là on n'est pas tellement sur Insta les gars, donc... Euh... Sympa le débat, tu trouves mmh, Moi ce que j'en ai en entendu, euh... c'était un petit peu moins pété qu'en 2017, et puis surtout la dynamique est différente, vu que là du coup Macron se fait attaquer beaucoup plus sur son mandat que sur sa participation au gouvernement d'Hollande en 2017. Donc, euh, donc voilà, et merci Aurélien euh, pour le lien, vous le savez, c'est le maître des clés, le maître des liens, un euh, sur Twitch est en train là. Ah ouais, vous pensez, eh mais si je me mange une amende de 1500, ma chaîne, elle s'en relèvera jamais. Hein. Si on fait 1500 euros dans l'année, déjà, c'est déjà beau avec la chaîne. Donc euh, je sais pas, <laughs> j'y crois pas trop là. Le Pen a imprimé tous ces tweets, lol. Ah ouais On peut en écouter 30 secondes. Vous avez fait le choix d'un certain nombre de prêts, des PGE, qui aujourd'hui doivent être remboursés par les entreprises. Elles n'y arriveront pas. Beaucoup mourront. Beaucoup mourront, on non. les décalera. Ok, donc ça se bagarre sur oui, mais ouais, j'ai accordé telle aide à telle frange de la population. Euh, euh, voilà, donc c'est comme ça que je défends mon mandat. Et puis on l'attaque sur oui, mais sur la nature des aides elles-mêmes. C'est comme tout à l'heure, juste avant de lancer l'émission, on l'entendait. Oui, mais j'ai baissé les impôts, Madame Le Pen. T'as baissé les impôts de qui, au juste Enfin, principalement de qui quel emmerdement se débat seul le tweet en A4 était le... le tweet en A4 était le seul intérêt de ce truc. Je ne suis pas sûr d'avoir compris euh, on Brest, mais bienvenue à toi, bienvenue à Donkey Shock, bienvenue à Outcast. Le fais pas, Daimon. Bah écoutez, je ne le fais pas, euh, mais de votre côté, euh, vous pouvez euh, jeter une petite oreille en même temps et nous faire, euh, et nous faire des débriefs au fur et à mesure euh, si il y a des moments chocs. Et euh, de toute façon, moi, je regarderai le débat et je le, dé je le débrieferai demain dans le couvre-feu avec Lisante. J'imagine que ce sera un petit peu le sujet parce que c'est notre sujet. Ouais, j'ai envie de faire, j'ai envie de crier cette phrase, mais avec tous les mots et euh, avec procès. Je, je, je le faisais avec quoi, Aurélien, tout à l'heure Je sais pas. Tu te souviens pas Je l'ai fait plusieurs <laughs> non, je fois. Avant je là. sais pas. Là, je attends. T'as dit euh... avant non, que le live pas. commence. Je sais plus. Attends, je vais tester pour voir si c'est en mode lent le, euh, le chat sur LCI. Hop, j'en remets. Ah, c'est même pas en mode lent Ils ont même pas mis le chat en mode lent sur LCI. Alors qu'ils ont 105 000 visionnages en cours. Ça va, en fait, ça reste à peu près lisible hein, le, le chat. Euh, attendez, Bah là vous voyez pas. Je vais en mettre l'image juste deux secondes. Normalement, ça devrait aller. Euh... Et tiens d'ailleurs, on n'a pas besoin de, regarder, de mettre l'image. Vous voyez sur, le, sur la droite, le chat est plutôt animé. Et en parlant de chat. Ou en parlant d'autres anim animaux de compagnie, les nouveaux animaux de compagnie, ma ratonne laveuse vient vous dire bonjour. Comment ça va, Satil Est-ce que tu as quelque chose à déclarer comme à chaque début de live, tu viens te mettre sur ton, euh, sur ton enceinte. Il va falloir que je finisse par mettre un petit coussin, un truc ici, non Est-ce que ça chauffe l'enceinte J'ai pas l'impression que ça chauffe beaucoup. En tout cas, si vous ne faites pas de dons pour moi, faites-les pour Satil parce que c'est une gentille euh, ratonne laveuse de garde, dressée au combat. Chez Clo, ça va mieux d'ailleurs par rapport à hier. Ouais, euh, hier j'étais claqué. Genre, ça faisait deux heures que je baillais. J'étais en mode, mais putain, je vais vraiment lancer la radio là. Mais euh, ça va se voir que j'en peux plus. Et je vais bailler à chaque fois que les gens vont me parler. Je vais passer pour un gros connard, tu vois. Donc, euh, bah, j'ai été me En fait, il y avait les deux épisodes de Bell Bellocall Soul qui étaient sortis sur la, la saison 6 sur Netflix. Et on voulait le débrief avec Tony. Et euh, en fait, j'étais tellement claqué que je les ai pas regardés. En fait, je, je me suis endormi. Je me suis réveillé genre en plein milieu de la nuit. Et, euh, et là, je les ai regardés. Du coup, mais euh, j'étais vraiment tellement mort que, genre, j'ai fait la vidéo, j'étais me coucher, j'ai fumé euh, un moinge de CBD légal et puis euh, même pas, je crois que je n'ai même pas fini. J'ai fait boum. Ça, ça me rappelait les, les bons moments Nutella de, euh, de quand j'étais dans la restauration euh, ou euh, quand je rentrais du boulot. Bah déjà, j'essayais de faire du montage vidéo. C'est pour ça que c'est. Moi, je me suis dit, j'ai vite compris que c'était impossible. Et encore, d'avoir une chaîne YouTube et un boulot. Je dis, je dis ça et encore parce qu'à l'époque, moi, c'était une chaîne gaming où il y avait assez peu de montage. Mais, euh, mais j'étais le seul connard qui faisait des, des let's play avec du montage. Du coup, j'y passais quand même des heures. J'entrais du resto, normalement, il était vers 1h du matin, 1h, une heure, 1h30 une heure du matin. Je bossais jusqu'à 3h, 3h30, 4h et je me réveillais à 8h le lendemain pour euh, aller, on y retourne au mastic. Et j'en pouvais plus. Et il euh, et y avait des soirs où j'étais vraiment trop mort. Je disais, ouais, le montage, fuck. Du coup, j'avais plein de vidéos... Euh, qui avait pris du retard à l'époque parce que j'avais eu, euh, grâce à Landers, des interviews, euh, l'interview d'Antox Colaboy, l'interview d'Olièche, et euh, je devais en faire le montage et ça me prenait des semaines voire des mois parce que je euh, bah suis un peu long à monter et puis parce que surtout bah, j'en pouvais plus quoi. <laughs> Donc c'était les bons moments où je rentrais chez moi et je tombais comme une pierre quoi. Bah du coup il y avait même pas le moment genre je rentre, je mange, c'était genre je rentre, je me douche et je dors en fait. Ouais parce que euh, dans la restauration vous êtes obligé de vous doucher après chaque service, surtout en été. Il y a un clash dans la rédaction de Marianne sur la une sur Le Pen et Macron. Les journalistes disent que c'était la même chose, les deux. Ils ont été forcés de modifier la une par Polony et l'actionnaire. Pourquoi Parce qu'il y en avait un qui était plus mis en avant que l'autre Est-ce que tu peux nous en dire plus, Outcast J'entends un son bizarre dans mes oreilles. Je ne sais pas si ça vient de toi, Aurélien. Hein Là, j'entends plus. Euh, euh, moi, il a pas de son. Je... Enfin, il a que le son de mon téléphone. Non, c est, c est, ça vient peut-être tout simplement. Il euh, y a des mecs qui mettent des symboles royalistes dans le chat. <laughs> Sûrement des, des électeurs de Zemmour qui, euh, qui sont là en mode sidekick. Vu que, bon, c'est là-bas que. Euh, L'action française, ils étaient quand même plus proches de Zemmour que de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, euh, qui, se, qui, se, proclame, qui se proclame plus républicaine que euh, Zemmour. Hein, Rappelez-vous, qui finissait ses discours par euh, Vive la République et surtout vive la France. Et à, 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 chaque, à chaque fin de, de discours, c'était ça. Donc, c'était sous-entendu. Ouais, la République, on est obligé de le dire. Mais en vrai, la République, c'est la gueuse. Vive la France euh, éternelle de euh, Louis XIV, etc. Quoi. Enfin, non, c'est plus, plus de Napoléon hein, pour, pour Zemmour, sur le coup vous' euh, c'est que tu as un euh, symbole royaliste euh, C'était sur le chat de LCI. Il y avait des mecs qui mettaient des, des fleurs ah de lys Ils spammaient des fleurs de lys Je suis en train de le chercher depuis tout à l'heure. Je me disais, mais j'ai raté un truc là dans le chat. Je cherchais dans les jeux de chat. Je non, reviens, non, je pas, dans, rien. pas dans notre chat. Là, ils, dis, ils sont <laughs> plutôt, truc. Là, ils sont plutôt sages sur notre chat euh, pour le moment. Ouais, cool. euh, bon, en tout cas, est-ce que vous, vous avez déjà eu des petites réactions par rapport au débat Je vois qu'il y a l'ours qui nous a rejoint. Comment ça va l'ours ce soir Est-ce que tu as écouté le débat entre Macron et Le Pen, qui est en train de se dérouler actuellement oh, Certes, non, parce que je savais très bien ce qui allait, ce qui allait se dire et que j'avais pas envie de m'infliger ça, tu vois. Hmm. Mais On pas... en bouffe suffisamment, je pense, et ça me casse les couilles. Et d'ailleurs, pas... mais... je suis vénère Ah Il est ah pas content, là Ouais, désolé, les liens, ils aiment pas trop, mais, euh, mais je vois le lien à Outcast et du coup, je vais pouvoir cliquer dessus. Normalement, ça t'a juste mis euh, un warning ou sinon, c'est les timeouts de 5 secondes, donc. Ça devrait ouais, être relativement indolore, mais c'est pour éviter que les gens ils spamment des liens nazis et tout. Euh, bah écoute, je regarderai ça juste après. Euh, mais juste en préambule, je trouve ça quand même intéressant puisqu'on parle de deuxième tour, puisqu'on parle des présidentielles, puisqu'on parle d'un débat Macron-Le Pen, puisque euh, malgré qu'on ait tous les trois voté pour Mélenchon au premier tour, on va tous avoir, euh, on va tous avoir un comportement différent euh, dimanche prochain. À savoir, Aurélien, toi, tu vas faire barrage à, barrage à Le Pen. Toi, l'ours, aux dernières nouvelles, tu avais plus une position accélérationniste, comme certains voilà, et qu'on en finisse, qu'on qu ait le, le, le RN maintenant, et puis euh, que les gens comprennent ce que c'est, et puis euh, ce sera plus facile de lutter contre. Enfin, je, je, veux pas, je ne veux pas déformer ta position. Et bah, moi, je vais, comme, comme je vous l'ai annoncé depuis le début, même, à, à, avant même le premier tour, je voterai Nodius au second tour. Hein, donc, Sinon il y a un truc en ce moment euh, qui se passe chez Droit art Fragile, ils prévoient tous de voter euh, Droit art Fragile. Ah, mais non, faut vote juste... Nodus, il faut qu'ils votent Nodus, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, mais là du coup c'est parti en coup en mode Droit art Fragile, tout le monde va voter Droit art Fragile. Bon, moi si je... Si vous vote... aimez le café, et les FPS, vous êtes obligé de voter Nodus. Qui n'aime pas le café ici Qui n'aime pas le café Aurélien, toi tu bois du café Moi, moi j'en bois une tonne de café, donc j'aime le café. Donc et j'aime les FPS. D'accord. Ok, bah écoute, donc euh, voilà, Nodus, euh, parfait candidat. Mais moi, j'ai limite envie de le faire, de ça, une affiche de campagne et tout. Euh... <laughs> Nodus pour une France qui euh... pour une France qu envoie du café et tout, avec euh, la photo de lui en train de renverser sa... son gros mug de café d'Iproc Galactique. T'es malade. D'ailleurs, je me demandais. Euh... Euh, vous, vous regard... si vous avez regardé le débat, vous l'avez regardé pourquoi Parce que bon, je pense qu'il y en a une partie ici qui sont un peu tous de gauche et qui ont pas envie d'écouter les conneries qui vont nous dire, euh... enfin les conneries euh, qui vont nous faire subir. Mais moi, je l'ai surtout écouté, par exemple, pour, euh, ben, j'avais besoin de voir la posture qu'allait prendre Macron, la posture qu'allait prendre Marine, s'il ouais. euh, ouais. allait être arrogant, professoral, s'il allait les péter un plomb. Je me suis rendu Ça compte, par dire. exemple, qu'elle était là en train de faire des e e e. Mais bon, elle envoie de bonnes takes quand même. Donc, euh, venez, venez, on vous attend. Allez-y, foncez dedans. Et avant et... De, de, de commencer à envoyer les sujets, je remercie, comme à chaque début d'émission, Crax, Snugly, Kalex, Bouricha, Adrien, Vulgadroit, Mood et Victoria. Euh, Danyavad, à vous. Euh, sans qui cette chaîne ne serait pas possible. En tout cas, bah, la chaîne serait possible, mais il n'y aurait peut-être pas grand-chose dessus sinon. Et, euh, et donc, n'hésitez pas à aider une petite chaîne indépendante qui essaye bah, de donner la parole à tout le monde. Et de proposer son opinion, mais en essayant de l'argumenter. En tout cas, j'ai la faiblesse de penser que c'est aussi pour ça que vous me suivez. Ou alors, euh, bah, je ne sais pas. Ou alors euh, vous aimez les ratons laveurs euh, qui tournent le dos à la... aux caméras. Hein, Satil Je ne sais pas pourquoi elle enroule tout le temps sa queue de raton laveur autour d'elle euh, quand elle se pose quelque part. Je trouve ça très étrange. Et donc toi, t'as pas regardé le débat, euh, l'ours, du tout Ouais, euh, non, vraiment. Euh, pas du tout la foi, pas la motivation. Euh, ah, T'es pas en mode effet façon... winter Ouais, pas vraiment, non. D'accord. Si, si vous avez la référence, euh, bah déjà vous avez l'esprit tordu et vous êtes vieux, tant pis pour vous. Euh, et du coup, ouais, moi, Aurélien, pour répondre à ta question, non, c'est simplement que je faisais mes quêtes sur Hearthstone et, et comme j'avais juste un seul écran, j'étais sur le PC de ma chambre et j'avais besoin d'un fond audio parce que voilà, quand tu attends 1 minute 30 que ton adversaire joue son putain de tour, et bah t'es content d'avoir quelque chose à écouter. D'accord. Donc, euh, mais pff, ça m'a. Ça à peine un petit peu distrait, quoi. ça mais pas J'étais pas tellement en mode. C'était euh, vraiment très intéressant. Peut-être un petit peu plus qu'en 2017. Mais je vous ferai un, un vrai débrief euh, demain, si vous le souhaitez. Euh, le standard vous est d'ores dé et déjà ouvert. Et, eh, et, eh, et. Eh. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre de prévu Oui, j'ai des sujets sur euh, le média en 4 4 2 et qui se cacherait derrière le média en 4 4 2 Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est plutôt sur des techs, euh, un petit peu, un petit peu, des techs déveillé on va dire. On reparlera de politique, mais pas des présidentielles et d'international euh, avec bah, de toute façon le sujet le plus important de l'international en ce moment, l'Ukraine, mais que j'essaierai d'aborder avec deux angles différents. Euh, Histoire de varier un petit peu les plaisirs. Ophelie Winters 90 on reconnaît les trentenaires. Lol, Ouais, trentenaires font du paquet là même pour se souvenir de, de ce genre de truc. Dieu m'a donné la foi. DAI m'a donné la foi Un je ne sais quoi, je sais plus trop quoi, qui, -qui guide mes pas, un truc comme ça. Vous, vous souvenez des paroles de Ophelie Winter? Qu'est-ce qu'elle est devenue, Ophelie Winter? J'ai envie de dire, la première réaction c'est. Mais on s'en fout. Et ma deuxième réaction c'est non, une, curio une curiosité un petit peu malsaine de, mais que sont-ils devenus D'ailleurs, elle n'est un... pas devenue ruinée. Elle n'est pas ruinée. Il n'est pas une, une truc. J'ai lu un article comme quoi elle était à la, à la rue et tout pendant une période. Je crois que tu confonds avec une autre qui était une actrice, mais. moi ouais, je sais pas. Ouais, moi les stars, de toute façon. Mm -hmm, Entrée 80. Je ne sais pas Une période moins glorieuse 2004-2009 Ah ouais T'as peut-être raison bah, Peut-être qu'il y en a plusieurs passe au second plan Mise en garde à vue Juré de la quatrième saison De Popstar Ouais généralement C'est que c'est un petit peu Ouais Il n'y a plus grand chose euh, Non non en, gauche, en 2019 je... Si si c'est ça Il y a un touche pas à mon poste Qui parle de ça Ah au oui Au film Winter SDF Et après dans les rues de Paris Dormant dans sa voiture Ah ouais Truc de ouf Je suis, je suis content Je pas dire une connerie ouais. Faites des doigts à Daymond parce que je dis pas de conneries. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus dur d'avoir de la compassion euh, quand ça arrive à des personnes qui ont été riches à millions, quoi. C'est ben surtout que tu te dis tu peux avoir une. Idée, si, ben des, bah des voilà, ça reste un être humain <laughs> et, as envie, et personne n'a envie de devenir SDF et personne se réjouit de voir des SDF, quoi. Mais c'est tout à ben fait. Ouais, mais je sais pas étonnant, quoi, mais... je quoi. un appartement. Euh, enfin, ouais. moi je sais pas, le jour où je gagne des millions. Alors déjà, je donnerai une bonne partie, mais le premier truc que je vais me faire, ouais, c'est se prendre me, une maison. Excuser, pour être sûr de voilà. À la limite, je prendrais peut-être un truc en plus, tu vois, vraiment pour me, me dire que je pourrais Après, aller faire aller. Sûrement qu'elle avait des maisons, mais peut-être, on ne sait pas. Hein, peut-être, elle a voulu lancer des projets, elle a mis des hypothèques sur sa maison en disant bah les couilles. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Bref, ce n'est pas tellement le sujet. Et en fait, c'est juste parce qu'on a dit l'ours, il a dit le mot foi et on est parti sur Ophélie Winter. Et j'aurais très bien pu partir sur une tech genre euh, il était une fois un marchand de foie qui vendait du foie dans la ville de foie. Il se dit ma foi c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de foie. Est-ce que vous connaissiez euh, cette phrase insupportable Non je connais. Les... Tu je confonds je avec Malorina Nataf je... voilà moi je pensais à Malory taf mais en fait non non les deux ont eu des trucs à l'Indio Loco visiblement. La visi vidéo de Music Feeling sur Ophélie Winter explique bien ah ouais peut-être on la regardera euh, plus tard. Euh, histoire de se, dé se détendre. Bah, du coup, ça va parler de gens euh, qui euh, tombent dans la rue, quoi. Donc, euh, euh, musique, feeling. Qu'est-ce qu'on trouve Analyse au Philly Winter. Et si c'était un délit dé dé de belle gueule euh, Bah, écoute. Euh, oula, 44 minutes. Par contre, je le mets dans la playlist à regarder plus tard. User et abuser de fonctio cette fonctionnalité de YouTube si vous avez un, un compte YouTube, puisqu'on nous regarde aussi sur Twitch. D'ailleurs, sur Twitch, vous êtes vraiment très très. Bah, ils sont tous en train de regarder le débat, là, en fait. C'est oui. peut-être pour ça. Mais j'allais dire, vous êtes deux fois moins nombreux que, euh, que YouTube, alors que normalement, vous êtes. Euh, c'est plutôt la proportion inverse. Donc, euh, bah rebellez-vous, peuple de Twitch. Hein. Elle a joué dans des elle films américains, je crois. De toute façon, ouais, elle avait fait plein de trucs, euh, Ophélie Winter, à une époque. De toute façon, c'est les années 90 surtout, hein, mais. Euh, ouais, cinéma, elle a fait homme-femme, mode d'emploi, elle a tourné avec Lelouch. Tout doit disparaître, bouche d'elle. Bon, folder, c'est pas ouf. Y a-t-il un film, un flic pour sauver l'humanité Donc là, c'est un ouais, film américain. Chi Alors, j'imagine que c'est un, un film américain aussi canadien, le réalisateur est canadien en tout cas. Les jolies choses, les jolies choses, ça me rappelle quelque chose justement. Ma femme est une actrice, d'Ivan Atal. mauvais esprit et Seth, un court-métrage. Bon, oui, c'est peut-être peut pas ça qui va la renflouer. Scène de ménage, ça va être leur fête. Mais si, elle continue de faire des trucs pour la télé. et pour Enfin, en 2017, elle continue de faire des trucs. Mais c'est vrai qu'elle a plus rien fait depuis. La dernière fois qu'on a entendu parler d'elle, c'est en 2019 pour dire je suis à la rue, quoi. La foi d'Ophélie Winter et le foi de Morue, c'est synonyme. Je ne pense pas, super du chumolé. Mais tu peux choisir de le voir comme ça. La cam, la fête, les faux amis. Bah oui, es tenté de te dire que ouais, quand t'as des gens euh, qui euh, passent en mode jet set, euh, ils peuvent euh, potentiellement flamber beaucoup de Est-ce que vous vous souvenez de ce film jet set Décidément, j'ai pas du tout envie de lancer, mais j'ai juste envie de blablater pour l'instant. Est-ce que vous vous souvenez <laughs> du film jet set C'était pas terrible, hein, mais euh, du coup, le. Ça, ça me rappelle aussi le débat sur la Jet Set des débats de Gérard, euh, un des rares débats euh, post-année 2000, c'était en 2000 d'ailleurs, je crois, euh, qui était filmé par la caméra de sécurité. Je crois que c'est Rigo qui avait récupéré l'enregistrement. Tiens, mettons hein, le bête de Rigo, justement. Et, euh, et c'était. Euh, et il mettait tout le temps des extraits du film Jet Set, du coup, dans le débat éponyme. J'adore dire éponyme, vous l'avez remarqué Ouais, vous l'avez remarqué. Le 1 ou le 2, il y a eu un Jet Set 2 mais arrêtons tout, faut que j'aille voir cette merveille. J'imagine que c'est une merveille. Déjà, le 1 était un des meilleurs films, euh, pas juste français, un des meilleurs... des meilleures productions filmiques de l'histoire euh, du cinéma. Ouais, donc c'était de la merde, quoi. Ouais, c'était pas ouf. <laughs> Les films de Fabien Antonin étaient des chefs-d'oeuvre. Garcia tient le film. Oui, Garcia, après... Il, euh... Bah, en fait, je trouve pas que ce soit un acteur sympathique. Il joue un petit peu toujours les mêmes rôles sur si garde Garcia, mais il le joue bien son rôle. En fait, c'est le rôle de lui-même, plus ou moins, en tout cas du personnage public euh, qui se donne. Bah, je sais pas, je l'ai vu dans des vidéos euh, sur YouTube où il était invité à droite, à gauche, et en fait, il était exactement pareil que dans Jet Set il y a 20 ans, quoi. Donc, euh, le 2 a complètement bidé. Ouais. Bah, quand t'as un concept pas ouf et que t'essayes de tirer sur la corde, généralement, plus c'est un film un petit peu excluant parce que. Ça se moquait très gentiment des jet-setters, mais en gros, ça donnait plus envie de vivre leur vie que, euh, que ça les condamnait, quoi. C'est comme le capital, c'est comme les, les zones interdites et capital quand ils t'envoient sur les, les, les bateaux, les trucs de riches dans les hôtels de luxe, ça donne toujours envie, hein. Ouais, mais c'est comme ça. Là, du coup, ouais, ça, ça s'adresse plus à une niche, tu vois, c'est les gens qui veulent avoir ah, la vie des, des stars et des milliardaires et. C'est plus le, le côté people, euh, du coup, où oui, tu vas pas tellement faire. À... De toute façon, quand, 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 quand tu fais de la presse ou du docu people, tu vas pas tellement te lancer dans un commentaire de lutte des classes. Hein, sinon, tu t'es trompé de métier, je crois. Hein, mais... Quoique, ce serait intéressant. Ce serait intéressant de le faire avec cet angle-là, en fait. Joue le méchant dans le Boulet. Il est super bon. Dans le Boulet, mais c'est pas le super l'ancienne, le Boulet. Non, mais les gars, il faut se dire que euh, Garcia, c'est comme tous les acteurs français. Il est trop payé pour le peu de talent qu'il a. Oh, je serais pas si méchant. Bah après, non, j'irais pas sur le peu de talent qu'il a. j'irai sur, oui, de bah, toute façon, comme tous les acteurs de cette classe-là, bah, ils ont énormément énormément d'argent par rapport à la... au commun des mortels. Même au commun des mortels qui s'en sort à peu près bien. Quoi. Donc, bon. Euh, José Garcia je vois le ministère intérieur, le ministre de l'intérieur français, dans un film. Américain avec Idris Elba. Ah bon C'est quoi le nom de ce film à Outcast, si tu peux nous le retrouver Quand t'as un concept pas ouf et que tu tires sur la corde, Macron veut bien tourner une suite. Oui, oui, c'est vrai que. Euh, oui, on voit difficilement comment ça ne pourrait ne pas bider. Hein. Le 2 est regardable pour moi. Le seul intérêt du film, nous dit Beta Horis euh, Jet c'est qu'il nous a permis d'avoir un des meilleurs débats, selon moi. C'est-à-dire, euh, à quel débat tu fais référence Et Le film a suscité un débat où tu parles du débat de, des, des débats de Gérard... Euh, C'est qui euh, qui veut me parler euh, Ce genre-là. 14 juillet, le nom du film, je crois. Ah ouais 14 juillet, un film américain qui s'appelle 14 juillet avec euh, José Garza. Ça a l'air fou. Attends, je, me, je vérifie ça. Euh, film, 14 juillet. Peut-être plus 4 ju juillet. Euh... Un film français euh, réalisé par René Clair est sorti en 1933. Je ne pense pas qu'on parle de celui-là, du coup. Euh, Est-ce que es tu es content, disais... l'ours euh, oui. Qu'il est en train de faire, Damon, que bien... tu m'avais dit que tu aimais bien quand il faisait euh, mal en gauche fat. Là, c'est ce qu'il est en train de faire, du coup. Tu dois être content, l'ours. Son, son silence est éloquent. Je suis ravi. Ah. En ce moment, tout tes streamers t'écoutent. La dernière fois, le... c'est Kali qui t'a écouté il a fait ce que tu as dit. Ah Bastille Day. Moi, je, suis, je trouve un film qui parle d'un attentat la veille du 14 juillet de 2016, qui s'appelle Bastille Day, mais euh, et par Idris Elba. Donc, c'est peut-être de ça que tu parles. Et il est sorti un 13 juillet, opportunément un 13 juillet 2016. J'imagine. Le, okay. le seul film américain dans lequel, il, dans lequel je me souviens qu'il joue, c'est. Euh... Ah, les critiques sont pas, sont contrastées, quoi. Ah, Boulevard, c'est un bon, un, un bon, acteur. Et l'en va aussi. Alors quand il est pas bourré, parce qu'il le dit lui-même visiblement, il a eu des tournages un peu compliqués. Hein. Ah, mais justement, c'est peut-être là où il est meilleur. Ah bon Je sais pas. Il <laughs> Faudrait voir les films et savoir s'il était bourré pendant ce film. -là, Je pense qu'il qu y en a qui arrivent à être bon malgré ça, tu vois. Mais de par vrai Dieu, vrai. de par Dieu, concrètement, on sait que il est tout le temps pété et que voilà, c'est un dieu du cinéma quoi. C'est comme Dieu donné. Bon, Dieu donné, il ne doit pas boire, mais. Et puis euh, ça a quand même baissé, hein, au-delà au du côté euh, antisémite, tout ça, hein, la, la qualité de ces spectacles a globalement baissé depuis pas mal d'années. Hein. Enfin bref, c'est plus devenu, ouais, c'est... Un stand-up auto-centré, quoi. c'est euh, en fait, ouais, c'est euh, ça. on parle de moi, quoi. Après, il y a beaucoup d'humoristes qui le font aussi, hein, mais bon, après, euh, les autres humoristes, quand ils parlent d'eux, c'est pour parler euh, de leurs enfants, euh, une fois qu'ils qu ils ils ont des enfants. De bah, toute façon, c'est toujours... Euh, J'ai déjà eu cette take, mais c'est euh, toujours la même chose, le parcours d'un humoriste. Un humoriste, il commence euh, en parlant de la galère, parce que euh, bah, quand un humoriste débutant, tu galères. Et pour ceux qui réussissent, après, euh, il, parle, euh, il parle de... Euh, la maturité, l'assagissement, et après il parle de la parentalité. Vous regardez Gad Elmaleh, Florence Foresti, c'est ce parcours-là. Hein, c'est Astérix Obélix, il fait une dépression pendant le tournage d'Astérix pour Boulevard. Ah ouais et attends, il, il jouait. Ah, il est déjà pas trop Boulevard. fan des grosses. Il est pas trop fan des grosses productions. Il jouait Brutus, le fils de César. Ah oui. Oui, puis c'était euh... et celui qui jouait César, c'est merde. En plus, il est ultra connu. Euh... Il vous en prie, Alain Delon. Je crois, ouais. non ouais, Alain Delon, hein, ouais. bah Pour jouer César, c'est vrai que c'était tellement une idée de génie de prendre... Alain Delon, en fait, il, 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 est très, il était même déjà à l'époque très très surestimé. Hein. Mais euh, pour jouer César, il était parfait, du coup. Ouais, que l'humour n'était bon, pas là. Dans le peu de films où il a joué, je trouve... Après, il était bon, ouais, mais sur, sur des petits rôles, quoi. Moi, j'ai vu des films où il avait des rôles principaux et c'était pas la même. Après, c'était peut-être pas le même budget. Mais comme il disait dans Ambition Cléopâtre, ça n'est pas qu'une question de budget. Et justement, il s'engueulait avec euh, Gérard Darmon, je crois, pendant une minute là-dessus. Et salut, euh, Rod pas la peau. L'envin est un connard et Poulvard est brillant. Hein peut-être, Sircha. Écoute, euh, sur le coup, euh, je, je ne connais pas l'envin. Et boulevard euh, est peut-être un connard brillant. Ça, c'est possible. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Par exemple, moi, ce que j'avais souvent dit comme. Euh, euh, en parlant des youtubeurs, bon alors moi voilà, je les côtoyé 10 minutes dans ma vie, hein, le gars, mais euh, qui m'avait donné l'impression d'être un connard, en tout cas d'être le, euh, le plus gros connard de, euh, de tous les youtubeurs qui étaient présents dans cette convention, euh, malgré qu'il fasse de très très bonnes vidéos, et je continue à trouver son travail vraiment bon, hein, euh, même depuis qu'il a arrêté les NMT, euh, c'est euh, justement Link the Sun. Voilà, Link the Sun qui, ouais, qui est moins sur le. Sur le devant de la scène, euh, youtube-esque aujourd'hui, euh, du coup. Euh, ça, c'est les euh, youtubeurs qui abandonnent euh, leur format star, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'ils veulent pas se laisser enfermer dans ce format, parce qu'ils ont l'impression de faire le tour de ce format. Euh. Bon, L'exemple le, 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 le plus connu, c'est What's the Cut avec Antoine Daniel, mais, euh, mais en l'occurrence. Les NMT, par contre, ouais, le concept manque, parce qu'il y aurait beaucoup de chansons... Euh, voilà, mais justement, il en avait marre de faire. C'est la critique négative aussi. Oui, c'est par exemple Antoxcolaboy, euh, genre mes chers désabonnements. Bah après, de toute façon, Antoxcolaboy, ça fait longtemps qu'il ne fait plus que des rediff de live. Critique qu'on pourrait me donner aussi, hein. Mais, euh... <laughs> mais promis, il y aura des vraies vidéos qui finiront par revenir un jour. Gadel Mallet, le traducteur. Ouais, c'est ça. Ouais, des fois, il traduit du français au français, hein, donc. Euh... L'enfin, il a l'air d'un tra... gros semar IRL. Bah écoute, peut-être. Et il y a Barnabé51 qui me dit qu'il faut que, voir, que je regarde le boulet, mais je crois que je l'ai vu euh, il y a longtemps. Ouais, il ouais. me semble. Ça me dit que. Mais moi, je confonds avec la chèvre dans ma tête. Je crois que j'ai vu les deux films, mais je confonds avec le film avec Pierre Richard et justement De pardieu Qui était qui était plutôt cool, sur le coup. Euh, bref, bon, on a fait pas mal de blabla introductif. Lançons notre premier sujet. Parce que c'est notre sujet J'ai envie de le faire tout le temps, je sais pas pourquoi. Et donc un sujet sur le média en 4-4-2. Est-ce que vous connaissiez le média en 4-4-2 euh, Alors On va regarder un petit extrait, puisque le gros de leur contenu ne se situe pas sur YouTube. Alors On peut voir ici leur chaîne YouTube. Euh, pourquoi on ne voit pas On n'est pas sur le bon écran. Alors attendez, je vais faire quelque chose pour qu'on voit. Ah oui, c'est parce qu'on est sur le débat Mélenchon-Marine Le Pen. Mélenchon Marine Le Pen j'aurais préféré vous, vous avez vu je, je, je fais des lapsus de, Encore je vis dans une autre timeline Qui n'est pas la même que la vôtre et qui est largement mieux Je vous garantis euh, Du coup Chrome euh, C'est dans les sources C'est bizarre depuis qu'ils ont fait leur mise à jour euh, OBS euh, Non ça c'est le chat Youtube Et Youtube tout court Il faudrait que j'arrête euh, Que j'arrête d'avoir un milliard de sources sur chaque scène Le média en 4.4.2 le voilà donc euh, avec euh, une, une bannière plutôt réussie hein, qui fait justement Marvel un petit peu. Euh, Marcel, du coup, il joue là-dessus. Alors, Marcel D, qui est Marcel D Déjà, on pourra se poser la question. Est-ce que euh, c'est juste un petit média indépendant qui s'est lancé Qu'est-ce que ça dit Je m'appelle Marcel et j'ai décidé de faire un appel au peuple afin qu'il se fédère pour créer le média en 4-4-2. Est-ce que vous connaissiez déjà sur le chat Ce, Cet appel a été entendu puisque aujourd'hui, nous avons les pôles rédaction, montage, traduction, dessin, musique, réseaux sociaux. Et tu, tu fais tout tout seul ou est-ce que t'as du monde pour tout ça Parce que pour une chaîne avec 13 000 abonnés, ce serait étonnant. Plus de 500 personnes ont répondu à l'appel et à l'heure actuelle, une équipe de 60 personnes travaille activement à la réalisation de ce média. 60 personnes D'accord. Mais vous sortez vraiment beaucoup de... En tout cas, sur YouTube, ils n'en sortent pas beaucoup. Hein, vous voyez, il y a deux jours, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a deux mois. Donc, ce n'est pas non plus euh, ultra régulier. Tu l'auras compris, c'est un média créé par le peuple et pour le peuple. On va... Interroger, est-ce que c'est vraiment créé par le peuple du coup Nous sommes évidemment loin des médias mainstream, hein, vous savez là, les merdias, les BFM TV. En fait, je, je, maintenant j'ai de la réactance par rapport aux gens qui disent les merdias et qui disent ouais, c'est les BFM TV. Bah, alors que je disais ce genre de truc euh, en 2015, mais en fait, euh, les gens qui s'en réclament généralement disent encore plus de merde que les merdias et BFM TV. Bref, acheté par des milliardaires et subventionné par le gouvernement avec ton argent à hauteur de plusieurs millions d'euros. Et euh, donc voilà, une interview de Lucien Cerise. Alors, co Coco Pelli, justement, on en parlait l'autre fois et on me disait, en fait, c'est un peu de la saloperie derrière. Et moi, je ne me doutais pas, pour moi, c'était juste un semencier. Un ah monde en semence aussi, ils ont fait un truc là-dessus. Documentaire. Alors, j'imagine que c'est plus à la gloire du truc. Et il faudra qu'on creuse un, un jour, justement, le sujet Coco Pelli, parce que moi, j'étais un petit peu tombé des nues quand vous m'avez annoncé ah ça la dernière fois. Mais le gros de leur contenu, il est pas là. Leur, le gros de leur contenu, il est sur leur site internet. Euh, directement, ah non, quand on clique sur la, sur la bannière, ça renvoie pas sur l'accueil, bah, c'est pas très très bien fichu, voilà, avec euh, Pierre Barnerias euh, en, en tête de couve, on, on va regarder, les, les plus délirantes sanctions contre la Russie, donc j'imagine que c'est pro-russe aussi, de <laughs> toute façon ça va tous les avoir, en fait c'est, euh, les médias qu'on euh, les, les spie, ils prennent à chaque fois le point de vue euh, des médias mainstream, entre guillemets, D'ailleurs, qu'ils soit mainstream ou pas, parce que moi par exemple, je suis pas mainstream, mais il y a des fois, bah, je peux être d'accord avec une, une version officielle tout en la nuançant, tout en la contrebalançant avec les autres versions. Mais, euh, mais par contre, en fait, eux, c'est vraiment de la réactance. C'est-à-dire, ils, ils ont dit quoi BFM bah, On va dire exactement l'inverse. Donc, euh, du coup, bah, je leur souhaite pas faire de la météo quand même, parce que du coup, ils se planteraient peut-être systématiquement. Euh, Qu'est-ce que ça raconte ici, du coup Charus hors concours et un peu bourré. D'accord. Enfin, ça a l'air d'être des articles de haute qualité. La régie des alcools de l'Ontario ne vendra plus de vodka russe. Oui, voilà, donc ils font un top 10 des sanctions les plus débuts. À la limite, en soi, pourquoi pas euh, En soi, pourquoi pas Alors après, il faudrait, faudrait voir comment ils traitent le sujet. Par contre, il y a un autre sujet euh, qu euh, que j'ai ai écouté un petit peu le traité. Et j'ai envie de vous en mettre un petit extrait. Normalement, sur YouTube, ça devrait passer. Alors, sur YouTube, petite annonce pour YouTube. Nous ne sommes pas d'accord avec les extraits que nous allons diffuser. On pense que c'est des gens qui disent n'importe quoi. Et justement, on veut le dénoncer. Ben parce que YouTube, à chaque fois, en fait, quand tu mets des trucs complotistes, même pour les critiquer, ils te mettent des strikes à toi, hein, comme si euh, c'était toi qui euh, contestais la pandémie, etc. Euh, du coup, une interview de Pierre Banerias. Alors, j'ai pas noté de timer, mais je, on, on va en écouter quelques minutes si vous le voulez. J'ai vu le documentaire il y a vraiment beaucoup à dire. Donc, c'était fait avec ton équipe euh, de la plateforme Citizen Light. Ouais, parce vu... qu'ils ont vu le, ils ont vu le, le filon. Hein. Il y a eu Hold Up, Hold Out, Hold On. Enfin, a... maintenant, c'est une trilogie, déjà. Il y a une plateforme pour le droit à l'information. Euh, le, mmh. le documentaire a plein d'invités encore. Ouais, une... il y a une niche là-dessus. Même Dividio a sorti son propre média conspi. Ouais, Dividio qui me doit toujours un débat, d'ailleurs, hein, parce que. Il avait promis, mais bon, euh, j'attends toujours. Euh, et euh, ouais, c'est divisionnaire. Alors, j'aime bien le jeu de mots, ceci dit, en tout cas, sur le marketing, ils sont plutôt bons. Une fois, y a, on voit tout bien à. Tu dire quelque chose, Aurélien Viens je... débattre, Divisio, si tu l'oses. Et bien, le message est passé. Perronne, euh, euh, Marc Doyer, Fourtillant, tu cites aussi les scientifiques internationaux, il y a les Robert Malone, scientifiques... euh, Regretté Montagnier. Euh... Voilà, en fait, voilà. Ils, ils essayent de faire du. Euh... Euh, du name dropping des rares mecs euh, convriers et qui disent des trucs un peu similaires aux leurs. Bon, par contre, voilà, 99,9% des autres médecins mentent pour eux. Hein. Gerd Bosch aussi. Et... Et je crois qu'ils auront une petite sortie là-dessus, là, Mais hein. j'aime beaucoup aussi, c'est que tu donnes la parole aux médecins, soignants, infirmiers suspendus et aux familles des victimes. Et oui. euh, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le, le troisième Bah, D'abord, euh, c'est pas ce qui m'a donné envie, c'est que maintenant, euh, voilà, on est, on est une équipe. L'argent, tout simplement, hein, donc, euh, ben, euh, quand les... qu Il avait fait des docu avant Hold Up, mais ça marchait clairement pas autant. Pierre Barnéa je crois qu'il faisait des docu euh, euh, pour parler du christianisme. Enfin, voilà, il était très... Euh, je... Il avait une niche là-dessus, mais ça marchait beaucoup moins, quoi. Quand d'autres personnes me disent, allez, ah, il faut y aller, quoi. Est-ce qu'il est qu va y avoir le bingo Covidiste Alors, vous pouvez faire des pronostics euh, sur en, en combien de temps le bingo va être atteint. En moins de 5 minutes, hein, moi, je vous le dis. Là, on est à 1 minute 22. Il y a encore pas mal de choses à raconter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu de, il a plus de contre-pouvoir aujourd'hui. tout les masques, le vaccin qui tue, qui fait des millions de morts selon eux, évidemment, toujours sans donner aucune preuve. Alors j'imagine qu'ils vont te montrer des documents super inquiétants avec une musique terrifiante dans leur euh, dans leurs euh, leur documents. Enfin, on avait vu ce que c'était sur Hold Up. Hein. C'était pour nous dire que euh, oui, on a la preuve que ça a été créé de toutes pièces et tout, parce qu'il y a un brevet qui, euh, euh, qui parle euh, de ça et qui date de telle date. Enfin, tu sais, les, les, premiers, les premiers trucs, les premières thèses complètement stupides qui étaient sorties euh, dès le début de la Covid et sur lesquelles ils sont restés. Ce n'existe plus. Vous avez des informations énormes qui ne sortent pas ou qui ne sont, qui sont, euh, voilà, sont pas fouillées. Par exemple, ne serait-ce que euh, qu'est-ce qu'il y a dans, 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 dans ces foutus fioles euh, dans ces foutues fioles Alors, j'ai quand même envie de faire une remarque, euh, Pierre Barneria, c'est bien de faire un, un tournage à l'extérieur Alors, mais déjà euh, le son du coup ça va être compliqué et surtout t'es pas un réalisateur de documentaire qui s'est ultra blindé, tu veux pas alors après est-ce que ça devient pas une strate un moment d'avoir euh, une qualité de son de merde pour dire hey, regardez, on... moi je devrais le faire hein, parce que moi je suis tout petit par rapport à eux mais moi j'ai pas un son de merde et, euh, et eux ils font des docu, si vous regardez le financement participatif, ce que ça soulève mais vous hallucineriez. Enfin, de toute façon, on l'avait vu, hein, c'était, je sais plus, euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, il me semble, pour le premier. Qu'est-ce qu qu'il y a dans... Qu'est-ce qu'on injecte... qu qu a injecté à 5 milliards de personnes C'est quand même des questions que tout le monde est en droit de se poser. Et quand vous n'avez pas de réponse, en fait... Et on a bien sûr, absolument aucune idée du contenu euh, des vaccins. Vous savez, personne ne sait. Les gens, ils injectent des trucs, mais ils ne savent pas du tout ce que c'est. Ils voient un liquide, hop, on fait les piqûres. Personne n'a analysé ce qu'il y avait dedans. Personne. Nous, on... On, on, est, on est vraiment journaliste dans l'âme. Précision pour YouTube, parce que je sais que YouTube, ils ont un petit peu de mal. C'était de l'ironie, hein, vous avez compris Non, parce que on n'est plus sûr avec vous. Quand on voit qu'il n'y a rien de l'autre côté, c'est-à-dire que du côté officiel, il n'y a toujours pas d'enquête sur les, sur les effets secondaires, sur, les, euh, sur la, la. Non, il n'y a pas du tout eu de pharmacovigilance continue depuis la release du vaccin. La composition des vaccins. Ironie toujours. Hein, mais... euh, enfin, sur... C'est chiant de devoir préciser ce genre de truc maintenant. Quitte passe sur la numérisation de la société. Là. Euh... Euh, je, je vois que dans Hold Up, on avait, on avait juste montré que euh, bah le, le, le but ultime, c'était de la numérisation de la société avec la disparition de la monnaie liquide. Euh, et aujourd'hui, ça y est, c'est en place. Nous, à Alors, ça n'est pas le but du Covid. C'est juste une évolution technologique qui paraît. Relativement logique d'éviter de s'échanger des, des feuilles de papier où on attribue des valeurs. Vu, vu que la valeur est complètement fictive et virtuelle, bah, dès le début, en fait. Euh, euh, en fait, un billet de 500 euros, il coûte pas plus cher à fabriquer qu'un billet de 5 euros. Enfin, s'ils sont un peu plus grands, je crois. donc euh, Mais bon, de quelques centimes. Donc, de toute façon, l'argent n'est qu'une virtualité, une, une fiction, en fait. Euh, Vous nous avez traité de complotistes, de tout ce qu'on veut, de conspirationnistes ouais. et autres. <laughs> C'est un fait établi. Il y a même euh, Thierry Breton qui vient de se vanter de bientôt au mois de juin on aura un passeport sanitaire, mais de qui se fout-il Alors moi je, je vous prédis aussi euh, que euh, le but du Covid c'est à la fin d'avoir, d'ici quelques décennies, des ordinateurs quantiques. Et vous verrez si les ordinateurs quantiques existent un jour, ça voudra dire que ça valide toute ma théorie sur la Covid. Pourquoi pas euh, continuez quoi alors que le même Salut était euh, dans le en train de nous dire Ah euh, oh bah vous rendez compte, on a réussi à faire un vaccin en moins de six mois, mais c'est pas vrai. Ce vaccin il était dans les tuyaux depuis au moins dix ans, donc ça n'a pas pris six mois. Hein. C'est euh, parce que, euh, avec euh, si on compte à partir du moment où euh, le vaccin est, est à la phase 3 était. Euh était jugé satisfaisante, assez satisfaisante pour lancer une phase 4, même s'il si y avait un chevauchement des phases 3 et des phases 4, ce qui euh, explique le cafouillage de Véran et ce qui explique que euh, ça, ça a été un angle euh, des, euh, des conspits sur le coup pour, pour attaquer là-dessus, parce qu'il y avait une grosse incompréhension. C'est ah ils disent qu'on est en phase 4, on a la preuve que la phase 3 n'est pas terminée, donc on ne peut pas être en phase 4. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Mais du coup, en fait, présenter comme ça, ça convainc toujours beaucoup de gens. Mais en fait, heureusement qu'il y a un suivi des gens euh, qui étaient testés lors des phases 3 et que quand le, la phase 4 commence, ah bah on arrête de faire le suivi. Alors là, on aura eu raison, s'ils avaient arrêté de les suivre, on aura eu raison de gueuler et d'avoir des sorties pas complotistes, mais simplement inquiètes en disant bah, comment ça se fait que vous arrêtez de suivre les mecs, vous les avez suivis pendant 6-8 mois, et maintenant on n'a pas de suivi à long terme. Bah on veut un suivi à long terme. Bah, du coup, euh, voilà, les phases 3, tant que le suivi continue, la phase 3 ne s'achève pas. Mais bref, ça, ça, c'est un pirate. Appel, hein, mais il euh, y, y a tellement de trucs qui prennent parce que souvent ils vont prendre un, un, un petit élément de truc qui est vrai, mais pour lui faire dire tout autre chose. L'amour voilà, de la frite, l'amour de la patate! Et merci pour le follow, euh, Alexium, qui auditeur de DFM, N'hésitez pas évidemment à follow la chaîne. C'est du gros foutage de gueule tout ça. Et, euh, mmh. et, et, et en fait, euh, là depuis Hold bah, on, on, on pallie, on pallie à l'absence de travail, mmh. au vide sidéral. Euh, de la presse dite officielle, qui est juste. Ce sont juste le, le, le relais du pouvoir. Alors, la, la presse ne se dit pas officielle, à part le bulletin officiel, hein, lui, du coup, c'est son nom, mais en fait, il y a juste une, euh, une presse qui a plus d'audience, plus de moyens, plus de légitimité dans l'esprit des gens, même si la légitimité est en soi discutable. En fait, tu as simplement des médias connus, d'autres qui le sont moins, euh, des automédias comme, euh, comme la modeste chaîne que vous regardez actuellement. Voilà, avec ces grands prédicateurs qui. Euh... Qui, qui tous les jours, face caméra, nous, 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 nous disent ce qu'il faut penser, nous, nous racontent ce qui est bien, ce qui est mal. Enfin, c'est juste insupportable. Est des... On est vraiment dans le discours vague, flou, euh, basique, euh, mais dans lequel tout le monde peut se retrouver si on n'y réfléchit pas trop. Oh, on nous dit quoi penser dans les médias. Euh... Oui, bah, tu as une fabrique du consentement, mais dans tout. Hein, tu l'as dans la publicité, tu l'as très officiellement dans les, la, ce qu'on appelle la propagande, hein, celle qu'on a reçue en papier. Euh, Rappelez-vous, vous, hein, vous lisez. Mélenchon, ouais, voilà. un, autre, un autre monde est possible. Ah, mais pas pour tout de suite, là, du coup. <laughs> là, je sais pas l'autre monde qu'on va avoir. On écoute le débat sur Discord, c'est les barres de rire. Mais ah, sur Discord, parce que je vais dire comment tu fais pour pas avoir de soucis avec ta chaîne, Zio. Ah, tu peux nous faire des petits débriefs, euh, euh, nous mettre s'il y, y a des trucs marrants qui se disent dans le débat, euh, nous les relayer, parce que du coup, on veut pas prendre le risque. Bref, revenons à Barnerias et à son grand n'importe quoi. Voilà. Voilà ce qui a motivé le fait que, bah, avec. Euh, voilà, on est maintenant une petite dizaine. Euh, et euh, voilà, on s'est on s'est chauffé pour pour terminer, mais c'est fini maintenant. <laughs> ça sera le dernier euh, le dernier volet parce que pff, ah, enfin on peut pas aller plus loin quoi. Que de... Ah si, euh, dans Star Wars, ils ont fait trois trilogies. Vous pouvez vu que vous êtes dans Star Wars, vous pouvez faire trois trilogies, les gars. Hein, euh, d'en savoir un peu plus sur la composition. Le bien des... contre le mal, les moutons contre les éveillés. Enfin, c'est on est vraiment dans Star Wars. Hein. Les vaccins et autres. Les, le méchant nouvel ordre mondial de Big Pharma euh, qui veut tuer tout le monde. Euh... Enfin, est, on, on est dans l'Empire Galactique. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est ça, ça, assez complet finalement. On, on a alerté sur ce qui allait venir. Euh, J'ai regardé les débunkages en fait, euh, de Hold Up, de Hold On. Ce qui est terrible en fait, c'est toujours le, le double. Est-ce langu... qu'elle a regardé le nôtre du coup Parce qu'on avait fait un débunkage de Hold Up bah, sur l'autre chaîne d'Aimon les Chroniques de YouTube à l'époque. Euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est attaqué, c'est souvent sur des points où la temporalité a changé. <laughs> Quand bon, ça devient non, non, jamais personne n'a dit que n'y avait pas de masque, c'est toujours parce qu'au début on nous a dit qu'il fallait le pas, puis après il fallait. Euh, quand tout le ouais. monde disait non, non, <laughs> euh, personne n'a dit qu'il euh, fallait. Là aussi, la, la strat, bah, on l'avait on l'avait euh, explicité à l'époque dans le débunkage. On prend des trucs vrais. Alors, il commençait par les trucs euh, avec lesquels on pouvait être le plus d'accord pour après vriller de plus en plus dans Hold Up, le premier. Euh, pour après euh, avoir les théories les plus extraordinaires. Rappelez-vous, hein, je, je vous renvoie la vidéo elle-même. Si Aurélien, tu peux la mettre sur le chat. Euh, mon debunk de Hold Up à l'époque. Mais euh, j'avais mis une partie des points sur lesquels je suis d'accord, donc c'est toujours ça. Hein, mais alors, mais sur, même sur les masques, là, ils, ils font un petit peu d'histoire a posteriori. Euh, en fait, la position du gouvernement français a été stupide et a changé de, de point de vue officiellement euh, au début de la pandémie. Le point de vue de l'OMS disait dès le début... Bah, ils étaient juste prudents en disant « on ne sait pas encore si ça sert trop le masque pour l'instant ». Et puis, dès qu'ils avaient dès qu'ils avaient des, des preuves par rapport à bah, des gens, on ne savait pas si le, le virus était plus aéroporté ou manuporté. Euh, au démarrage, hein, rappelez-vous, hein, c'était les objets qui étaient touchés, on disait qu'ils euh, pouvaient continuer à être vecteurs de la maladie pendant 4 heures, 6 heures, 12 heures. On ne savait pas trop. Du coup, on désinfectait nos courses quand on rentrait chez nous. On savait pas. Maintenant, on sait que ça, c'était pas forcément le truc le plus utile et que le masque servait beaucoup plus sur le coup. quoi mais, euh, mais l'OMS, en fait, n'a pas, pas dit « il faut interdire les masques ». Ça, c'était juste le gouvernement français qui a eu une position, bah, qui n'assumait pas le fait que la gestion des masques avait été complètement désastreuse et qu'on n'en avait tout simplement pas. Donc, euh, c'était euh, Tabibian qui, pour une vanne, disait euh, « les masques, tant qu'on n'en avait pas, c'était interdit. Maintenant qu'on en a, c'est obligatoire euh, ». Alors, ce n'était pas interdit à l'époque, mais c'était à réserver, du coup, pour, pour le personnel soignant. Et ça... Quand on est en pénurie, on peut comprendre qu'on le réserve aux personnels soignants parce que c'est eux qui sont quand même en première ligne. Donc s'il y a des gens, euh, s'il y a des gens qu'il faut masquer et puis surtout pour les FFP2 parce que les FFP2, contrairement aux masques chirurgicaux, protègent et le porteur et la personne en face du porteur. Contrairement, voilà, les masques chirurgicaux, les masques jetables euh, qui sont en gros efficaces entre 70-80%, mais qui protègent essentiellement les personnes de vous et euh, pas vous des autres personnes qui ne sont pas masquées quoi. Donc euh, et merci pour le lien Aurélien absolument euh, que, que le vaccin euh, stoppait la transmission. On l'a bien vu pendant des mois et tout d'un coup maintenant, ça a un en fait accepter. Du coup, il y a toujours cette dualité pour pouvoir désinformer les gens a posteriori. Euh, on voilà. utilise la dernière information pour pouvoir euh, euh, attaquer en fait ce que tu dis. Euh, C'est vraiment cette progression du mensonge ah, qui est dégueulasse. arrange les journalistes parce qu'à chaque fois, on voit les médecins qui ont reçu des primes par rapport aux... Aux patients Covid et puis ça. Ça, ça a été débunké, je crois aussi. Hein. Ça change, du coup, on va dire. Non, mais c'est là, plus. Là-dessus, je n'ai pas fait de débunk personnellement, mais il me semble en avoir vu euh, des défiler pas mal. En tout cas, maintenant, donc, c'est des mensonges. C'est assez terrible. Et à chaque fois, c'est toi qu'on attaque euh, pour l'avoir dénoncé, en fait. Bah, pas que lui, euh, toutes les personnes qui disent n'importe quoi, en fait. Non, mais ce qui est. Enfin, euh, moi, est, je pense que ça, ça va changer parce qu'ils ne vont pas pouvoir cacher. Les Casas les crève enfin, tous les experts en épidémiologie autoproclamée. Euh, depuis que, et qui maintenant sont devenus des experts en, euh, en géopolitique, en politique internationale, euh, voire en, 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 en tactique militaire, hein, depuis qu'il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Sous le tapis, les, les millions de morts, quoi, euh, de, de, de gens qui étaient en parfaite. Des ultra-crépidarianistes, quel que soit le sujet, en fait. Qu'on a tué. Enfin, donc, euh, à un moment donné, ça, les journalistes vont, vont être obligés de se regarder en face, quoi. Pourquoi, pourquoi ils n'ont pas bossé Pourquoi ils n'ont rien fait Pourquoi ils n'ont. Enfin, c'est ouais. juste pas tout ce qui est en train de se passer bien, là. Euh, on a, on a... voilà. Donc, euh, les médecins sont complices, les journalistes sont complices. Il n'y a, a que des complices dans cette histoire. Hein, un là, seul narratif. Vrai, Salut, là, en plus, ils nous, reprochent. ils nous reprochent, par exemple, dans le DUP, ils ont reproché qu'il y avait un seul narratif, qu'il n'y avait pas de contradiction, alors que dans le DUP, il y a de la contradiction, parce qu'il y, y a des la Lacombe, il y a également des, 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 des citations de... Euh, du ministre de, de la Santé qui, voilà, qui... donc on a pris euh, deux extraits de vidéo BFM, donc il y a de la contradiction. C'est parfait, vous trouvez pas que c'est parfait Le Pen Zemmour avec des cœurs. Ah bah écoute, euh, tu as le droit de penser ce que tu veux, Flatters. non, on n'est pas tellement sur, sur ce texte là. Non, c les le Penistes et les Zemmouristes, bah écoute, euh, on les écoute, on les entend, on kiffe pas spécialement ce qu'ils disent, donc... Euh... Mais euh, sois le bienvenu chez les Mélenchonistes, flatteurs Enfin, chez les Mélenchonistes. Euh, il faudra faire un sondage pour qui vous avez voté au premier tour. C'est vrai, on a même voté. Tellement c'est que j'en ai oublié le nom. Euh, et, et voilà, donc, ils nous reprochent, ils ont reproché à Hold Up d'avoir un seul narratif, alors que c'est un vrai film, un vrai film documentaire avec une vraie, avec une vraie opinion. Oui, mais on, on, c'est un film qui, qui pour moi, et, et de radio, on aurait pu sortir en salle. D'ailleurs, j'avais une centaine de, de salles de cinéma qui, qui avaient pris le film euh, au mois d'octobre. Et puis après, les salles ont fermé. Donc après, on connaît la suite. Donc ouais. il nous reproche. Donc voilà, il, il veut vraiment nous faire, nous faire un, un Barneria Cinematic Universe. Et j'imagine qu'il bah voilà, continuera d'exploiter le filon. Mais revenons aux médias en 4K2 lui-même, puisque là, c'est juste une interview, mais qui était euh, bah, sur euh, le header de leur site aujourd'hui. Euh, et un article assez intéressant de Street Press que je voulais vous partager. Euh, Street Press, alors ouais, plutôt de gauche, hein, Street Press, c'est pareil, il y, y a une opinion, et euh, qui titre de façon assez étonnante euh, Alain Soral parrain des complotistes anti-vaccins. Euh, puisque oui, Soral, il le rappelle, a été euh, banni de YouTube, où il faisait euh, l'essentiel de ses vues. Alors vous savez ce que c'est, hein, c'est à double tranche, quand vous bannissez un conspi d'une grosse plateforme, à la fois vous rendez son discours... Plus difficile à, à accéder pour euh, des personnes qui le découvriraient, mais en même temps vous radicalisez ceux qui le suivent déjà. Donc euh, c'est un petit peu. Il euh, y a du positif et du négatif, quoi. Et moi je vois surtout du négatif euh, dans la censure, même si bon... Sur le coup, Soral, c'était quand même souvent des appels à la haine et... C'était pas juste de la désinformation, quoi. Euh, du coup, ouais, c'est vrai qu'il s'est recyclé sur le Covid. Et s'est euh, placé au centre du jeu selon Street Press, ses fidèles noyotent le mouvement anti-vax en site cartonne et discrètement il a lancé un autre média, Conspi Enquête. Euh, depuis le début de la pandémie, Soral fait du Soral, il liste les juifs, ça, il aime beaucoup faire des listes de juifs, hein, ça Soral. En charge la médecine d'État, nous avons donc Lévy, Buzin, Hirsch, Gedge. De Ré, Jacob Salomon, je veux dire, c'est la liste de Schindler. Ils sont tous des agents de ce qu'on appelle Big Pharma, en plus ah. des agents du Nouvel Ordre Mondial. Alors, il y a une petite vidéo justement hein, qui reprend l'essentiel de ces points-là. Euh, une vidéo justement qui vient de Street Press. On pourra en regarder les, les deux premières minutes si vous voulez. Euh, son petit logiciel conspire tourne à plein régime. La communauté organisée, c'est ça, où des fois il dit la communauté de lumière, l'axe américano-sioniste. Enfin, il a plein de. Plein de formules pour désigner par des périphrases, les juifs en fait, tout simplement, euh, complotent pour faire du pognon et soumettre le peuple français. Bref, du très classique pour celui qui a longtemps été le visage de la haine en France. Euh, du coup, la petite vidéo. Emmanuel Là. Macron et Brigitte ne sont pas vaccinés. Emmanuel Macron sont euh, menti. Tout le monde a plus ou moins compris. Calme-toi, calme-toi. Michael Vendetta, qu'est-ce que vient Est-ce que vous savez que Michel Vendetta avait rejoint ce genre de coloris Et Brigitte ne sont pas vaccinés. Ils vous ont menti. Tout le monde a plus ou moins compris et commencé à se poser des questions. C'est faux. Le professeur Didier Raoult vous le dit. Qu'est-ce qui relie le site conspire, le média en 442, l'ancienne star de la télé-réalité Michael Vendetta, le gourou Casas Novas ou l'antivax Salim Laibi Alain Soral, ils ont tous été proches à un moment ou un autre du polémiste d'extrême droite. Petit retour en arrière. Au départ, Soral est un écrivain au succès assez modeste qui s'engage au fond. Et de la... non Conforme. En 2009, il claque la porte du parti et mise tout sur YouTube. Il fait des vidéos où il est assis sur un canapé rouge et il débite des conneries homophobes, racistes, antisémites et déjà très conspirationnistes. Au final, nous dit Louise Michel, tout ça revient au même problème, l'éducation populaire des réseaux et d'Internet dans l'ensemble. Alors, t'as de l'éducation populaire qui est admirablement faite sur Internet, mais en fait, disons que t'as pas de... Le problème de la télévision, c'est que ça filtrait trop. Et ça filtrait des fois de façon très orientée. Le problème d'Internet, c'est qu'il n'y a aucun de filtre. C'est à toi d'acquérir une méthodologie suffisante pour savoir filtrer l'information. Et la plupart des gens ne l'ont pas, et en fait c'est pas un reproche, c'est normal. C'est comme la plupart des gens, bah, s'ils connaissent pas tellement chirurgie oculaire, bah, ils ont même pas les bases. Mais c'est comme ça. Ils vont devenir des mèmes et des vidéos stars d'internet. Si jamais on dit que le mariage n'est pas nécessairement le mariage d'un homme et d'une femme, c'est la porte ouverte à la, comment dire je revendication légitime de la polygamie. Et même à la limite de la, du mariage zoophile. Le juif laïque, quoi Qu'on subit toute la journée Ça, France, ça m'avait échappé, ça. C'est-à-dire qu'il a intégré, finalement, l'air de rien, un espèce de, de suprémacisme tribaliste. Sur Dailymotion et YouTube, il cumule plus de 120 millions de vues sur ses vidéos. Son site internet, enfin celui de son association, Égalité et Réconciliation, est visité par 7 millions de personnes par mois. C'est, à cette époque, le site web militant le plus fort, le plus puissant. Oui, alors il le mettait très souvent en avant, on disait, ah, oui, selon Alexa Ranking, et du coup, il le mettait toujours en avant. Et c'est vrai que, justement, il a été un des premiers là-dessus. Usu l'historique. Expliquait que s'il s'est lancé euh, à faire des vidéos politiques sur internet, c'est parce que l'extrême droite l'avait fait avant avant eux et principalement Soral. Et il s'est dit, mais en fait, il faut répondre à des gens comme Soral, faut pas les laisser parler tout seul sur YouTube. Et surtout qu'à cette époque, du coup, ça marchait très très bien. Hein. C'était ces vidéos du mois. Alors, du coup, il y a une formule pour dire, on est tous des enfants de Soral. Bon, alors heureusement, la plupart des enfants sont rebellés, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que à une époque tout le monde en a un petit peu regardé du Soral. Il y en a qui le regardaient avec distance et euh, plus pour le côté comique de la chose, comme moi je le faisais. Il y en a qui étaient vraiment à fond dedans, hein, Donc euh, il y en a qui le sont de plus en plus hein, justement. C'est à l'époque il y avait la plupart des gens ils le regardaient pour le, le personnage un petit peu punchliner. Euh, voilà les, les punchlines à la Soral. Bon derrière euh, ce soi-disant maître du logos, en fait ne fait que des sophismes. C'est sophisme, ça peut être un pour lui un synonyme de punchline en l'occurrence, mais euh, donc c'est un petit peu paradoxal. Mais euh, son, le discours de Soral s'est radicalisé. Il a de moins en moins de monde, mais euh, les gens qui le suivent sont le, le, de plus en plus affondants. C'est Vincent Lapierre qui pourrait justement bien en parler. Je vous renvoie à l'interview que Duclos avait faite de Vincent Lapierre sur le coup. Le plus regardé de France devant ceux du PS, du Front National. Mickaël Vendetta, Secret Trotsky. <laughs> Je sais pas si c'est une faute de frappe, euh, latest, mais en tout cas elle est très bien. Appartient à, à la société de se poser la question de savoir pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu. À cette époque, Soral est une vraie star du web. Il a une influence énorme sur toute une génération. Avec son copain Dieudonné, il fédère autour d'eux dans un truc qu'on appelle la dissidence, une galaxie de youtubeurs, d'influenceurs qui vont. Relayer. Ouais, la dissidence en fait c'était. Des gens. En fait, c'était soit des gens de droite, soit des gens en... confus, entre guillemets. Ben là, ils mettent l'agence Info Libre. Moi, il faut savoir que j'ai commencé ma carrière sur YouTube en bossant avec l'agence Info Libre. Donc, quelque part, euh, je bossais avec des gens euh, de la sphère euh, Soral. Euh... Bon, en fait, ils étaient. En, en vrai, en soi, c'était plus des babacools qu'autre chose, hein, mais. Euh... Et, euh, non, contre... mais sérieux Ouais. Bah oui, l'agence Je les ai suivis, mais euh, bah, tu sais, comme je te l'ai dit, j'étais complotiste, j'ai suivi mmh. Soral euh, scrupuleusement pendant trois ans. Ah, mais eux, ils avaient quand même une méthode de travail, l'agence Info Libre. Tu vois, moi, je trouve ça pas très sympa de le mettre dans le même sac que euh, des Casas Salim Laibi, Conversano. Ouais, mais euh... ce qu'il y a, c'est que je l'ai connu, euh, j'ai connu l'agence Info Libre en même temps à cette époque-là, parce que ça tournait un peu dans le milieu de, des complotistes. Alain Soral partageait leurs le vidéos, je crois. Et du coup, je les ai suivis, et eux, c'était intéressant. Bon, c'était un peu dense, par contre. Euh, il fallait vraiment euh, se mettre euh, 30 minutes à écouter que ça et à ne pas avoir eu trop à réfléchir dans la journée. Sinon, euh, tu bouffais de l'info, quoi. Ouais, Mais c'était super bien, Agence Info plus D'ailleurs, je sais même pas ce qu'ils font maintenant. Ah, ils ont arrêté depuis un moment. Euh... Euh, ouais, c'est ce qu'il me semblait. Euh, D'ailleurs, je peux peut-être vous retrouver un extrait. Je vais essayer de euh, vous retrouver un extrait. Euh, à l'époque, notre agité. Ah bah tiens, ça, bah, là, là c'est un extrait dans lequel je ne suis pas. Mais c'était un, un, un moment de fou rire à l'époque euh, dans la Bosca TV. Et, euh, et voilà. Et donc, il y avait l'agence Info Libre qui était dans, euh, dans ce fou rire. Alors, par contre, il y a Jonathan. Euh... Moi, d'hab, euh, je crois, j'espère je, ne pas accorcher son nom, euh, que euh, du coup on a rencontré avec euh, Xavier. On l'avait même invité, euh, invité euh, c'était pour euh, justement Moscato qui faisait son spectacle à l'Olympia. On avait même fumé un, un spliff de CBD légal, je me souviens à l'époque. Enfin bref, je, je ne trahis pas un grand secret. Euh, mais euh, et donc, ouais, on était, on était plutôt potes. Et alors, par contre, lui, il a été euh, chez Ruchatoudé après, qui est devenu RT. Et maintenant il est chez Valeurs Actuelles, donc bah, Valeurs Actuelles c'est pas trop nos copains sur le coup. Mais donc euh, oui, je, je m'étonne un petit peu de la trajectoire hein, de Jonathan sur le coup, mais chacun a sa trajectoire, hein. moi j'ai plus eu la, la trajectoire inverse. En suivant comme vous euh, le feuilleton de la Grèce, je me suis rendu compte quand même que le journal le, le plus hostile euh, au, au nom euh, au référendum, c'était le journal Libération, qui est quand même un journal censé être de gauche. Effectivement depuis mardi minuit, donc depuis hier à minuit, elle est considérée officiellement euh, par toutes les institutions financières et bancaires dans le monde, comme un état euh, en défaut de paiement, donc il n'a pas payé euh, une dette, je une de dette. Et ça, attention les gars, <laughs> quand vous payez pas la banque, même pour les états, euh, ça ne se passe pas très bien. L'argument, ah je suis souvent L'extrême ouais. Europe, c'est pas celui-là. Je crois que le, le fou rire, il était sur, euh, sur euh, Dailymotion. C'est de se dire Ouais, mais nous, on n'est pas n'importe quel pays. Alors peut-être qu'on peut aller enculer les Grecs, mais nous, ça ne se passera pas comme ça. Là, j'ai une déclaration, justement, de Pablo Iglesias qui a déclaré à ceux qui prétendent faire peur aux Espagnols en sanctionnant l'œil Grecs, nous disons que l'Espagne n'est pas la Grèce, justement, que l'Espagne a une position très forte en Europe, et que nous n'allons pas nous agenouiller devant Merkel. Bah bref, du coup c'était pas un extrait très très marrant, mais donc voilà, ouais, j'ai aussi bossé avec eux, donc voilà, pas besoin de faire le débunkage, je fais mon propre débunkage. C'est comme ça, c'est plutôt pratique, vous remarquerez. Et bref, revenons à l'article lui-même. <coughs> Petite pause stratégique à l'enregistrement au moment où je tousse. Euh... Au mi-temps des années 2010, au mi-temps, au milieu, il est l'homme politique star d'Internet. Ses vidéos cumulent plus de 120 millions de vues. Donc voilà ce qu'il nous disait un petit peu dans la vidéo. Mais le soufflet est retombé. Soral n'a plus le monopole de la transgression raciste. Zemmour dit à la télé ce qu'il ne peut plus dire sur YouTube, enfin à visage découvert. Oui, parce que vous remplacez euh, Juif par Musulman et vous avez plus ou moins la même ligne entre Zemmour et Soral qui correspondait beaucoup. Enfin, on se souvient du bouquin euh, Dialogue désaccordé, euh, je sais plus, Combat de boxe entre deux blancs dans un tunnel. Enfin, c'était sous-titré bizarrement. Euh, avec Nolo sur le coup, d'ailleurs, Nolo c'était un peu fait taper sur les doigts de ouais, tu fais des bouquins avec Soral. Il dit oui, non, mais j'étais... Euh, euh, pied à pied, front à front euh, pour lui apporter la contradiction par contre visiblement il avait des échanges avec Zemmour où ils étaient plus d'accord sur tout et euh, Soral a bon, c'est un petit peu les textes Soral, Soralien qui fait souvent euh, dit de euh, toute façon euh, Zemmour il a écrit les mêmes livres que moi avec euh, quelques années plus tard donc bon. Euh, Est-ce que c'est tout à fait faux sur le coup bah, Je sais pas, il faudrait tout, lire tous les livres de Soral et tous les livres de, de Zemmour. Moi, je me suis déjà cogné le suicide français qui est dans la bibliothèque derrière. C'était un peu chiant. Bah, justement pour la Mosca TV à l'époque, hein, euh, pour en faire la critique. Je crois qu'on en a fait la critique dans, dans un agité. Soral de retour sur YouTube car si la plateforme l'a mis à la porte en juillet 2020 parce que là vous dites pourquoi quel rapport entre Soral le média enquête 4-2 Soral est, selon nos informations revenu par la fenêtre, son nouveau média s'appelle le média enquête 42, une chaîne YouTube lancée seulement deux mois après la fermeture de sa chaîne officielle. Bon, pour l'instant, juste concomitance et encore pas tout à fait exact. En vidéo sur ce nouveau canal, un certain Marcel D dont le visage n'apparaît pas explique que la Covid, moi je dis la Covid, est un complot de l'état profond des juifs et des francs-maçons, bref, sur le fond du soral pur jus. Alors, ils, ils mettent un extrait de vieux, je crois que c'est juste euh, une chanson... Un, D'accord. Et euh, ça, ça c'est plutôt malin, ça, 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 ça marche bien. Pour, euh, tu fais une chanson pour faire passer une idéologie, ça marche beaucoup mieux que des entretiens de deux heures, ils l'ont bien compris. Le média indépendant Fact and Furious, et vous savez, Fact and Furious, c'est des copains, s'est penché sur le dos. Alors, eux, ils sont penchés... Pas tellement, pas tellement du point de vue sauralien sur le coup. Euh non, je s'il vous plaît. Euh, ah et, par contre, ils ont commencé à blinder leur site de pop-up. Alors Marcel D pour Marcel Dubreuil, qui se présente comme le président de l'association Le Média Enquête 4-2, mais il n'y a pas de Marcel Dubreuil dans les statuts de l'association que eux se sont procurés. Ce qui compte pour moi, c'est la vérité, et s'ils font envoyer du lourd, bouge pas, je m'en occupe, déclare-t-il sur sa page Tipeee. Personnelle On en a combien Est-ce que, est que ça marche bien son Tipeee Sur le screenshot, ils étaient à 780 par mois. Euh, je suis à moins de 70, ouais, donc euh, on, est, on joue pas tout à fait dans la même cour. 700. Non, d'accord, c'est toujours euh, d'actualité. Donc il euh, n'y a pas tellement de nouveaux euh, De nouveaux types. Top tipeurs, il y en a que deux Marielle, Alain, non, non De toute façon, ils disent 126 tipeurs, donc euh, c'est donc pas possible. Euh, L'association de médias en 4x2, donc voilà, eux ils ont une approche un petit peu voilà, fact-checking, zététicienne. Euh, on, va regarder, euh, on va regarder administrativement ce qu'il en est. Euh, déclaré en novembre 2020 sous, sous préfecture châteaubriand ancenis l'association a pour activité principale l'information communication, l'activité du média réside dans l'édition d'un site du même nom qu'on vient de voir euh, un site de désinformation notoire au Roland complotiste bah, là déjà on a vu sur une vidéo sur le header Barnerias qui euh, nous sort en 5 minutes, il nous a sorti le bingo on est d'accord en 5 minutes et au contenu sans fond largement suivi et partagé dans la sphère complotiste, oui le, le truc qu'on avait vu c'était un top 10 euh, des sanctions contre la Russie euh, « Largement suivi et partagé dans la sphère complotiste, le site se pose en médias créé par le peuple et pour le peuple, et se dit loin des médias mainstream, achetés par des milliardaires, subventionnés par le gouvernement avec ton argent. Pourtant, l'argent public ne semble pas être un problème pour cette association, comme le stipule l'article 8.2 de ses statuts. Ressources de l'association qui sont constituées des cotisations annuelles des subven de subventions publiques, donc, du coup, bah, avec ton argent, hein. <laughs> on, peut, on peut le dire aussi. Enfin, alors, il faudrait voir à quelle hauteur est-ce qu'on a la, la répartition, euh, est-ce qu'on a accès à la liasse fiscale pour euh, voir le détail, je ne sais pas. Des dons L'amour de la frite, l'amour de, de la patate. patate Merci pour le follow, Alexandra. Des dons manuels et aides privées que l'association peut recevoir, on l'a vu notamment sur Tipeee, des revenus de ses biens et activités, de toute autre ressource non interdite par les lois et règlements en vigueur. Ça ressort d'une couleur différente, comme s'ils avaient voulu le mettre en évidence. Revenu de l'association, donc il y a la plateforme Eloasso. Ah oui, on a regardé que Tipeee du coup. Les cotisations sont à 15 euros minimum et l'association a enregistré plus de 500 adhésions, soit 7500 euros minimum. bah eh ben, écoutez, checkons. Web archive du coup. Euh, association, adhésion en, en trade, 15 euros. Mais alors où est-ce qu'on voit le, le, nombre, le nombre global sur le coup, euh, je ne vois. C'est pas suffisant. Euh, enfin, c'est pas suffisant avec juste ce lien-là pour, euh, pour le déterminer parce qu'on ne voit pas le nombre, euh, le nombre de personnes qui. Alors, est-ce qu'ils ont toujours leur Hello à plutôt que le Wayback Machine euh, qui nous sert ici de screenshots qu'on ne pourra pas supprimer C'est l'intérêt de Wayback Machine aussi. Hein. Notamment. Un truc tout à fait trivial qui n'a rien à voir. Euh, la note de Fortnite à l'époque, il y avait des théories du complot qui, justement, qui nous disaient que Stone, l'ancien rédacteur PC de Game pour lequel j'avais voté en 2017, c'est pour ça que je vote Nodus cette année, et euh, en fait, il s'était fait dégager pour la note qu'il avait mis à Fortnite il lui avait mis 4 sur 10. Et en fait aujourd'hui on voit 7 sur 10. Et en fait l'article a été refait, il n'y a que la version. L'article sur la version Switch. Mais avec le Wayback Machine, on peut accéder à l'article de l'époque. Et voilà. Et du coup, euh, voir Stone défoncer Fortnite. Mais en fait, il parlait plus de Save the World que euh, du Battle Royale. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Les dons quant à eux s'élèvent à euros. Donc ouais là, c'est euros. On n'a pas trop pu les vérifier directement. Euh, Quoique on pourrait essayer de pousser un peu la recherche. Faisons ça en live. Euh, hop. Euh, Hello Asso, il nous disait, Hello Asso, Média en 4-4-2. C'est chiant à écrire parce qu'il faut mettre des tirets. Hello Asso. Non, je vois Pop Média. Alors après, est-ce qu'en faisant la recherche Média en 4-4-2 directement euh, sur Hello Asso, je pourrais la voir. On va check. Que cherchez-vous aujourd'hui Une association, une activité, est-ce qu'on peut mettre juste le nom comme ça, Média en 4-4-2, est-ce que tu trouves quelque chose c'est peut-être pour ça qu'il y a juste un lien à Wayback Machine. C'est peut-être qu'ils ont été supprimés euh, du site. Bah, du coup, l'information n'est pas forcément euh, vérifiable, en tout cas sur le montant. On voyait le montant individuel, mais euh, sur le nombre, le nombre d'adhérents. Euh, cette somme comprend des dons récurrents mensuels. Compte tenu du manque de transparence de la plateforme Helloasso par mail, il nous a été impossible de déterminer quel montant est mensualisé. D'accord. Donc, euh, un petit peu de prudence quand même. Bien que l'association Le Média en 442 soit enregistrée au répertoire Sirène, aucune activité commerciale de vente de biens ne semble avoir débuté. Ah, bientôt disponible la boutique, d'accord. Mais est-ce que maintenant c'est disponible Alors, c'est toujours euh, bientôt disponible. Euh... Ah non, mais quand on clique. Euh... Non, ça nous renvoie sur, euh, sur le même. Euh... Et ils aiment beaucoup en tout cas envoyer sur euh, cette interview de Barnerias hein, pour eux, visiblement. Euh, c'est quand même un de leurs moments glorieux et épiques. Mais un enregistrement voilà, n'est pas anodin ou sirène. Les statuts de l'association prévoient une rémunération des membres du bureau comme le stipule leur article 13. Euh, et alors ils ont surligné euh, le cinquième point de l'article 13. Pourquoi les fonctions de membres du bureau peuvent ré être rémunérées selon les conditions prévues par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser 70% du SMIC. Bon bah c'est pas beaucoup ceci dit, 70% du SMIC. Euh, donc, je vois pas où ils veulent partir. Absolument rien d'illégal à ça, oui, certes pas. Ni euh, d'amoral en soi, hein, tu euh, même si c'est de la désinformation. Je veux dire, tu fais du travail, c'est normal que tu en retires euh, un petit revenu. 70% du SMIC là, sur le coup, euh, je vois pas trop. Euh... En revanche, ce qui est illicite, ce sont de fausses mentions légales sur un site associatif. Ah bon En effet, le nom du directeur de la publication, président de l'association, doit impérativement figurer dans les mentions légales. Et là aussi, c'est un lien Wayback Machine. Alors, ils mettent toujours beaucoup de temps à se charger, c'est normal. Euh, sous la direction de Marcel D, président. Oui, Marcel D, responsable de publication Marcel D. Oui, du coup, euh, bon, voilà. En cherchant, euh, en cherchant la petite bête, on peut se dire que leurs statuts ne sont pas non plus faits vraiment dans les règles. Ok. Euh, les membres du bureau, toujours aucune trace de Marcel D dans les documents officiels de l'association. Donc voilà, ils ont censuré quand même euh, certains trucs pour ne pas les doxer euh, non plus. Bien que ces documents soient accessibles sur demande et, pub et publics, la rédaction n'a pas souhaité divulguer les informations personnelles des intéressés. De son vrai nom, Christ Christophe Censuré, Marcel Dubreuil est entrepreneur individuel dans la production de films pour le cinéma depuis 2013. Et on verra que là-dessus, euh, Street Press va aller plus loin. Il est aussi agent de la fonction publique territoriale dans une communauté de... Des pays de la Loire, à cela s'ajoute une rémunération possible en tant que président de l'association Le Média en 442. Enfin, une page Tipeee personnelle avec 780 euros mensuels. Euh, oui, c'est vrai, il dit oui, je m'en occupe. Il dit pas on s'en occupe, il parle en son nom propre sur la page Tipeee. Donc, euh, bien évidemment, il s'agit du même Christophe. Même nom, même localité, même adresse. Le, la communauté de communes nous a confirmé par téléphone que leur page était leur page internet était à jour au niveau des employés afin de ne pas compromettre l'emploi de Christophe. La rédaction a choisi ah, ceci dit s'ils ont, ouais, ils ont puis les appeler pour vérifier le truc sans cramer oui. La rédaction a choisi de ne pas diffuser certaines informations. Toutefois, nous n'hésiterons pas à les communiquer pour faire valoir l'exception de vérité si l'occasion se présente. Nous avons tenté de contacter ce Christophe, alias Marcel D et l'association par tous les moyens possibles, mais euh, ces derniers ont préféré ignorer nos demandes et nous bloquer. C'est classique, hein, oui, c'est la réinformation. On bloque tous les gens qui sont pas d'accord avec nous. Outre le problème légal de se présenter sous un faux nom comme président d'une association. Et pour collecter des fonds, cela présente également un problème moral. Dissimuler sa fonction d'agent territorial pour fonder un média du peuple contre celui du pouvoir et dénoncer euh, un, toujours citation, mensonge d'État reliés gracieusement et gro grossièrement par les agents serviles et soumis pour tromper le peuple. Encaissant au passage les sommes d'argent par la tromperie, cela s'appelle se ce foutre de la gueule du monde. Surtout lorsque des subventions publiques sont prévues et que du coup, oui, dans ton boulot tous les jours, tu es payé par ce même gouvernement que tu dénonces. Bah, à la limite, pourquoi pas Tu serais en conflit d'intérêts, mais tenté de ne pas le faire. Dans ce cas-là, tu peux te dire, ah bah c'est d'autant plus admirable de dénoncer le truc quand c'est la main qui te nourrit. Bon, bah, même si ce qui dénonce, du coup, c'est n'importe quoi. Euh, et voilà, c'est la fin de l'article. Reprenons euh, sur euh, Street Press. Euh, donc voilà qui nous explique hein, sur euh, Christophe. Alors Christophe J, euh, il précise une lettre de plus. Notre enquête nous permet d'aller plus loin. Je vous l'avais teasé. Euh, une source longtemps proche d'Alain Soral explique à Street Press que ce Christophe, alors là c'est un témoignage ceci dit, est l'une des petites mains qui depuis des années travaille avec Soral sur ses vidéos. Il est chargé par exemple de trouver des extraits et des documents pour habiller les célèbres vidéos du polémiste d'extrême droite qui pécore. Qui pérore, à Vachy, dans son canapé rouge. Et il est payé pour ça. Street Press a également eu accès à de nombreux documents bancaires qu'il confirme. Christophe J. est un auto-entrepreneur rémunéré depuis plusieurs années par Égalité et Réconciliation, ainsi que Culture pour tous, l'association et l'entreprise dirigée par Soral. Alors, il ne publie pas ces documents, parce que si c'est si juste basé sur le témoignage. Ça peut être euh, le même fail que vous vous souvenez, au de What's the Fake, que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, euh, qui fait du bon boulot, mais qui s'est planté une fois, c'était sur Lama Fachée, en affirmant que c'était Antoine Blanche Maison, Antoine BM. Alors que pas du tout, parce que, juste parce qu'il a eu un, un vlog qui s'appelait L'Ama Fâché des années auparavant, mais il n'a rien à voir. Enfin c'est quelque chose qui avait été déjà débunké plusieurs fois, j'étais très très étonné qu'elle tombe là-dedans. Et en fait elle s'était basé sur euh, voilà, un, un témoignage, ou euh, plusieurs témoignages euh, de personnes anonymes ou anonymisées. Euh, mais un témoignage n'est pas une preuve. Donc après, eux disent avoir des documents, mais nous, on n'a pas les documents, donc restons prudents. Toujours patron du game, pour l'instant sur YouTube, le Média en 442 n'est pas vraiment un carton, à peine 12 600 abonnés. Mais les chiffres grimpent. L'avant-dernière vidéo a quand même dépassé les 70 000 vues. Le Média en 442, c'est aussi un site internet qui, lui, est en train d'exploser, notamment parce qu'il se retrouve régulièrement sur Google Actu. Plus de 900 000 visites en novembre, 1,4 million en décembre et 1,9 million en janvier, selon le site d'analyse d'audience SimilarWeb. En parallèle, Égalité et Réconciliation, le site officiel de l'association à la gloire de Soral, continue son petit bonhomme de chemin avec 3,4 millions de visiteurs en janvier. L'audience cumulée de ces deux sites euh, replace Soral sur, Soral sur le podium des personnalités conspi les plus influentes de France. Après, il faut voir aussi qu'il y a d'autres conspi qui sont faits supprimer leur chaîne. Donc du coup, euh, le podium globalement a baissé sur le podium conspi. Soral a notamment, au début de la pandémie, joué un rôle majeur dans la, la propagation de fake news sur la Covid. Ah oui, c'est un festival, ça je vous en avais jamais fait de de euh, de react mais j'avais fait un react en off en privé avec euh, euh, mon pote euh, mon pote Bélial puisque je peux faire écouter euh, les trucs sur Discord aux gens grâce à ma table de mixage virtuel bref on, on s'en fout enfin moi j'aime bien mais c'est un détail technique en 2020 les, nombreux, les nouveaux visages du conspirationnisme n'ont pas encore émergé ou n'ont pas la notoriété qu'ils ont aujourd'hui un rapport de l'entreprise américaine NewsGuard publié par le site internet de France Info recensait après 6 mois de pandémie les comptes Twitter super propagateurs de fake news sur la Covid en tête de ces 7 contes qui ont le plus contribué à donner de l'écho aux théories du complot autour du sujet, Alain Soral, évidemment toujours lui. Et hein, dans ce même classement de Newsguard, 3 des 6 autres contes lui sont directement liés. Et en plus, j'aime bien faire des, des, des chroniques qui parlent de Soral, parce qu'après les Soraliens ils viennent, ils disent Ouais, Soral, il y a des grosses couilles Ouais, Soral, il vous met une branlée. Euh, j'ai absolument aucun argument. Mais euh, du coup, bah, moi, ça me divertit toujours. J'en fais des petits screenshots pour euh, une compile des, des, des messages les plus drôles que j'ai jamais reçus. Bref, n'hésitez pas. Ces 10 ans de bourrage de crâne conspi ont ouvert la voie au mouvement anti-vax d'aujourd'hui. En préparant les esprits d'abord. Alors, c'était peut-être pas réfléchi, d'ailleurs. En, hein. en préparant les esprits d'abord. Hein. En 2015, le site web d'égalité et réconciliation dépasse les 7 millions de visiteurs par mois. C'est à cette époque, voilà. On l'avait vu, le, le, plus gros site de, le plus gros site politique de France, Alex ranking, tout ça. Et 4231 adhérents, du coup, euh, qui cotisent. Hein. Donc c'est quand même une petite manne financière, ça plus euh, euh, les bouquins qu'il vend, plus tout le reste. Il hein, y, a, y a tout. Euh, ça fait des, plusieurs décennies qu'il a organisé son business là-dessus. Hein. Mais si Sora là encore aujourd'hui un tel poids dans la composphère, c'est aussi parce que autour du polémiste d'extrême droite et de son acolyte dieudonné s'est structuré tout un espace politique, la dissidence, la galaxie de médias de réinformation, c'est vrai qu'il faut mettre, des, faut, faut, faut mettre des, euh, des guillemets partout avec, euh, avec ça, de youtubeurs et de pseudo-intellectuels qui relaient ces idées et alimentent les théories du complot, s'ils ne dominent plus la fachosphère comme en 2015, Papacito ou Baptiste Marchais ou le Raptor, quoique le Raptor est un petit peu en... Voilà, il fait moins de vues aussi lui qu'il y a en 2016, 2017 par exemple. Il me semble, on pris le lead, il reste influent et se sont pour la plupart lancés dans le COVID complotisme Après le Raptor lui l'a lancé, ouais, son, son truc de coaching, donc euh, ça doit à la fois lui rapporter du pognon et, et, et peut-être lui prendre un peu de temps, encore que... Hein. En gros, euh, ouais, on va t'envoyer en une liste d'exercices. Euh, dans quelle mesure ils passent vraiment beaucoup de temps sur chaque dossier, dans quelle mesure ils adaptent vraiment la formule, je ne sais pas. Bref, c est, c est, le but n'est pas de débunker, euh, de débunker les conseils muscu euh, du Raptor. Et après, en plus, les gens, ils vont dire, ah, mais en plus, toi, t'as pas un physique de. Bah, et euh, il y a quelques années, j'avais un physique de Hugo Muscu, donc je, sur le coup, je connais un peu le sujet. Bref, on s'en fout. Ça n'est toujours pas le but de notre chronique. Pierre Jovanovic. Lui aussi, il est souvent dans les, dans les bons coups, qui apparaît en 2020 sur le podium des comptes Twitter super-propagateurs de fake news sur le Covid établi par NewsGuard. J'avais lu un bouquin de Jovanovic aussi à l'époque. C'était quoi C'était Blythe Masters sur euh, voilà. Euh était, euh, vous vous souvenez la crise des subprimes, tout ça, la meuf qui, qui aurait fait la formule. Alors il y avait sûrement une, une partie de vrai, hein, mais du coup... Euh... <laughs> Moi à l'époque je ne savais pas qui était Jovalovic, je m'étais dit en mode... Euh... C'était vraiment très intéressant. Quand je vois ce que dit Jovalovic aujourd'hui, je me dis, il hm, faudra peut-être faire une relecture critique de ce bouquin. Bref, là non plus, ça n'est pas le sujet. Euh, mais il est super propagateur de fake news. Euh, il fricote avec Soral depuis plus de 10 ans. Alors, à la limite, quand il faisait genre des. Bah, Jovanovic avec qui euh, Lisandre a bossé, sur le coup, hein, euh, dans Radio Ici Maintenant. Alors, après, Lisandre rappelle régulièrement que il ne l'a jamais vraiment porté dans son cœur. Hein. Ils ont même donné des conférences ensemble. pourquoi je parle de ça C'est à la limite, c'était. Euh, euh, et on, on a parlé, on s'est entretenu avec Laurent Fenn, son acolyte, euh, qui s'est clashé avec La Tronche en bière, Vous voyez, l'émission, la table ronde euh, avec La Tronche en bière. Et il euh, y a notamment la partie 2 euh, avec. Euh, euh, Alexander Samuel euh, sur, euh, sur cette même chaîne euh, et il y avait toujours Laurent Fenn dedans donc euh. au départ vous avez vu on, on, on a tous euh, voilà et, euh, entre, entre Lisande qui euh, bossait avec Jovalovic et moi qui bossais avec l'agence euh, euh, Info Libre et ouais on a, on a fait partie quelque part de la périphérie de cette complosphère à un moment donc euh, on la critique en connaissance de, de cause ça que j'aimerais expliquer aussi aux gens euh, qui euh... ah merde je suis en pause depuis tout à l'heure bah je vais être dans la merde pour euh, faire la rediff c'est ça qu'on essaye d'expliquer avec euh, Lisandre euh, aussi depuis un moment. C'est qu'on dénonce, euh, on dénonce en fait euh, toute cette sphère pour la connaître et pour l'avoir côtoyée et pour euh, avoir vaguement souscrit à certains trucs à une époque. Bon, même si moi j'ai jamais été très très à fond. Non, mais des fois je regardais, voilà comme tout le monde euh, les théories du complot sur le 11 septembre, en disant ah c'est vrai, il y a des trucs bizarres. Bon après quand tu creuses un petit peu plus, il y a des trucs bizarres dans les trucs bizarres aussi. Hein. Bref. Euh, au départ, cet ex-journaliste du Matin de Paris, ouais, parce que lui il dit euh, souvent à euh, Jovanovic, euh, il dit volontiers, oui, moi j'ai commencé à la rubrique euh, chat écrasé, euh, euh, au Matin de Paris euh, notamment, et je crois qu'il s'était spécialisé dans les nouvelles technologies à l'époque, est un spécialiste des complots financiers, parfois réels, mais très souvent fantasmés. Comme il parle tout le temps de plein de juifs, ça plaît à Soral, d'ailleurs ils ont fait déjà des conférences ensemble, il a sans problème rattaché le Covid à tout ça, et ça cartonne. Attends, je l'ai quelque part. Cartonne. Voilà. Par exemple, son entretien sur TV Liberté, chaîne de droite bien connue, sobrement titré J'accuse Bill Gates approche les 600 000 vues sur YouTube. Alors, je ne sais, plus de quoi il par... je ne sais pas de quoi il parlait, en l'occurrence, dans cet entretien. Mais on a aussi fait un débunk sur Bill Gates, donc n'hésitez pas à le revoir. J'essaie de mettre les liens dans les rediffs, mais des fois, j'oublie. La liste des soraliens conspi assaisonnés à, à la sauce covido-sceptique est longue. Et encore j'aime pas mettre le mot de sceptique pour qualifier leur démarche qui n'est plus du scepticisme mais de la paranoïa ils voient derrière la pandémie une manipulation pour instituer un gouvernement mondial les conférences labellisées EER souvent également auteur chez Contre Culture la maison d'édition de Soral multiplient les interviews dans les médias de réinformation pour propager cette thèse Valérie Bugot, Marion Sigo. alors il me semblait que Marion Sigot elle, elle, s'était clashé avec Soral, je ne sais pas si c'est toujours le cas, Félix Niche, oui, qui était son, son, son auteur, son, son petit auteur qu'il avait découvert, et qui est fétiche, et après dans lequel il a essayé de le mettre dans des émissions de radio aussi, je crois, je sais plus, Félix Niche euh, étant un, un pseudo, Stéphane Blake, qui s'est récemment suicidé, ah bon, je ne savais pas, Youssef Indy, certaines apportent une subtilité perso. Dans son bouquin Covidisme et Messianisme, Youssef Indy tente par exemple un parallèle entre la religion du Covid et le Messianisme juif, d'accord Pourquoi pas euh, stratégique. donc ça je ne, je ne connais pas le truc qui le relaye. Il faut euh, ajouter à la petite euh, armée de propagande les ex-soraliens partaient pour monter leur crèmerie. Ils sont tellement nombreux. Soral, il s'est clashé avec tous les gens avec qui il a bossé. Bref, Salim, Lai, là, là aussi, là aussi euh, euh, Vincent Lapierre peut bien en parler. Euh, Salim Laibi, alias le libre penseur, s'est brouillé avec le patron de la dissidence en 2014. Il vivait depuis une longue traversée euh, du désert. Le Covid lui a permis de se refaire euh, la, la cerise parce qu'il faisait déjà. Euh, euh... Moi j'ai l'impression qu'il marche encore plus depuis qu'il est plus avec Soral. Euh, il était justement, c'était un des 4 cavaliers de l'apocalypse avec euh, Casas Novas, euh, euh, le buveur d'urine là, euh, Chaleur et euh, le chaman de buveur d'urine. Précisons quand même tous ces titres. Euh, D'ailleurs il s'appelle pas euh, Chaleur hein, mais euh, voilà. En fait il y a un truc où, ouais, Cristal Chaleur ou un truc, je puis sais plus, voulu faire un jeu de mots avec son blase. Euh, et ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il était en traversée du désert. Sur Telegram, le dentiste marseillais anime une chaîne qui compte plus de 55 000 abonnés. C'est deux fois plus qu'Éric Zemmour. Bon, après, Eric Zemmour, il est pas principalement sur Telegram, du coup. Il a pignon sur rue. Il fait aussi des vidéos sur YouTube. Il comptait 140 000 abonnés avant de voir sa chaîne supprimée. Il en a encore presque autant, 129 000 sur Facebook. Dans un autre genre, ouais, tout autre genre, Michael Vendetta, l'ancienne star de la télé-réalité, souvenez-vous, l'inventeur de la bogositude et vainqueur de la ferme des célébrités en 2010. Ah bon euh, a été un fervent soutien d'Alain Soral et un adhérent de son mouvement, rapporte à Street Press des sources au sein d'égalité et réconciliation. Bon voilà, c'est toujours... Euh, là, on n'a pas de docu. Bon, on a une photo de lui avec... Euh, con, euh, avec euh, converse, ça rien à voir. Avec... Euh, Casas Novas. Aujourd'hui, c'est une figure de la complosphère et à tendance gourou. Il appelle ses... Fans des éveillés. Alors ça, c'est toujours un bon révélateur, hein, les gens qui... Ouais, en face, c'est des moutruches et vous, vous êtes les éveillés. Alors, après, certains diront, ouais, euh, le wokisme, mais est-ce que c'est pas les éveillés aussi Donc, euh, c'est vrai que du coup, maintenant, j'aime moins le mot, même si la, dé, la démarche woke, bah, j'y souscris pour à peu près la globalité, malgré les, les petits excès qu'on peut voir, les, les, les petits excès de zèle, quoi. Aujourd'hui, c'est une figure de la complosphère, donc voilà, on Et compare Macron à Hitler, d'accord euh... On n'est pas encore à Hitler, mais alors, bah, du coup, c'est qui Zemmour si Macron, c'est Hitler Vendetta, c'est régulièrement affiché. Avec un autre compagnon de route de Soral devenu, lui, une véritable superstar chez les Antivax, Thierry Casasnovas. Euh, lui, euh, alors je ne sais pas quoi de son audience depuis qu'il est... Alors il a toujours sa chaîne Régénère, mais c'est lui-même qui, euh, après Shot, euh, qui l'a mis en pause pour se mettre sur les autres réseaux euh, qui l'embêtent moins. Et d'ailleurs, ça, c'est un problème de YouTube. Hein. C'est que, en fait, vous avez moins de complotistes sur votre plateforme, mais en fait, vous ne réduisez pas le complotisme. Vous juste bah, tous les trucs qui, plus de près ou de loin, ressemblent à du complotisme, on dégage. Et euh, avec voilà des excès là aussi qui deviennent débiles. Une chaîne YouTube qui cumule plus de 82 millions de vues, un magazine papier édité par une filiale du groupe Bolloré, un statut de conseiller municipal et plus de 600 signalements auprès de la MUVILUD. Cela ferait presque trop pour un seul homme de ceux qui ont gravité autour de l'orbite d'Alain Soral. Thierry Casas -Novas, est sûrement celui qui a le mieux réussi malgré ou grâce à un discours pseudo-médical délirant et dangereux. On rappelle, on a fait plusieurs vidéos sur euh, Casas Novas, enfin au, au moins deux, je crois. Et euh, le repousseur de bras, hein, rappelez-vous, rappelez avec euh, la prière au Christ qui guérit et des jus de légumes, potentiellement, euh, ça peut être possible sur un plan surnaturel. Puisque lui est dans un plan surnaturel. Enfin bref, je vous laisse revoir les vidéos. Il estime qu'aucun médicament n'a jamais soigné personne, que le virus du sida n'existe pas. Et oui, voilà, et donc le fameux bras euh, amputé qui peut repousser. Il fait d'ailleurs l'objet d'une enquête pour exercice illégal de la médecine. C'est dans le cadre de cette procédure que son domicile a été perquisitionné le 16 février dernier. On avait fait des petites pastilles sur cette même chaîne, je crois, des jeux qui avaient été créée. Son association électorale remonte à 2016 et je crois qu'il avait pris des quenelles d'or aussi, au moins une quenelle d'or avec euh, Dieudonné. En octobre de euh, cette année, la section perpignanaise d'égalité et réconciliation accueille une conférence de Casas Novas. Il vient défendre le crudivorisme, soit le fait de tout manger cru. Il est à l'époque à la tête, euh, oui, parce que la théorie c'est... Euh, en cuisant, euh, le, en fait, vous perdez, euh, vous perdez plein de nutriments. Ce qui est sûrement en partie vrai en soi, mais est-ce que de tout manger cru, du coup, il euh, n'y a pas d'autres problèmes par rapport à ça. Enfin bref. Il est allé. D'ailleurs, lui, il avait failli crever à une époque où il était un régime du cru, ce qu'il a sauvé, c'était un régime carniste. Donc hein, l'inverse de ce qu'il prône. Bref, je vous renvoie à la chaîne de l'extracteur là-dessus. Il est à l'époque à la tête d'une association encore modeste. Soral va lui mettre le pied à l'étrier en relayant activement ses vidéos sur le site d'ER. Et notamment, on se souvient, alors il la regrette sûrement, hein, Vincent Lapierre, mais il avait fait une longue interview, à, enfin longue je crois, c'était 20-30 minutes, euh, très très élogieuse avec aucune remise en question à l'époque où il était encore chez EER. Mais bon voilà, maintenant il est parti en mode, euh, bon il est toujours, euh, je trouve quand même... Euh, pas Mal de droite sur certains plans, alors sur l'économique, lui se dit socialiste, donc euh, j'imagine qu'il est moins sur le plan économique. Par contre, euh, sur les questions complotisme, il a, bah, il a pris la bonne direction. Hein. À l'époque, il relayait full merde, full théorie du complot, et maintenant il est débunk, donc bah, voilà, on ne peut que le en féliciter. À ce niveau-là, euh, grâce à ça, le gourou va gagner sur YouTube des dizaines de milliers d'abonnés, autant de clients potentiels pour ses formations. Là aussi, l'usage de guillemets s'impose sûrement. Des diètes et autres extracteurs de jus dont il fait le commerce. Oui, il y avait tout euh, alors ça c'est pareil sur l'extracteur, ils expliquent bien. Et il y avait même des cagnottes, genre c'est présenté comme oh, regardez, on va être sympa, les gens qui peuvent pas payer des extracteurs à plusieurs centaines, milliers d'euros, euh, ben on va vous permettre de cotiser pour eux. Mais en fait, le but c'est quand même qu'on prenne de la thune. Hein. Après, euh, qui c'est qui paye Ça on s'en fout. Le charlatan va tranquillement établir sa petite notoriété au carrefour de la dissidence et des mouvements New Age. C'est là que le lien se fait. Hein. On, se rappel, on en parlait à l'époque de Qianan euh, entre. Et en fait, c'est un petit peu le milieu, le confusionnisme, mais euh, bah, pas forcément le confusionnisme apolitique entre guillemets, enfin qui est euh, plus politique que ce qu'il pense. Mais le confusionnisme, euh, le lien entre la gauche et la droite via le blé, via du complotisme. C'est euh, là-dessus que je voulais partir. Casas Novas est évidemment anti masque anti-vax, anti-mesures sanitaires. Il s'affiche aux côtés des désinformateurs les plus barrés, comme Jean-Jacques -Je -Jean Crèvecoeur, Sylvain trotta Tal Chaleur, l'homme qui boit son pipi. <laughs> Bien quand il le résume, je l'avais fait de façon plus classe quand même. Dans ce concours, de l'épine des pseudo-médecins absurdes pour soigner le Covid, Casas Novas n'est pas en reste. Avec une petite citation, et il est long l'article. Le coronavirus, si j'étais ministre de la Santé, est... Oui, on se souvient, ça serait réglé rapido, bain froid et jeune pour tout le monde, un petit jus de carotte et vas-y que je t'envoie. La formulation rappelle du Marcel D. Vas-y, file-moi des ronds et t'inquiète, moi j'envoie du bois quoi. C'est la pandémie de Covid-19 qui va définitivement le mettre en orbite. Casas Nobas n'a pas précipité la mort de Tepa avec un traitement New Age. Je ne sais pas du tout où est Outcast qui nous dit ça sur le chat Twitch. Euh, ce que je sais, c'est que euh, dans les derniers euh, stades de sa maladie, il avait dit il vouloir te tester des traitements alternatifs. Je sais pas si Casazovas a quoi que ce soit avec ça. Et euh, j'imagine qu'il avait traité, euh, qu'il avait testé la médecine conventionnelle qui avait échoué. C'est aussi souvent ça. Hein. C'est pour les, les raisons pour lesquelles bah, la médecine traditionnelle rien pu enfin, la médecine moderne n'a rien pu faire pour moi. Et c'est Il y, y, y a des gens qui me disent qu'ils peuvent me guérir. de bah, toute façon, foutu pour foutu quoi. Donc malheureusement, c'est souvent là-dessus que ça prospère. Hein. Sur euh... Le désespoir et la mort des gens. En gros. C'est la pandémie de Covid-19, en prétendant l'inverse, évidemment, hein, qui va définitivement le mettre en orbite. Sa chaîne a dépassé les 560 000 abonnés. Son magazine papier régénère, je crois, 17 000. Il est édité par le la société Progressif Média. est -ce que c'est vraiment progressif Une petite entreprise de communication qui vient de rejoindre l'Empire Bolloré. Bolloré. Ah bon D'accord. Dans Bolloré, il y a Casasnovas in fine. Fondé notamment par le militant anti avortement acharné Émile Duport. Euh, je ne le connaissais pas lui, mais euh, s'il est aussi, euh, aussi fou que euh, l'article qui qu avait choqué Psychodélique quand je lui avais envoyé, bah, il est bien fou. C'est aussi sur les serveurs de cette petite boîte qui était hébergé le site de génération identitaire. Tiens donc... Coïncidence, je ne sais pas. En haut de la fiche, Casas n'oublie pas les vieux copains. Il fait régulièrement des dédicaces à Soral et sa bande. En 2020, il vient récupérer sa quenelle d'or. Je crois qu'il avait... Au moins une, hein. Moi, je, je crois me souvenir euh, d'une intervention d'un feat, en tout, en tout cas entre Casas Novas et, et Dieudonné qui datait d'avant 2020, mais peut-être que je me trompe. Euh, tu, pourquoi ils sont tous vénères là? Il y a un débat politique en ce moment, ou bien oui, il paraît Renault. Euh, on, on débriefera le débat Macron euh, le peine demain Elle entretient souvent des liens étroits avec Dieudonné, va, euh, Valérie Bugot ou Marcel du Média en 4-4-2, Framry fait de la propagande anti-vax sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les salle de classe suisse où elle enseignait les maths comme l'a révélé le média ID News. Elle a ensuite été suspendue. Elle a depuis été suspendue. Elle aurait également suggéré à ses élèves d'aller voir le site de Dieudonné. Et MacRouzy, ah, Emma ah l'inénarrable Emma Crousy, hein, je crois qu'il est l'héritière d'un truc de mode de luxe, de vente de chaussures, et du coup voilà, qui a tout le, le temps, le loisir, l'argent euh, de faire de la désinformation. C'est en, en gros le, le, la, la QAnon suisse la plus connue. Un profil similaire à son amie Chloé framery Suisse aussi, elle est, euh, elle est avec la pandémie... Elle est avec la pandémie devenue une égérie des complotistes bruns, d'accord. Elle fricote, elle aussi. Alors là, on n'est plus dans les rouges-bruns, on est juste dans les bruns. Elle fricote, elle aussi, avec certaines figures de la dissidence, comme Salim Laibi... L'inévitable casas novas, mais reste officiellement estampillé. QAnon avec souvent le cul sur la main là. Le cul sur la main. Il y a des gens qui ont le cœur sur la main. Les QAnon, qu'est-ce que vous voulez Ils font ce qu'ils peuvent. Cette secte complotiste est persuadée que Donald Trump, leur héros, alors, littéralement, même un héros, mais vraiment de. On est dans Star Wars là aussi, hein, mène une guerre secrète contre un pseudo état profond qui gouvernera. Et puis il y aura même une alliance galactique, donc c'est au-delà de l'état profond qui gouvernerait le monde. Un délire qui a fini par déclencher l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Souvenez-vous, on l'a vécu en direct avec Lisandre. Ce qui n'empêche pas égalité et réconciliation de relayer les, les vidéos de Crousy. De toute façon d'excès de la merde qui dit, voilà, euh, quelque chose d'opposé euh, à ce que disent les autres médias, il le relaie. Euh, mais il relaie que ça. Hein, et il vérifie rien. Les trajectoires de Chloé Framery et Emma Crousy montrent qu'en misant sur le conspirationnisme anti-Covid, la dissidence... En général, et Soral en particulier, attire de nouveaux adeptes. Alors, le lien est un peu ténu quand même avec le média en 4-4-2. Ce qu'on peut affirmer du coup, qu'il est vraiment derrière. Il y aurait des preuves que c'est au moins un ancien adhérent, voire toujours adhérent de ER, qui a bossé en mode auto-entrepreneur, pour, enfin en tout cas avec égalité et réconciliation, qui est en charge du truc. La ligne idéologique n'est pas très très loin. Le lien n'est pas formellement établi. Et voilà, j'espère en tout cas que cette longue capsule vous a intéressé. Euh, et pour la, rediff, euh, pour la rediff, il y a peut-être un moment où j'ai fait une longue coupe sans faire exprès. Donc, voyez la vidéo in extenso. Je vous en mets le lien juste en haut à droite de votre écran. C'est euh, parce que j'aurais la flemme de faire du montage sur un truc aussi long, sinon c'est compliqué. Bref, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et faites des dons. Et si et je vous dis à la prochaine. C'était Daimon. J'aurais des choses à dire si tu veux concernant Casas Novas, Guy Claude Burger et le crudivorisme. Eh bah, écoute, pourquoi pas, Renaud, un jour c'est une radio libre, donc euh, tu as le droit de venir t'exprimer. Et je vous avoue, là, je suis à, à force de lire autant de choses, je suis un petit peu fatigué de parler. Euh, Est-ce qu'on a d'autres extraits de L'Agité Pour euh, me, faire, me faire une petite pause. Euh... L'Agité, Mosca TV. Est-ce qu'on en a d'autres C'est un petit peu cringe. Ah voilà, faisons notre moment cringe. Euh... Ah, mais à chaque fois, il n'y a, a que des. L'agité numéro 2. Alors là, ça doit être ultra cringe parce que ça doit être euh, ça doit être très très. D'ailleurs, sur ma chaîne euh, Diamond les Chroniques de YouTube, il y a des extraits de l'agité au tout début de la chaîne. Ah, le numéro 2, ça doit être bien bien mauvais. Alors, on, est... Bah, on est en 2015, les gens. Hein. Moi, je, je commençais. Hein. Et notre générique était super par contre. C'est moi qui avais choisi la musique, Guy Borato. Euh, D'ailleurs, c'est du Guy Borato aussi, la musique que vous entendez, mais c'est une autre chanson. Lorsque vous faites des dons, et du coup faites des dons. Sinon, euh, je crie, sinon je hurle, sinon je me débat, euh, sinon je suffoque, sinon, euh, sinon je, je vote au, au deuxième tour. Donc, euh, peu importe pour qui je vote, mais euh, du coup... Euh, alors, pour, sinon, je vote autre chose que Nodus. Voilà. Donc euh, vous êtes obligé de faire des dons. Monsieur K aussi a remplacé la pierre en faire valoir de ce... Oui, parce que la pierre, c'était la voix off qui... Je parlais à l'époque d'ailleurs quand j'avais fait une, une, paro une, une parodie de Soral dans mon interview de Belial Spirit, souvenez-vous. Euh, je fais une petite minute trente de, 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 de petits sketchs pas très très bien joués, hein, mais là aussi je crois qu'on est en 2016, un truc comme ça. Enfin bref. Et, euh, et où je commence en imitant Vincent Lapierre qui pose des questions à Soral. Parce que c'était lui vraiment la, la, la petite voix off qui était dans le fond qui est... Alain Soral vous avez vu le 4 juillet 2014 que c'était toujours... Ça commençait par une question de Vincent Lapierre. Et après, vous connaissez Soral. Après, il monologue pendant une heure. Hein, il n'y a pas besoin qu'on le, qu le lance beaucoup. Euh, et du coup, n'hésitez pas à rejoindre, euh, à rejoindre la radio. Euh, la radio libre, le standard, si vous souhaitez vous exprimer avant qu'on passe au prochain sujet. Je vous laisse le temps d'arriver. En regardant quelques minutes de la JT, numéro 2, euh, un moment cringe. Est-ce que c'était... Alors, la c'était des fois Xavier qui le présentait, des fois moi. Avouez que le générique était stylé. De retour, comme promis, sur le plateau en direct. Que... Ah, le son est dégueulasse. Euh, on a les micro-cravates, là, c'est pas ouf. On voit, on voit dans le champ euh, un des, une des caméras. Enfin bref, c'est foutu n'importe comment le plan. Enfin, on faisait ça à l'arrache. En plus, tous les jours, on installait, on désinstallait le matériel. On avait des émissions tous les jours. Et. Euh... Et là, bah, on est vraiment au début, donc on maîtrise trop pas, en fait, euh, tout simplement quoi. De la Mosca TV. Bonjour, Bonjour à, à tous. Et de Xavier, mais là, Xavier. ce qui est ouf, c'est que vous imaginez que là, moi, j'ai une webcam à 30 euros. Hein. L'image est mieux que là, il y en a pour 20 000 euros de matériel, en fait, si on compte tout. Et alors, rien, rien que les objectifs, ils sont à plusieurs centaines d'euros. Chaque caméra, c'était des Black Magic qui valaient une blinde. Enfin, euh, si vous connaissez un petit peu l'audiovisuel, Black Magic. C'est le moins cher du matos de pro, mais c'est du matos de pro quand même, donc... Euh... Yass, Iréal, bonsoir à, à tous. Ça va très bien, Joris. Un peu fatigué, un peu sur les nerfs, parce que c'est le début de la Mosca TV. Et c'est vrai qu'il faut être honnête avec les Mosca. Il y a deux ans, j'aurais donné mais plus de sous des eaux. Ah bon Ça fait deux ans Et pourquoi il s'est passé quoi de spécial il y a deux ans pour toi, Renaud En euh, on n'a pas chômé ces derniers jours. On n'a pas chômé. <laughs> on va essayer de vous présenter une édition de l'Agité, donc notre journal télévision maison un petit peu plus abouti que celle de samedi. Ah là, il n'y a Donc, pas l'agence en, en un peu du de coup. Plus de temps, n'hésitez surtout pas à réagir dans le chat directement du site www.moskatv1.fr. et vous pourrez nous poser toutes les questions à l'issue. Là, on a de... vaguement entendu du sble derrière qui m'a déconcentré d'où le moment de flottement. Quel sujet qu'on va aborder. Donc au sommet. parce que la savez, régie, elle était en haut, la régie justement c'est dans l'autre émission, on est dans la régie c'est pour ça le plateau il changeait Parce tout le temps. Apparemment en Grèce c'est très très chaud en ce moment on me dit dans l'oreillette. Et là c'est Xavier non, qui présentait. C'est quand, quand même dit. beaucoup mieux tout de suite on a un micro dynamique proche de la bouche. On a une petite pièce aussi avec des rideaux donc pour l'isolation c'est quand même un peu mieux. Et par contre ce que j'aime bien c'est qu'il y a un, un des plans où on voit euh, l'émission être réalisée en direct. On voit euh, François qui réalise l'émission euh, en live euh, sur, sur un des plans. Que la Grèce est en train de faire faillite, que se passe-t-il Je ne sais pas, en tout cas, d'abord le sommaire. Ah ouais, on le avait une sponsor Otago, ouais. Les chers on a bien travaillé nos sujets avec... Ah, vous voyez, là, le, le matos, il euh, y a du matos là. Hein. Le sommaire. Regardez, ça, en 2015, enfin on a acheté le truc fin 2014, ça, ça valait une blinde. Ça, les sortes de cannes à pêche, elles nous ont jamais servi, elles nous permettaient de théoriquement contrôler les caméras à distance, mais on savait super mal s'en servir. Il y a même une petite webcam en plus. Double écran, il a, il a une table de mixage derrière et d'ailleurs en fait, vu qu'on avait les, euh, les enceintes euh, sur le plateau, euh, on, a, on entendait le son qui a été repiqué par le micro. Donc à chaque fois, Xavier, il devait baisser le son sur la table de mixage. Enfin, c'était un bordel quoi. Au sommaire de ce soir, les chers Moscanautes. On a bien travaillé nos sujets avec l'agence Info Libre que vous pouvez retrouver aussi sur Facebook et sur leur site agenceinfolibre.fr. Euh, on les remercie parce qu'ils font un super travail. Merci les gars euh, d'être sur le terrain. Nous <laughs> inviter. Et d'être sur le web aussi, parce que vous ah, êtes bah sur, on a du et du et sur le Ah, du monde standard, donc on, donc on va faire, on va faire un peu d'actu internationale avec euh, évidemment la Grèce. La question du jour, la question ah. pourrie du jour. C'est est-ce que DSK pourrait-il redresser la Grèce On sait. 3 mois de suspension pour celui-là, puisque. il y a un moment a eu un où je parle, avec là. Clim, et je crois que. Euh, je bah, le ah, de... bah il y, y a Cyril, vous savez, Cyril qui intervient super souvent dans les émissions. Et bah là, ça y est, vous le voyez en vrai. Euh, parce que Cyril, du coup, que, que je connais IRL, puis son barreau. Il a été un peu jaloux. <laughs> Joli. Et, euh, et toi, euh, Cyril, qu est-ce que, est -ce que ça te donne envie de plaider nu sous ta robe Non, non, on a une déontologie, on est obligé de respecter euh, certains principes et de la. De la dignité. De Genre, il la... y a des gens qui vérifient sous la robe s'ils ont des vêtements. C'est n'importe quoi, ce, ce métier, en fait. Enfin, bref, la JT, la Mosca TV. Si vous voulez regarder des trucs un petit peu cringe, n'hésitez pas. On va d'abord faire monter Renault et après, on fera monter Bida. Salut à toi, Renault. Bienvenue dans cette radio -là. bienvenue dans la MCP 160e du nom. Je crois que tu es déjà des mutes. Comment ça va ce soir Il a percé dans le journalisme après, Xavier euh, Non, actuellement, il est prof et il est militant à, à la France Insoumise, du coup. Il a été longtemps à l'UPR et maintenant, il est à LFI. Ah l'UPR. L'UPR, la fameuse UPR. Ceux qui sont intelligents quant au compris. Ouais. C'est bon pour le moral. Eh, c'est bon pour le moral de tout comprendre, effectivement. On met maintenant, même si c'est devenu un peu une défense inconditionnelle du Trumpisme, du raoutisme et même du Poutinisme, comme on a ça. pu le voir, en gros, si je, si je peux le résumer comme ça. Alors les fans de l'UPR, ils vont tous me tomber dessus en disant Ah oh, quoi, mais non, on parle de l'article mais non, mais non Même l'article 5, quand vous en parlez plus, arrêtez, c'est fou. Non, 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 non. Tu, vais... tu es plus oh, non, intelligent non, non que ça. Non, non, tu es plus intelligent que ça et toi-même tu sais. Toi-même tu sais que. Toi-même tu sais que notre futur n'est pas seulement tiré de, de ce genre de propos. Notre futur, il est, il s'adapte et il est euh, évolutif et il est. Euh, tu vois, les jeunes, ils parlent plus comme ça. Il y a 20 ans, on parlait pas comme ça et 20, maintenant, on ans en avant. Et, et dans 20 ans, comment on parlera? Alors là, tu parles plus de comment on parlera en parlant du fond plutôt que de la forme, j'imagine. La nature des conversations. On plus de, que de la forme, forme. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, avec Aurélien, on dit des takes. Donc euh, peut-être que dans 20 ans, on dira autre chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hum. Et moi, j'étais petit, j'avais euh, euh, dans la cour de récré, je devais avoir quoi 6, 7 ans et On volera dans des voitures volantes en 2020. Ouais. On aura des voitures ça, volantes. Ça, c'était les magazines ouais. des années 80 qui disaient ça. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis de 77. Mm. Ouais, moi, je suis né dans les années 80 et euh, genre, il y avait des magazines, mais des magazines qui en fait étaient même un peu vieux pour moi. Tu vois, c'est à dire des trucs qui parlaient de la, de la RDA, de la RFA et tout. la chute du monde du mur de Berlin. Moi, je m'en souviens pas. J'étais trop petit, mais. Euh... Mais par contre, c'était des magazines du début des années 80 et ils, disaient, ils demandaient à leurs lecteurs imaginez quel sera le monde en l'an 2000. Et c'était ça, le premier truc qui ressortait tout le temps, c'était les voitures volantes. Je ne sais pas pourquoi. En fait, on a déjà des, des hélicoptères, on a déjà des avions, mais ils voulaient des voitures volantes. C'est ça. Et maintenant, tu as Jean-Pierre Petit qui te parle de... ça s'appelle quoi de déjà MHD, le... euh, Du modèle voilà, Enfin, c'est le courant, c c le courant électrique qui t'empêche te, qui que l'oxygène fasse friction sur le méthane. Alors moi j'ai pas le niveau pour euh, pour ou pour euh, dire si ce que Jean-Pierre Petit dit est vrai ou faux. Par contre je vois ce que disent ses confrères de son travail. Visiblement euh, notamment je sais plus quoi Timothée l'amoureux ou un truc comme ça. Timothée l'amour ou je sais plus. Quoi. Enfin c'est un de ses confrères qui est spécialiste du sujet dont il parle et qui disait bon euh, en fait j'ai regardé son modèle Janus ça ne tient pas euh, mathématiquement quoi. Enfin bref, je, je, je ne venais peut-être pas pour parler, Jean-Pierre Petit, euh, sur quoi tu voulais réagir, parce que tu me parlais de crudivorisme, il me semble, sur le chat tout à l'heure. Ben ah oui, c'est vrai. Vous êtes des... plus nombreux que YouTube, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous arrête et on l'a pas vu Tiens, je, je, je te laisse... Je te laisse... Si j'ai un temps soit peu de notion sur, sur quelque chose, c'est sur l'alimentation, parce que ma petite mère elle se nourrit essentiellement, enfin essentiellement, <laughs> uniquement de fruits, enfin de, de matière crue, depuis mmh. plus de 30 ans. Qui ça Quelqu'un de ta famille ben, ma, mère, tu... ta ma mère. mère. Et donc moi, j'ai les clés, j'ai toutes les clés pour ouvrir toutes les portes de, de, de tout ça. Sauf que j'en profite. Bien sûr, je fume, je bois, je mange des, de la merde et je ne fais pas comme elle. Voilà. Et alors, et, 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 ça ne revient pas à dire que euh, il ne faut pas manger sainement et que c'est des conneries de manger sainement. Évidemment qu'il faut manger sainement dans la mesure du possible. Évidemment qu'il y a plein de trucs qu'on fait mal et qu'on pourrait faire mieux. Hein. Dans l'idéal il voilà. de faut bien dormir la nuit, euh, euh, faut bien manger le matin, faut pas trop manger le soir, euh, faut pas ça fumer, de faut ça. pas boire d'alcool, faut plein de trucs quoi. Ça, ça va au-delà de ça. Quand oui. tu es équilibré, tu arrives à peu près à te maintenir sur un t... voilà, sur des trucs comme ça. Mais tu peux tout aussi bien partir sur certains extrêmes en étant conscient que certaines choses sont bien meilleures que d'autres. Ouais. Il s'agit de il s'agit de faire conscience en premier lieu à son pif quand tu sens quelque chose qui est bon, ça sent bon, tu peux le manger. Et, et ouais, là, on n'est plus tellement dans un discours de nutritionniste, du coup. Non, pas du tout. On est dans un, on est dans un mode euh, au présent. Est dans le présent, on est à même des choses. Qu'est-ce qui va te faire saliver C'est ça, c'est ça ou c'est ça Si c'est une huître... Qui te fait euh, dégueuler quand tu la vois, mais par contre, quand tu la renifles, euh, elle, elle, a envie de te, elle, elle te fait saliver, t'as envie de la bouffer, mais par contre, quand tu la vois, elle te fait gerber. Mmh. C'est un truc bon fou, ça. Bah, c'est deux sens à toi qui ne sont pas d'accord entre eux, ouais. en gros. Oui, oui, mais ça, c'est un des paradoxes. C'est comme l'œuf cru. Un œuf cru, euh, moi je suis désolé, je ne pourrais pas manger le blanc. Par contre, euh, le jaune, je, je suis habitué étant, en tant qu'enfant d'avoir mangé le jaune d'œuf euh, cru comme ça à la petite cuillère. Tu, vois tu, tu prends le jaune d'œuf, tu manges à la petite cuillère, tu ne tu, tu manges pas le blanc. Et le blanc, euh, ça n'a pas trop de saveur, ça n'a pas trop de goût. Par contre, le jaune, mon gars, oh le jaune d'œuf! même cru, hein, c'est un truc de... Mais cuit à la mimosa avec un petit mmh. peu de mayonnaise, je kiffe aussi. Hein. <laughs> ah, c'est euh, notamment euh, Marathon Laveuse de Compagnie qui veut, qui est très très intéressée par le jaune de l'œuf à chaque fois que, que j'en casse. Hein. Je lui en ai donné un jour pour voir et, et elle a défoncé le jaune. Le blanc l'intéressait pas trop. Et dans le crudivorisme, il y a plein d'autres exemples. Par contre, si je peux parler d'un truc intéressant, c'est l'arrêt instinctif. Euh, ce qui n'existe pas dans le dans, le, dans, dans ceux qui cuisinent. Ouais. Hein. Parce dans que, le oui, parce que. Casas Novas, il y avait même de l'instinctothérapie à l'époque, c'est comme ça qu'il a su qu'il qu mange de la viande crue. Oh, oui, C'est ce qu'il explique. Oui, parce que c'était exactement ça. En fait, on lui a bandé les yeux, on lui a passé plusieurs aliments sous le nez, on lui a dit lequel tu as envie de manger. Et quand on lui a mis de la viande, il a fait Ah là, mon corps, il me dit qu'il faut que je mange ça. Ouais, mais à ce moment-là, il a envie. Enfin, c'est envie... la version qu'il a donnée. Hein, mais mais c'est pas très important à la... moi je parle d'arrêt je parle d'arrêt instinctif ah. l'exemple le, flagrant c'est quand tu manges euh, sur un fruitier en plein été, tu vas sur un fruitier tu vas t'en faire une, blaine, une pleine dégueulade alors le truc le truc le plus flagrant c'est sur les figues quand ouais. tu vas manger des figues à un moment donné, la figue elle va, te, elle va te gercer les lèvres à un moment donné, tu vas plus pouvoir manger de figues parce que tes lèvres vont être quasi gercées. Ça, c'est le paroxysme. Il y a d'autres arrêts avant. Hein, et je pourrais parler de plein d'arrêts comme ça. Euh, en tu en voilà là. Par exemple, oui, les tomates, ça devient acide. Le melon. Ah, les tomates, a... c'est toujours acide. C'est pour ça qu'en cuisine, on rajoute un peu non. de sucre pour contrebalancer non, non, pas... l'acidité. Non, non, c'est pas... pas ce que je voulais dire. Qu Quand tu as besoin de tomates, ton corps il adore la tomate. Mais à un moment donné, si ton corps il a plus besoin de tomates, elle devient, moi j'ai trouvé acide. Ça, Pour moi, le melon, j'ai essayé le melon, il, il avait plus de goût au bout de 2-3 melons. J'avais 9 euh, ans. Hein. Et le lendemain, je bouffais mmh. le même melon, il était super bon. Alors que la veille, il avait plus de goût, il avait goût de flotte parce ah bon. que mon corps n'en avait plus besoin. Et c'est ce genre d'arrêt qui c est, est peut intéressant. Peut-être juste un melon qui avait moins de goût que l'autre, mais c'était le même ah. non c'était le même c'est pour ça que ça m'a perturbé d'accord et que j'ai compris et tu as compris quoi du coup mais j'ai compris que le corps tu as beau le saturer dans certaines matières tu n'iras pas, pas plus loin avec quand tu manges cru il n'y a pas de problème par contre quand mmh. tu manges cuit Gaffe à ne pas manger trop de chocolat, trop de matière grasse, trop de machin truc, trop de bidules chouettes, parce que ça, ton corps, il ne te dit pas non, j'en ai pas trop. C'est ta tête et ta, ta langue qui te dit j'en ai trop. Ce n'est pas, pas ton estomac, ce n'est pas l'intérieur qui te dit que j'en ai trop, c'est en haut. Ouais, enfin, en fait, fait voilà, c'est juste la différence entre faim et gourmandise. Mais... C'est un peu ça l'idée. D'accord. Et du coup, où veux-tu en venir hein, du coup, avec tout ce raisonnement sur. Euh le cru ce qu'on mange ou est -ce que... oh. ben, où est-ce que où est-ce que je veux en venir est on est ce qu'on mange mmh. euh, tu manges McDo tu manges Lidl tu manges Carrefour tu manges produit euh, local du maraîcher est on est ce qu'on mange Alors, et au final on est ce qu'on qu mange sur le point des... de vue nutritionnel je veux bien euh, par contre quand on est dans des raisonnements de euh, oui, tu as le physique de tes idées ou euh, les gens non, qui non, mangent mais... ça euh, ils sont plus comme ça euh... Euh, J'entendais par exemple chez Teddy Boy RSA, oui, les gens qui mangent trop sucré, ils sont souvent en retard. Il n'y a pas de rapport non, en fait, entre pas les grave. deux propositions, tu vois, mais. Non, c'est pas ça. Ceux qui mangent trop sucré, ils vont être euh, au taquet, un petit peu trop nerveux et casse-couilles. Ceux qui mangent trop gras vont être un petit peu fainéants et il va falloir les tirer vers le haut. Ceux qui mangent trop ceci, ils vont être casse-couilles de cette manière-là. Ceux qui mangent trop cela, il va falloir faire euh, un truc. Ben, je ne sais pas comment dire, mais il euh, y a toujours une réciprocité par rapport à ce qu'on mange. Oui. Alors après, euh, c'est euh, des calories dans l'absolu. Alors après, comment sont constituées ces calories La répartition, euh, lipides, protéines, euh, glucides, quelle nature de glucides euh, les, les, les lipides, est-ce que c'est quoi C'est des acides gras monoinsaturés, etc. Enfin, c'est tout le détail à regarder. Juste... Mais in fine, euh, ce que je veux dire, c'est On est ce qu'on mange. Bah, en fait, non, c'est simplement, euh, bah, suivant comment tu vas manger, euh, ça va à, avoir des répercussions sur ton corps. Mais déjà, oui, faut, on est ce qu'on mange, ça voudrait dire qu'on n'est que son corps. Donc, déjà, avec ça, je suis euh, pas, pas seulement. Mais, mais ça, ça, j'ai en, envie de redire le terme réciprocité. Mmh. Le, le, le terme réciproque. Tu vois, est-ce que toi, moi, je t'aime, mais toi, est-ce que tu m'aimes Est-ce que c'est réciproque Moi, je t'aime, mais est-ce que c'est réciproque Tu vois, est-ce que toi, tu m'aimes Tu vois, la réciprocité Et donc, de la chose. Le rapport avec, euh... Quand tu ingurgites un aliment, est-ce que c'est réciproque c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est réciproque avec un aliment En fait, l'aliment, il t'apporte des nutriments, des calories, mais et quand tu manges le machin, moi j'ai goûté ça avec un gâteau euh, au THC. J'ai mangé tu le gâteau au Calédie, THC hein. et au bout de une heure, là, je commençais à vouloir m'endormir un petit peu, être complètement calme, alors que bon, oui, non mais un space un gâteau, cake, oui assez... c'est normal. C'est un space, un space cake, ça fonce des. Hein, donc euh... mais normalement, on, on devrait être à même, on devrait, on devrait être capable de si on était de, de, de bons humains euh, vraiment ce qu'on a euh, machin truc bilis, on devrait être capable de savoir ce qu'on ingurgite et de savoir au bout de 3 4 heures ce que, ce que ça nous fait or ben on vit dans on vit dans internet on vit dans les images on vit dans l'information on vit dans un surplus d'informations, on vit dans un surplus de quand de t on doit pas le rapport entre le space cake euh, et euh, internet en fait on est ce qu'on mange parce qu'on est ce qu'on mange. Mais là, tu es juste dans des propos super flous, super vagues, mais... Euh... mais euh, oui, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, c'est super flou, super vague, et en même temps, ça l'est pas tant que ça. Alors vas-y, explicite dans ce cas-là. Mais parce que... Bah, euh, moi, chacun n'est chacun pas, chacun, ouais, chacun, pas prêt à même de concevoir quelque chose de limpide, il y a du flou pour tout le monde. Il faut à un moment donné savoir garder le flou pour des gens. Il ne faut pas que tout le monde y voit clair de suite, parce Pourquoi que sinon. Intéressant. Pourquoi vouloir garder un propos cryptique quand tu peux vraiment le rendre plus intelligible bah, Ça fait partie d'une. C'est comme quand tu regardes un film, tu n'as pas envie de voir la fin de suite, tu vois Oui, sauf que là, en fait, il faut faire une différence entre la fiction et l'information. Euh, oui. Euh, oui, je oui. suis patient, c'est oui, oui, enfin C'est comme fait ça que j'essaie de avec toi. En, en vrai, dans ma vie de tous les jours, euh, comme je le répète souvent, je ne suis pas du tout patient. Euh, c'est juste euh, ma façon d'essayer d'être pro. Parce que là, sur le coup, euh, je vois pas trop où tu veux en venir. Et euh, le peu que je comprends euh, de ton propos que tu maintiens volontairement euh, euh, opaque, je ne suis pas trop d'accord avec les gens qui partent souvent dans, dans ce genre de take. Mais alors après, je ne fais pas de. Je ne fais pas de déshonneur par association. C'est pas parce que généralement j'entends ça dans les sphères euh, complotis, euh, complotisto-casanoviennes que, euh, ah non, que tu va, tu restes le même très, point de vue. Tu es très courtois. Pour moi, tu restes très courtois. Malgré tous tes mots que je comprends, il y en a certains que je ne comprends pas. Tu restes pour moi très courtois. Eh bien on essaye. Vous avez bien fait Zapper, c'était le pire débat de la Ah bah tu peux nous faire un, un petit débrief si tu veux, Carto, euh, évidemment. Là, ça y est, ça vient de finir, on nous disait, ouais, ça ira probablement jusqu'à minuit. Et euh, on va faire en, en attendant monter Bida. Euh, si avais fait le tour du sujet, Renaud, euh, Bida, qui euh, participe pour la oui, première pour fois, je crois. Concours, oui. Qui participe effectivement pour la première fois. Salut à toi Bida, bienvenue à l'antenne. Bienvenue dans cette Radio Libre à la MCP 160 e du nom. Tu peux dès à présent démute ton micro. Pour que l'on t'entende et couper bien sûr le retour du live, que tu l'écoutes sur Twitch ou sur YouTube, sinon tu vas nous entendre avec un décalage, avec un décalage plus court sur Twitch que sur YouTube. Et Je... tu vas nous péter des et boules. Salut Gérard. Est-ce que tu. Alors après, ça fait longtemps que Bidet. l'amour de la frite, l'amour de la patate Donc, Salut à toi, Samolezin. Samolezin Je ne sais pas. Et merci pour le follow, évidemment. Un débat de merde. Ah oui, ça y est, les, les gens qui et suivaient vous... le débat, du coup, vont, vont arriver progressivement. Mais est-ce que tu l'aimes Moi, moi je, vous ne savez, je ne suis qu'amour et détestation, mais il paraît que c'est la même chose. Mais non, arrête de dire. Non, dit pas ça. Ah si, j'avais même une jauge de haine, je me souviens, quand, quand ma, ma moi, première chaîne était en chaîne ça. gaming. Moi, pour moi, tu n'es qu'amour tant que tu ne comprends bien. Mmh, ouais, enfin, après, moi, c'est pareil. L'amour, c'est souvent, en fait, on met un petit peu ce qu'on veut derrière. Hein. C'est euh, les gens qui. Euh, qui se euh, proclame euh, enfin qui se revendique euh, des mouvements genre QAnon tout ça il te parle d'amour, de lumière tout le temps oui bah l'amour et la lumière personne n'est contre mais en fait qu'est-ce que tu mets derrière quoi préfère ces bêtises que la détestation et le, le contraire non la haine vaincra il faut il voulait dire j'essuie suis ce que je, je mange si ça se trouve ça a du sens s'il a renversé sa soupe par exemple effectivement Mister euh, Akadak mais mais j'ai même pas, pas retourné mon pain. Ah. Eh parce que sinon ça porte malheur de pas retourner le pain ou un truc comme ça. Ou... Eh ouais, c'est ça, j'ai pas retourné ma soupe, j'ai même pas retourné mon pain. Où est-ce qu'il veut en venir? Macron a fumé le pen encore. Ah ouais? Mais, elle me paraissait moins... Alors moi le... dans les passages que j'ai vu, elle me paraissait moins à la rue qu'en 2017. Ou vraiment, enfin, sur... ils sont dans les campagnes, ils sont sur les réseaux sociaux Elle <laughs> traverse la rue, hein. Non, ça c'était Macron, mais ce n'était pas dans le débat. C'était euh, Macron, il est plus fort sur un, sur un débat 1v1 euh, un, un, un que, euh, que par contre des 1v1 avec des gens où il n'a pas préparé dans la rue, où il doit improviser. Où là, il sort, il sort des énormités, quoi. Conan qui voulait décapiter avec amour les autres. Oui, c'était pour au nom de l'amour, évidemment, puisque euh, les autres en face ont la haine. Donc, pour aller sur l'amour, il faut tuer la haine, et donc tuer voilà tous les gens qu'on identifie comme... Euh, incarnant la haine. Donc du coup c'est euh, en fait euh, Kill Your Enemies, c'est tout. Euh. Kill Your Enemies. C'était un carnage encore. Ah, bah, je vais bien m'amuser à, à re-regarder ça derrière. Qu'est-ce que ce discours de gourou va pour eux sans queue ni tête euh, Nous dit euh, Pericoloso Sport Jersey. Euh, est, il est dangereux de se pencher en italien qui était marqué sur les RER à l'époque. Euh. Il ne voit plus la queue ou il ne voit, voit plus la tête euh, bah non, normalement le, le, euh, le, le jeu de mots c'est ni que ni tête comme toi, c'était comme ça que c'est terminé. Chaque débat de Gérard à l'époque, c'était la conclusion systématiquement de chaque débat. Résumé du débat à la cinquième minute, j'ai cru qu'on parlait, qu'on partait sur un Jamel Comedy Club avec cette phrase La politique c'est l'art des choix. Et là, c'est la seule vanne que j'ai retenue. Ah J'aimerais bien le contexte de la phrase Pour comprendre là tout de suite C'est vrai que je ne vois pas la politique des Ils sont jamais contents. Le pain retourné c'était pour le bourreau C'était pour le différencier des autres D'accord mais comment il savait que c'était le bourreau Parce qu'il n'était pas censé être anonyme le bourreau Le coup du tweet Un grand guignol comme, euh, comme en 2017 C'est quoi cette histoire de tweet Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé Et j'ai pas fait gaffe Bon dimanche je reste au lit euh, Tu restes au lit jusqu'à 19h Sircha, Comment ça se passe est-ce que c'est ouvert jusqu'à 19h, voire 20h pour les grandes villes, les bureaux de vote donc euh... Non, moi, c'est vraiment parce que c'est à côté de chez moi, donc euh, ça m'éclatera d'aller mettre un bulletin ben, pour Nodus. Et il le mérite, je trouve. Macron a montré son mépris, je crois pas que ça lui soit favorable, nous dit euh, CCTM sur, euh, sur YouTube. Euh, bah, après, Macron, euh, est-ce qu'il y a des moments où il montre pas du mépris Les seuls moments où il avait l'air peut-être sympathique en 5 ans c'était la vidéo de... Avec... Euh, là mec, les, les youtubeurs connus, là, McFly et Carlito. Je crois que c'est le seul moment de sa présidence où il a eu l'air un peu sympa. D'ailleurs, euh, c'est tout, tout le but de la com euh, de Gabriel Attal en faisant venir plein de youtubeurs. Euh, viens, viens vivre ma vie de ministre, euh, viens interviewer le président. Voir la vidéo de Nota Bene sur, le, sur ce sujet, le pain. Ah, il a fait une vidéo sur la le question pain. question est que... Oui, est-ce qu'il a eu d'autres moments pour être meilleur ou est-ce qu'il a véritablement eu son dernier moment Est-ce que euh, ce que tu demandes, c'est est-ce que euh, Macron il a pas eu l'opportunité en 5 ans de se montrer sympa Elle a imprimé un tweet, un move de booner, du coup un peu la honte. Ah ouais, elle est venue avec un tweet euh, imprimé sur une feuille de papier. C'est vrai qu'il imprime encore des trucs sur la. Les... Enfin, je sais que même pour mes documents administratifs, maintenant j'ai trouvé moyen de. J'ai une imprimante mais elle marche plus. Euh, enfin, je, en, je sais même pas si du gédant, pas. oui. De toute façon, non, mais là, ça, c'est euh, ouais, un gros exemple d'arnaque les cartouches, euh, les cartes en papeterie. Si tu veux des conseils. Mais euh, justement, bah, j'en ai plus besoin puisque maintenant, même mes documents euh, administratifs, je euh, les, les télécharge, je les remplis en PDF, je les signe même en PDF et je les renvoie sans avoir besoin de les imprimer. Parce que c'est débile d'imprimer des trucs. Euh, là, là, ça n'a pas de, ça n'a pas lieu d'être quoi. Donc. Euh, c'est vrai qu'on a une administration un peu à la ramasse d'ailleurs parce que moi je sais que j'ai dû insister en leur disant mais vous, je peux vraiment pas vous le renvoyer un PDF parce qu'ils me disaient vous téléchargez le formulaire, vous l'imprimez, vous le remplissez, vous nous le renvoyez par la poste. Je dis, Mais c'est débile. Ils me disent bah oui mais c'est comme ça qu'on fait. Dis, oui donc vous faites des trucs débiles. Bon j'aurais pas dit méchamment sinon ils m'auraient renvoyé faire foutre mais enfin je lui faisais remarquer un peu ironiquement. Bah oh, hein. non parce que voilà les gens ils sont là pour me renseigner au téléphone c'est pas eux que je vais agresser quoi. Ouais faut avouer. Il aime la lumière et son discours est plus obscur que les tréfonds de vos postérieurs. Bon, euh, Pericoloso okay. qui n'est pas trop d'accord avec toi, du coup. Coucou Diamond. penses-tu que, nous demande Zefjo, Zefjo Je ne sais pas. Penses-tu que les électeurs de Le Pen sont fondamentalement racistes réactes ou il faut faire une différence avec les personnes qui les représentent Ben, en fait, euh, pas tous, en fait, mais euh, vu que l'électorat de euh, Le Pen est différent à chaque fois, je ne sais pas si c'est les gens, ils n'étaient pas racistes à une époque. Alors après, certains, ouais, y a, parce qu'il y a une euh, radicalisation. Il euh, y a une radicalisation euh, dans les deux sens hein. La gauche veut de la gauche plus radicale Et la droite veut de la droite plus radicale hein. On le voit que l'époque n'est plus tellement à la nuance D'ailleurs Macron qui est censé être centriste D'ailleurs lui-même n'est plus tellement sur des takes modérés Et, euh, et alors du coup euh, En fait bah, historiquement Le Front National leur fond de commerce, c'est la critique euh, anti-immigration, pro-sécuritaire, euh, enfin voilà, c'est les bails d'extrême droite. Alors après, avec la tu t'as pu avoir, voilà, le, en fait, le normi, pas spécialement très, très au fait des choses politiques, qui, ouais, on a marre, la droite, la gauche, bon, on va, on va essayer de voter différent. Et simplement, il va se dire ça, quoi. Donc euh, c'est pareil. Est-ce que tu parles des électeurs de Le Pen du deuxième tour Est-ce que tu, euh, enfin, qui vont voter pour Le Pen au deuxième tour Ou est-ce que tu parles de ceux du, euh, du premier tour Ce sera sûrement pas les mêmes non plus. Donc, je pense que tu as encore pas mal de racistes, oui, au RN, même si tu dois avoir des gens qui votent pour d'autres trucs. Hein, d'autres, En 2017, qui votaient parce qu'ils disaient, eh, bah, c'est un discours contre l'Union européenne et l'Union européenne, c'est pas bien, mais euh, je suis pas spécialement raciste, tu vois. Par exemple, certains vont, genre, des, des, des gens de l'UPR qui se sont dit, bon, bah voilà, euh, au deuxième tour, euh, ils, vont, euh, ils vont voter euh, Le Pen. D'ailleurs, Aslino qui n'appelait pas à voter explicitement Le Pen en 2017, alors, ça c'est euh, assez étonnant d'ailleurs. Hein. Alors, alors qu'à l'époque, il y avait Philippot qui était très ouvertement, euh, euh, qui parlait de Frexit. Et là, dans le débat de ce soir, elle a bien affirmé, réaffirmé à Macron qu'elle ne voulait pas sortir de l'Union Européenne. Par contre, non. Asselineau appelle à voter, à voter pour elle. Voilà, l'UPR, euh, vraiment dans Naufrage idéologique de l'UPR depuis très longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui nous dit, vous connaissez Lupre. Et oui, on connaît. Ah, mais si oui, oui. Tu sais pourquoi Je vais te le dire si tu veux.. Dis-moi c'est c'est pas compliqué ah. euh, 5 ans de Macron alors que 30 ans d'arriéré 5 ans de Macron de plus ou alors euh, on change de terrain juste pour dire que, non, juste pour dire que si on laisse 50 ans de Macron de plus Macron il va pouvoir euh, décider d'autres choses alors que si on le dégage maintenant le suivant on pourra le dégager dans 5 ans ou 7 ans si elle change les lois tout pareil bah, bah, c'est si, bah, si si pareil Macron s'il passe là dans 5 ans tu peux le dégager hein, mais bon ou 7 ans ah, s'il mais... repasse au septembre. Et... J'ai pris 40 ans avec, après ce débat, nous dit Maxabelle. C'était chiant à jouer, D'accord. Je suis parti genre, du barrage à Macron, nous dit Pi Will, c'est les beaux. J'ai plus peur de Macron que d'une Le Pen isolée dans son gouvernement. Les deux candidats vont être une catastrophe pour le peuple. C'est pour ça, oui, moi je comprends les gens qui disent euh, euh, oui euh, Macron, ça va être horrible, mais un peu moins pire que Le Pen. Euh, mais moi je peux pas me résoudre à mettre mon bulletin ni pour l'un ni pour l'autre, donc... Euh... Je ne pouvais pas mais en 2017, Macron, je peux encore moins aujourd'hui. Hein. Mais Macron, ce ne sera pas pire, ce sera la même chose, mais puissance 2 ou 3. Quoi. Hum. Mais pas fois 2 ou 3, puissance 2 ou 3. Ça, je, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est sûr qu'il va se sentir, ouais, il se dit, vas-y, je peux faire, euh, je peux faire euh, la suite, comme on disait tout à l'heure en mode euh, cinématographique, je, je peux faire la suite de mon film. Là, euh, je vais ça, tout, ouais. toutes les idées que je n'ai pas pu mettre dans le 1, parce qu'on disait, ouais mec, c'est chaud quand même, euh, bah, là, je vais oui, mais après, Le Pen, si tu regardes la politique sécuritaire, euh, le, le, les flics ils vont être en mode open bar. Et moi, je pas du tout envie de vivre dans une France comme ça. Hein. Oui, mais les gens... Sur ils Sur l'immigration, sur la elle sécurité, elle elle... Euh, sur sa fausse augmentation du SMIC qui n'est pas une augmentation du SMIC, enfin bref. On n'a pas totalement compris que euh, une fois 5 ans établis, on peut lui demander des comptes et que ça peut très, très mal se passer, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit une question de mieux ou pas, mais une question de pari sur la possible non gouvernance de Le Pen. C'est un pari très risqué. Ouais, bah, c'est ça, c'est pour ça. Moi, je, vous m'entendez dire de plus en plus souvent aux gens euh, qui, c'est normal que les gens fassent des projections euh, au moment d'une présidentielle. Hein, mais euh, j'ai pas de boule de, de cristal, euh, donc euh, je ne peux que écouter les discours, lire les programmes voir la différence entre les deux comme je l'avais fait sur, sur Marine Le Pen en disant écoutez il y a des discours très sociaux euh, enfin qui avec une fibre un peu sociale dedans euh, dans laquelle voilà bah, le prolo peut se retrouver c'est normal et moi le premier mais euh, en fait quand tu regardes le programme il n'y a rien de tout ça quoi donc, euh... et d'ailleurs c'est pareil c'était très flou c'était euh, voilà on parle on parle des euh... Des, euh, des hérités, des, euh, des défavorisés. Euh, et encore, on ne parle pas vraiment de défavorisés au RN, je crois pas. Hein. On n'utilise pas ce genre de vocabulaire. Mais euh, en fait, ça se traduit comment dans le programme Ça ne se traduit pas. Donc déjà, en fait, on te promet même pas. Parce que déjà, quand on te promet, faut voir si on tient. Mais quand on te le promet même pas, bah non, désolé. Hein. Et vu la conjoncture actuelle, euh, monsieur Daimon, à mon avis, tu seras d'accord avec moi, que ce soit Marine Le Pen ou Manuel Macron vu ce qui se passe avec l'Union européenne, les États-Unis, la guerre en Ukraine, l'URSS, Vladimir hum. Poutine, euh, les, les autres Yémen, le pétrole, l'écologie... Est-ce tout... que tu vas en venir à la marge de manœuvre de toute façon Ce ne sera pas si grande que ça. Ce sera un peu la même. Hein. <laughs> voilà. Alors après, la France, c'est quand même un, un, pays, un des pays où le président a le plus de marge de manœuvre, justement. Oh, hop, 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 hop. Hop, 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 Bah non, en fait, il en a plus que le président américain, par exemple. Ouais, mais c'est parce qu'il bégaye et qu'il est scénique. <laughs> Bah, quel que soit le président américain, quel que soit le président français en fait. Hein, mais... Alors après, la France dans le monde n'a pas le même le poids que les États-Unis, donc in fine globalement, le président américain a des décisions qui impactent plus le monde, mais euh, à l'échelle de son pays, euh, euh, le, le président français concentre plus de pouvoir entre ses mains. pour ça qu'on parle des fois de euh, monarchie républicaine avec la cinquième. Putain, c'est ce qui fait mal au cul, ça. Ils savent pas redonner le pognon aux autres. Hein. Il, il faut qu'ils se le gardent. Hein. Le ruissellement, c'est pour eux. Hein. Ah, la bonne théorie du complot du ruissellement. Ouais. Ah, il, a, il a voulu me piéger, droite Art fragile, quand je faisais le personnage de Daikron, qui reviendra peut-être. Mais euh... tu l'as super bien fait. Ah bah c'est facile, on s'en est mangé pendant cinq ans. J'ai juste vomi les fra... les euh, les tournures de phrases et les arguments creux que j'ai entendus tourner pendant. On cinq sentait ans. bien que tu vomissais à chaque fois. Ouais. <laughs> je me vomissais un peu dans la bouche à chaque mot. Oui, effectivement. Si vraiment... Et en même temps, je trouvais ça rigolo parce que justement, en fait, je trouvais ça caricatural et ça m'amusait de le caricaturer. quoi Mais j'essaye de pas trop le caricaturer pour que ce soit quand même crédible. Et du coup, les gens, ils croyaient, ils et, y croyaient et, vraiment. Et que... t'as vu, ça, ça demande de l'énergie. Hein. T'imagines ouais. les mecs comme des requins comme ils sont, l'énergie que ah, non, ça demande de faire le C'est du boulot de faire le mal. <laughs> C'est ça qui c est me un me truc dit, de fou. C'est du boulot, hein c'est euh, pas plus ou sûrement un peu justement moins de. Boulot à que toi, que de... de justement à toi, justement de... à toi aussi, mais en faisant semblant de ne pas mentir à l'autre. Viser le bien commun, c'est sûrement plus énergivore, hein, ceci dit, mais je pense que pour se projeter dans une possible élection de Le Pen, il faut regarder la présidence en Hongrie, Brésil, Trump, etc. C'est-à-dire encore moins de diversité journalistique au mépris des personnes qui seraient moins français. Et puis euh, la Hongrie, ouais, c'est un exemple assez proche au niveau temporel comme au niveau euh, géographique, plus que le Brésil ou Trump. Ouais, euh, Brésil, on... ouais, je sais pas, il y est pour encore combien de temps Bolsonaro Bon, après, le... Trump sur le coup, même si, bon, ils ont quand même tenté un peu un coup d'État, hein, mais <laughs> c'est la première fois que tu voyais en fait un coup d'État pour maintenir un mec au pouvoir qu'il devait dégager. Des coups d'État pour dégager quelqu'un du pouvoir, ça on connaissait. C'est l'essentiel des coups d'État. L'inverse, je connaissais, c'est inédit. Enfin, peut-être que c'est pas inédit, c'est juste une connaissance imparfaite de l'histoire de ma part. Hein. Dites-moi sur le chat si vous avez des infos complémentaires. Ah, ça y est, le débat se finit et vous arrivez du coup. Si Le Pen devient présidente avec Mélenchon, du coup, n'hésitez pas, faites des dons si vous avez un euro qui traîne ou un prime qui traîne ou. Attends, non, ça c'est Aurélien qui aime bien répéter. Je sais pas si Aurélien est toujours dans le coin. Moi, je suis là. Moi ah. quand il y a trop de malversations, j'ai envie de parler de reptiles. D'accord. Ah, quand il y a trop de malversations, euh, à mon avis, c'est malsain, c'est pas humain. C'est pas humain quand c'est malsain trop comme ça. Alors du coup, on, on est plus sûr avec toi, Renaud, déjà, j'imagine que là, tu es juste dans la dérision, évidemment, quand tu nous parlais reptiliens. Évidemment. D'accord. Peut-être que tu aurais voulu entretenir le mystère. Faites des dons à Pécresse. Euh... Ouais, c'est vrai que Pécresse en a quand même plus besoin que moi. Hein. Effectivement, je, je comprendrais que vous fassiez des dons à Valou. Bolsonaro au pouvoir, c'est 1600 meurtres par la police par an. C'était combien avant Il faudrait comparer. Peut-être que la police a, a toujours été violente au Brésil. Petit rappel 5 mandats et 15 ans au pouvoir pour Orban. Ah ouais Ça s'accroche. Ça s'accroche pas mal. Et on va faire monter Vulga Droit. Vulga Droit qui était au standard, qui attendait patiemment depuis tout à l'heure. Ben Bida n'a jamais démuté son micro. Mais ce sera pour une prochaine fois. Comment ça va, Vulga Bienvenue dans la Radio Libre. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bah écoute euh, ça va Daimon et toi. Bah écoute euh, ça va pas mal. Daikres, ouais, euh, je pourrais... Il n'y aurait pas de grosse différence avec le, euh, le personnage de Dykron, hein, Sodom, donc euh, je ne sais pas. Est-ce que tu as ah. écouté le débat ce soir euh, de ton point de vue juridique, vulga droit, et est-ce que tu en reviens, ou est-ce que... Tu... Je crois que tu étais déjà là avant, peut-être que tu l'écoutais d'une manière euh... distraite en même temps. Alors, le, le débat, je l'avais regardé pendant que, pendant que je faisais du montage, parce que bon, euh, de toute façon, tu connais déjà ma po Enfin, tu connais plus ou moins ma position. Euh, je pense que vu, vu, vu comment c'est parti, honnêtement, euh, je, je pense que je vais voter. pas faire euh, le pasteur, mais. Ouais, voilà, je pense que je vais. Je Il vais, y, a, y a de fortes chances à ce que je vote blanc ou que je m'abstienne. Euh, après, bon, on pourrait critiquer mon choix en disant Alors, que. pourquoi bon, voter blanc qu plutôt que nul, par exemple Même si au final, c'est la même chose. Ça gaspille euh... peut-être moins de papier de voter blanc, du coup, ouais. Moi, bon, bah après, même, même nul, en fait, tu sais, j'envisageais en, toutes les possibilités. Il y a un moment, euh, je, je, me, je me disais, je prends les deux bulletins, euh, je, je les arrache et je les fous dans l'enveloppe. <laughs> C'est pas très écolo, mais bon. <laughs> D'accord. Sinon, remettre un bulletin Mélenchon. Ah, ouais, euh, bah, j'en ai pas, pas mal. Ah, il aurait fallu en stocker un. Oui. Ouais, mais dans ce cas-là, il fallait prévoir Qu'il serait pas au deuxième tour et qu'il fallait en prendre. Ah. Ouais, tu vois ce que je veux dire Moi, j'étais pas dans. Cette je, optique je, je, à... Enfin, j'étais ouais, dans l'optique, ouais, C'est mal ouais, barré. dû faire mais la technique de <laughs> J'aurais dû faire la technique de Kali effectivement, quand on avait gardé un en réserve. <laughs> cool aussi, mais, mais après, de ce que j'ai compris, enfin de ce que j'ai pu voir à gauche, euh, est, on, on est vraiment très très divisé. Euh, T'as vraiment trois camps. Euh, tu as, as les personnes bah, qui euh, décident de s'abstenir en quelque sorte, un peu comme moi, par... Euh, alors, euh, bon, je ne sais pas si on peut parler de pureté euh, militante, je pense que c'est un peu fort. Euh, par simplement trouve. refus de la dégueulasserie, hein. c'est pas une question de pureté, parce que pour beaucoup, euh, par exemple, le vote Mélenchon, c'était déjà un vote utile. Simplement, euh, oui, voilà, oui euh, effectivement... dégueulasserie effectivement. contre ouais. saloperie. Donc, euh... hein, au des deux, de, désolé. Ouais, effectivement, je pense que oui, c'est plus euh, ouais, c'est plus un refus de voter pour pour, pour deux choses qui sont euh, abominables. Et la effectivement, tu pourrais dire ça, par exemple, de euh, je sais pas des, des militants du PCF qui refusent d'avoir des discussions avec les gens de LFI parce qu'ils sont pas d'accord euh, sur tel point de, pro, euh, de tel programme. Enfin quoique c'est un mauvais exemple parce que le PCF, en fait, ils ont renoncé à peu près à tous leurs idéaux. Hein, mais tu penses aux personnes qui ont voté Roussel, par exemple Enfin, peut-être une partie de l'électorat de Roussel Parce que ouais. je pense que... Justement, il n'y avait pas beaucoup de différence dans le programme de Roussel, à part qu'il était moins intéressant. Mais je ne sais pas, je l'ai parcouru. J'ai rien vu euh, sur la propriété privée, des moyens de production. Enfin, c'est ce ce le parti communiste, normalement. Hein. Et même lui, il n'a jamais prononcé le mot communisme. Enfin, donc voilà, du coup, là, le, le programme <laughs> était très proche. Donc là, c'est... Euh... Mais par exemple, je sais pas, ouais, des, gens, euh, des gens qui militent chez Artho, euh, euh, Lutte ouvrière ou Force ouvrière, je ne sais plus comment, je crois que c'est Force ouvrière maintenant. Euh... T'énerves pas, es pas. Non, je m'énerve pas. ouvrière enfin, tu pensais. Euh... Je, je crois que c'est FO maintenant, hein. ça, ça s'appelle Force ouvrière du coup. Enfin, je crois qu'il y a les deux, il y a Lutte ouvrière et Force ouvrière, mais il y en a un seul des deux qui est un parti. enfin bref, c'est un peu le bordel comme souvent. Mais euh, bref, euh, c'était pas le sujet, mais euh, genre des militants. De, la pureté militante, ce serait par exemple un électeur de Hartog qui veut pas entendre parler euh, de Mélenchon euh, parce que euh, ils ont euh, pas fait euh, telle promesse par rapport aux ouvriers ou par rapport à tel sy syndicat de la métallurgie ou j'en sais rien tu vois. Mais euh, ouais, ou, qui, ou qui considérerait là, euh, euh, mais, Mélenchon comme un comme un pur sosdem so en fait. Pas, pas, par exemple. Alors, ce qui est peut-être pas fou en soi, c'est vrai que, que quand, quand on écoute notamment la tech de, de Cali. Ou, ah, il faut que c'est un syndicat. Merci. Bah, parce que bon, quand on écoute la, la, la tech de Cali, pour lui, mais Mélenchon, c'est ce qu'aurait dû être le Parti Socialiste. Après, je ne sais pas si tu partages cette tech. Je ne sais pas si tu considères que Mélenchon, c'est ce qu'aurait dû être le Parti Socialiste, c'est-à-dire un, mmh. un parti de gauche, non. mais qui est pas aussi poussé que. Pour euh, moi, c'est euh, pas un parti. Très radical à gauche en fait, Mélenchon, c'est un parti qui n'a pas oublié les fondamentaux en fait, c'est simplement ça. Ouais c'était ouais c'est SFIo ou Parti socialiste d'il y a longtemps. Ou... Sauf ouais, que quand pour... à Salineau, ah, euh, Mélenchon il parle pas de l'Union européenne, hein. il y est pour. Hein. De quoi? Sauf que quand tu entends Asselineau, il te dit que Mélenchon, euh, il est pour l'Union Européenne. Donc, sauf que, puis, en fait, c'est euh, mieux d'écouter euh, directement Mélenchon qui parle de l'Union Européenne, sur le coup. Mais... Parce qu est... Disons que, que, que excuse-moi de te couper, Diamond, mais par rapport, par rapport à la position de Mélenchon, euh, alors... On sait que c'est illusoire, il a été proposé une tentative de, de négociation des traités, euh, mais je pense que de toute façon ça ça, 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 ça Je veux dire, ça, ça va être pour moi je ah, pense impossible. que ça va être impossible à faire. Et du coup il parlait de désobéissance mmh. des traités quoi, mais. Mmh. Daimon, as-tu eh, un Discord du Pont il aurait, il aurait été meilleur pour ça, Du Pont pour, euh, pour briser les traités, pour dire ouais la France, ouais si vous voulez pas faire ça. Du Non mais, ah, mais d'ailleurs oui, il faut pas dire le T, il faut dire Du Pont non, non, sérieusement, les... s -s -s -s, parlons sérieusement, s'il vous plaît. Du Pont pour. Euh... Alors moi je suis pas trop du genre à est-ce que cette personne a la stature, les épaules, tout ça. C'est pas du tout Du Pont que je vois aller euh, devoir négocier avec Poutine hein, sur le coup. Euh... Ouais, je te l'accorde aussi. Bon. On peut tous se mettre globalement d'accord là-dessus, quoi. Je pense que même le JDG qui vote du Pont-Aignan, euh, il sera d'accord avec ça, quoi. Je sais je pas s'il vote... vote encore du. Ouais, je sais pas non, si je pense, je, le cas. Pense, je... je pense que de, de ce qu'il avait dit, c est, c est ses positions à gauchiser, hein. elles ont évolué. En fait, <laughs> dans les vannes, des fois, tu vois que le discours, c'est gauchisé, quoi. Genre, des fois, euh, je sais plus où à un moment. Il... Il, il y avait un jeu où fallait buter, euh, buter les Russes où ça se passait pendant la Guerre Froide. Et il dit euh, oui, il faut exterminer euh, tous ces gens qui euh, prônent euh, une, une horrible idéologie de redistribution euh, euh, parce que Américain fuck yeah et tout. En fait, et tu voyais que <laughs> en fait, la, 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 le il critiquait plus le positionnement américain en faisant semblant de critiquer le, le positionnement américain. C'était la vidéo de James sont, Bond qui serait beaucoup à critiquer par ailleurs. Merci, oui, pour l'info parce que je ne retrouvais plus euh, d'où ça venait. Ouais, c'était euh, quand il imitait euh, l'agence James Bond et il disait ⁇ Je vais mettre fin à votre idéologie de partage des richesses <laughs> ⁇ C'était assez drôle. Du point c'est le Vals de l'UMP, mais totalement Sodom en fait. Complètement. <laughs> Vous imaginez que maintenant... Il s'est barré du gros parti pour fonder son truc et son truc a fait flop de ouf. Et euh, sauf que lui a monté un parti alors que Vals, je crois que même pas. En fait, Vals, juste plus personne n'en veut dans aucun parti en fait. Il me semble renouveler. Vous, vous vous rendez compte que maintenant on est accro aux smartphones Android et, et iPhone, et les Américains euh, natifs de d'Angleterre ont complètement et les Espagnols. Alors les Américains, aussi, hein. ils sont souvent natifs euh, des États-Unis. Ils descendent de plusieurs sur plusieurs générations des Anglais et des Néerlandais, des Allemands, mais ils ont ils ont complètement pourri l'Amérique. Tu vois, l'Amérique, c'était des Indiens qui respectaient leurs bisons et tout ça. Enfin, il y a plein de, de nations. Et l'Amérique s'est transformée. Et maintenant que l'Amérique s'est transformée, qu'elle a pourri tous les peuples natifs, ben maintenant elle se croit la meilleure. C'est l'empire américain qui dit au reste du monde ce qu'il doit faire. Bon, on est quand même globalement toujours sur des propos assez flous on, peut, on nous parle des smartphones et après on nous parle des bisons je ne sais pas est-ce que c'est quoi c'est un discours d'appel à la nature alors ouais, je oui, suis tout à fait de il faut revenir au temps où on vivait à avec les bisons on chassait le bison à la lance c'est un discours de rappel à la nature, les gens. D'ailleurs, ce qui n'était pas, le cas, pas, que ce que pas YouTube, le cas des natifs il américains, ils avaient discours, des strates plus élaborées que, que ça. Et... Ah, la nature, est... et vous avez un jardin cultivé vos Et dès qu'ils ont les découvert gars, les arbres à feu, ils ont adopté les arbres à feu. Hein, Bref. Euh, bon, bah, du coup, tech un petit peu hors sujet. Kant euh, F qui nous dit Et Jean salle versus Poutine Alors, à quel niveau parce que pour négocier la paix dans la le monde merci de Valérie Pécresse QG de Valérie Pécresse ah bon, Valérie très Pécresse. très heureux d'être follow par le QG de Valou faites fait des droits Valérie Poutine, Pécresse Jean Lassalle contre met, Poutine Valérie Pécresse je ne suis pas très très convaincu pour du coup pour régler la paix dans le monde par contre Jean Lassalle versus Poutine sur un jeu à boire là je pense qu'il y a moyen de le prendre c'est raciste en quoi c'est raciste mais parce qu'il est russe ah non, il avait plié à l'alcool euh, Sarkozy, on se souvient, il était sorti complètement bourré. Alors, la version officielle, c'est non, c'est que c'était un entretien qui était tellement euh, éprouvant que euh, Sarkozy, il était physiquement sonné en en sortant, tu vois. Mais euh, je suis désolé, ouais. ça ressemblait quand même beaucoup à un mec bourré. Est-ce hein. que ça, ça fait des questions <laughs> Ils n'avaient il pas de chevaux, non plus les Amérindiens. La salle, il dit qu'il avait peur des ours, donc. Ah ouais, donc pour Poutine, euh, ça peut bloquer, parce que Poutine, on sait qu'il domestique des ours à main nue, que potentiellement, il va se pointer avec... Euh... De toute façon, quand il reçoit un président, il y a toujours son ours de compagnie. Comme moi, j'ai Marathon, la veuve de combat. On dirait pas tellement que t'es faite pour le combat, là, vu que t'es roulé en boule, mais... Tu te roules en boule sur quoi Sur son jouet, sûrement, sur son poisson. Sur un jouet à boire, c'est bon, ça ouais On verra, on verra. Euh, est-ce qu'on a du monde au standard ou est-ce qu'on va enchaîner Ah bah on a Bida qui revient au standard. Salut Bida, re-salut Bida. Est-ce que tu nous entends cette fois Est-ce que tu peux parler avec nous Salut Bida. Ah, attendez, je vais, faire, je vais faire un test de le reprendre au standard pour voir. Est-ce que tu nous entends ici Bida Est-ce que nous on t'entend pas à l'antenne depuis tout à l'heure Il lui a dit ton pays est tellement petit que je fais ce que je veux. Oui, je, je, je connais cette version, ouais. Donc où il était sonné. L'un n'empêche pas l'autre, hein. il peut lui avoir dit ça autour, euh, autour euh, d'une bouteille euh, d'alcool, mais euh, bref, on n'entend pas Bida, on... je vais le faire, euh, faire remonter avec nous, en espérant qu'il arrive à se à un moment. Il paraît que Sarko ne picole plus depuis des... des années, il était sincèrement choqué. Et comment vous le savez du coup En tout cas, moi tout ce que j'affirme, c'est que ça ressemblait vraiment beaucoup à un mec bourré. Poutine ne boit pas, mais peut-être il fait boire des gens, hein. qu'est-ce que vous en savez si tu veux que je te repose ma question sur le sujet de la pause en entreprise, je te ferai sous ta dernière vidéo. Ah, Merci euh, par avance. Non ah. ouais, en fait c'est parce que c'est pour moi en fait. Ouais. C'est parce que euh, il, euh, avais, euh, Ned, ah, Ned qui avait mis un commentaire sous ma vidéo et qui malheureusement est tombé dans les spams. Parce que je crois qu'il avait partagé un, un lien euh, vers le site du gouvernement. Ah, Donc, et, euh, oui. chez... En fait, dès, dès que tu partages un lien autre que YouTube de base, ça passe pas. Ah, c'est tellement débile parce que bon... <laughs> En plus, euh, je consulte pas nécessairement mes spams, donc forcément. Euh, voilà. <laughs> Justement, Kali avait passé la vidéo sur un de ses lives, ils en avaient parlé. De toute façon, la vérité, on, par définition, on la saura jamais, à moins qu'il y ait une vidéo de l'entretien qu'ils ont eu, euh, qui a fuité secrètement et qu'on ne l'ait jamais vu. Mais il ben, n'y a que les personnes qui étaient présentes dans la pièce qui connaissent la vérité. Sarko ne boit pas d'alcool. Bah peut-être qu'exceptionnellement dans le cas de Sarkozy, il devrait, hein, dans ce cas-là. C'est la dictologue de Sarko qui affirme que son patient ne boit pas. D'accord, il, il a vendu 600 tonnes d'or de France aux états unis hein. Enfin, il n'a pas eu besoin ouais, de boire de... Bon de C'était hein. à 600 tonnes Oui, 600 tonnes. Oui. Ouais. Euh, alors après, est-ce qu'il les avait vraiment vendus ou est-ce qu'il les avait laissés... Euh, genre... Euh, ah bah en je dépôt, sais pas, moi des homies, Moi je ouais. ne fais que ouais. répéter les choses. Ouais mais justement c'est ça qui est dangereux quand tu essayes de faire de l'information un peu précise quoi. Ah oui oui, euh, je, ne tenais, je ne te dénigre pas non plus. Hein. Euh, cours des comptes, quand Sarkozy liquidait un cinquième du stock d'or, donc on va peut-être avoir plus de précision. En 2004, le, ministère de... le ministre de l'économie demande à la Banque de France de gérer plus activement ses réserves de change. En 2004, il était à l'économie encore, je ne sais plus. Il dirige le ministère de l'économie déjà à l'époque, ouais. En 2004, il était encore à l'économie. Parce qu'il a été à l'intérieur aussi, on se souvient, Sarkozy. Euh, à l'intérieur, de... le but, c'était peut-être... À la base, je crois que la strate de Chirac, c'était de le cramer à l'intérieur. Euh, mais justement, c'est ce qu'il l'a fait... Qu fait péter. Euh... Justement, parce qu'il était. Après, il avait la, le boulevard en mode je suis la droite, euh, décomplexé, sécuritaire, etc. Je vais te masturber jusqu'à la fin. De quoi Je suis la droite. <laughs> hein. Ok. Bon. Et quand ma main droite est mal à droite, c'est ma main à gauche je qui est plus à droite. Je comprends de moins en moins ce que tu dis, Renaud, mais pourquoi pas. Je euh, déconne, pardon, c'est une blague. Sarko est musulmane, c'est pour ça qu'il boit pas. D'accord. Donc euh, il y a toutes les théories sur, euh, sur Sarkozy. N'hésitez pas, faites vos propres théories sur Sarkozy. Venez euh, nous partager les vôtres si vous le souhaitez. Euh, avant qu'on enchaîne, est-ce que tu avais euh, encore d'autres trucs dont tu voulais parler, Vulga Droit, euh, puisque du coup en fait on, on t'a que succinctement donné la parole. Bah euh, ben, ben, écoute, euh, peut-être ma réaction par rapport au débat, j'avais vraiment l'impression que que ce soit du côté de Marine Le Pen ou du côté de Macron, il y avait vraiment une volonté en fait de draguer euh, ben, les différents... Enfin euh, Du moins, il euh, y, y avait différentes techniques pour draguer, euh, je pense, une, une partie de l'électorat de gauche. Tu avais un moment Marine Le Pen qui était partie accroche-toi sur le bien-être animal. La volonté euh, de dire de des choses... Alors, je vais faire une prédiction parce que j'ai pas vu cette partie est-ce que quand elle a par... parlé de bien-être animal c'était en fait in fine pour dénoncer euh, le halal euh, non même pas la seule elle, fois où j'avais vu en elle, pareil, elle, elle elle parler c'était pour parler du halal elle a halal, fait de dérive ouais. sur le halal elle n'a même pas fait la, la dérive sur, sur de le halal volonté de et, recevoir. et franchement vous allez être étonné les gens mais c'est vers la fin du débat enfin c'est ouais, vers les, les trois quarts du débat qu'ils ont seulement commencé à parler d'immigration d'immigration euh, de laïcité et d'immigration. Franchement, je déconne pas. Je sais pas comment ils ont fait pour tenir aussi longtemps. parce que je me suis dit, que ça allait être un des premiers sujets. Et finalement, les premiers sujets qu'il y avait eu, je crois que c'était. Il euh, y avait eu économie, euh, énergie, ensuite il euh, y avait euh, agriculture, après école. Euh, mais encore une fois, là, là, là je, les ai, euh, je, les, je les ai de tête. Mais par exemple, du côté de Macron, il y avait une tentative de, de séduction, c'était de rentrer dans l'art à Marine Le Pen lorsqu'elle parlait de l'interdiction du voile. En disant que si vous interdisez le voile, bah autant interdire tous les signes religieux, que c'était pas ça la laïcité, etc. Euh, tu vois, ça draguillait un petit peu euh, les, les mélanchonistes, euh, euh, la, un, on va dire, qui, qui, qui apprécient un peu la laïcité. Mais derrière, euh, tu as Macron en, qui dit en, Nous avons voté derrière la loi séparatiste, mais nous avons fermé des lieux de culte islamistes, quoi. La, voilà. la, la laïcité, c'est pas nécessairement de devoir cacher euh, euh, toute appartenance à ta religion. C'est de ne pas, pas en être euh, prosélite euh, dans, bah, bah, dans l'exercice de ton métier, euh, dans la fonction publique, dans ce genre de trucs. Justement, et là, là, tu vas pas me croire, mais c'est ce que disait, littéralement, euh, c'est ce que disait Macron. Il disait, dans l'espace public, pas, pas, pas de problème pour, pour, les signes, pour les signes religieux, mais par contre, quand tu es dans... On va dire, quand... quand quand par exemple tu as un enseignant, etc., et qu'on est dans la fonction publique, euh, là, là, on fait preuve de neutralité. Donc, du coup, pour, ense pour, pour les enseignants, il sortait effectivement l'argument de. On est face à des personnes, des, des jeunes, euh, pour qui euh, ils, sont, on va dire, ils sont en train de. Euh, en plein apprentissage. Et, et du coup. Euh, Mais après, et du coup, en soi, est-ce que, est oui est que le fait d'avoir du tissu sur ses cheveux c'est forcément quelque chose euh, qui a un rapport avec l'islam n'importe qui peut mettre un bandana il y a des euh, les, oui, euh, oui, ça. Les, les chrétiens aussi peuvent se mettre des trucs sur les cheveux, il y a des kippas enfin voilà, C'est euh, alors une kippa ouais c'est du coup c'est plus un truc traditionnel mais en soi, moi, j'ai pas l'impression que le, le foulard porté par les musulmanes. Et il euh, n'y a, y a, y a pas, tu vois, par exemple, il n'y a pas de motif. Euh, tu vois, il n'y a pas le motif avec une main de Fatma dessus. Tu vois, une main de Fatma, pour moi, c'est plus un signe ostentatoire. Mais alors là, tu peux le cacher, tu vois, si tu l'as en pendentif, tu le mets simplement euh, sous ton chemisier, sous ton euh, t-shirt, peu importe ce que tu portes. Mais. Euh mais est-ce que, euh, du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est parce que souvent on comparait euh, le fait de porter une croix et, euh, en pendentif, tu vois, par exemple, au fait d'avoir, euh, pour, euh, pour les, les femmes musulmanes, un voile. Mais en fait, pour moi, il faudrait plus le comparer à, du coup, euh, un pendentif avec une main de fatba. Mais... Disons que, tu sais, c'est tout, toute la problématique ah, hein, de ce qu'on entend, je suis même pas sûr, en fait. Disons que juridiquement... On tombe sur le problème épineux de qu'est-ce qu'on entend par euh, un signe euh, ouais. qui est euh, un signe religieux euh, qui est euh, ostentatoire en fait c'est le caractère ostentatoire du signe religieux qui pose <laughs> après encore une fois tu sais on pourrait imaginer une école tu vois où il y a où il y a toutes les religions qui sont présentées toutes les religions sont sont, sont acceptées où t'as par exemple je sais pas un an, un enseignant euh, juif euh, qui peut porter sa kippa tranquillement et, et dans un autre cours tu as euh, un, une femme une femme qui a le voile le, le voile islamique euh, euh, tout, tout comme tu peux avoir une bonne je sais pas une un traître un je sais pas euh, tu sais une personne en euh, là là dans là dans ce cas là euh, y, on, on pourrait se questionner euh, de la de, de l'interdiction des signes des, des signes religieux tu vois euh, au, on a au jamais sein, euh, demandé aux gens s'ils voulaient le faire ou pas s'ils voulaient faire quoi bah, s'ils voulaient intégrer ou pas intégrer intégrer quoi Telle ou telle pratique, ou telle ou telle religion, est-ce que les gens sont. Mais en fait, veulent, c est, c est, ou... le, le principe, c'est pas ça, c'est pas euh, en fait, il faut demander l'avis euh, des gens à chaque fois que quelqu'un a quelque chose de culturel différent. C'est non, est-ce que ce truc-là est contraire à la loi ou pas, en fait euh, Et à la limite, il, si tu demandes l'avis que... des gens, c'est pour faire changer la loi, tu vois. Mais euh... non, tu déconnes là aussi. Mais en quoi je déconne euh, là le, le fait de changer les gens, c'est pas plus compliqué que le fait d'être paysan de cultiver son champ et tu vas pas changer de religion un mec qui cultive son champ. Et il vit avec le soleil, tu vois. Je pas te, te pas de cultiver ton champ, en, en fait. Euh, comme non, ça, il y a juste pas de rapport. Je te dis juste, tu vas... En euh, fait, euh, tu me dis, on n'a pas, pas demandé aux gens, euh, en fait, mais là on parlait du voile. C'est-à-dire que toi, t'aurais voulu quoi Qui est un référendum sur le port du voile, mais du coup un référendum sur tous les autres trucs de toutes les religions il faut, hein, dans ce cas-là. C'est une bonne question ça. Bah, dans ce cas-là, en fait, il faudrait faire plein plein de référendums, mais il me semble que y en aurait beaucoup ouais, bah, plus non. qui seraient utiles, des référendums qui seraient beaucoup plus utiles que de faire voter les gens sur pour ou contre que les gens y mettent des des bouts de tissu sur leurs cheveux quoi la plupart les, la plupart des gens que ça manipule tout ça c'est les citadins les campagnards en général ils vivent plus ou moins entre eux ils en ont rien à cirer il y a que les citadins m que ça affecte. voyez dans quoi que... les citadins ah, ont oui, moins voté MLP et Zemmour euh, que euh, dans les provinces mais enfin dans les provinces même pas dans les provinces dans les euh, dans les endroits où il y avait pas de gros centres urbains quoi. Toutes les grandes villes, par exemple, Mélenchon il était bien positionné, après c'était Macron, et euh, Le Pen n'était que troisième, tu vois. C'est pas faux. Euh, un, un bref résumé du débat est possible, nous demande le paresseux. On en fera un, bah, on, on en parle avec tout le monde hein, de toute façon depuis le début de la soirée, mais on fera un vrai débrief demain euh, parce que du coup, moi j'ai pas pu le regarder vu qu'en fait j'ai lancé l'émission. Euh, le débat n'était pas terminé, il était même loin d'être terminé et, euh, et du coup j'ai pas pu écouter la fin et j'ai raté le début donc j'ai écouté que le milieu du débat. Je vais pas vous faire un débrief juste sur le milieu. Carto qui nous dit Les Bretonnes se cachent les cheveux également, rémigrons les Alors après, il y a un autre truc euh, au-delà de la religion, c'est les règlements intérieurs, c'est-à-dire que par exemple. Euh, euh, as... Oui, les Bretonnes, elles ont des coiffes spéciales, euh, mais est-ce qu'elles les portent euh, dans, des, euh, dans des espaces publics Tu vois, par exemple, euh, un lycée. Moi, je sais que dans le lycée, il y avait le règlement intérieur qui nous disait euh, le port, littéralement, parce que ça, euh, moi, on l'a fait recopier plein de fois, le règlement intérieur. Bref, euh, <laughs> des fois, je faisais des conneries, et à chaque fois, on me faisait faire <laughs> des trucs de merde comme ça. Et euh, je me souviens euh, qu'il y avait euh, une phrase qui disait, texto mot pour mot, le port du couvre-chef est interdit dans les lieux couverts de l'établissement. Donc dans la cour, oui. Euh, à l'intérieur de l'école, tu n'avais pas le droit. Bah mais ouais, quel ouais, que soit c le couvre-chef, tu vois, pas forcément non, mais religieux. Normal. Mais par mais contre, ce... ça pose un, ça pose un problème. Boucana... Ça, ça pose quand même un problème pour euh, la, logique, la, la, la fille, la fille qui, euh, qui veut se voiler. Euh, qui, euh, elle, elle veut pas se voiler. Des fois, en fait, elle veut se voiler euh, quand elle est à l'extérieur de chez elle, globalement. quoi. Donc euh, il ouais, y, y a pas deux choses qui rentrent en contradiction là. Mais... Le, le, le voilage, le voilage des femmes est fait pour les mecs excités qui ne savent pas se tenir à l'heure actuelle. Alors, on est mais en, en, 2022, en fait non, en fait, c'est ton interprétation. Il y, y a plein de femmes qui veulent juste porter le voile et c'est pas euh, parce qu'il y a des mecs qui savent pas se tenir. C'est juste qu'elles veulent porter le voile. Donc euh, est-ce que tu vas leur interdire de porter le voile? si elle veut c'est comme le masque pour le coronavirus le coronavirus est parti là là, maintenant et je vois un des a... autour de moi qui porte encore le masque hein. <laughs> J'aimerais donner Et mon avis. Le coronavirus n'est pas euh... parti en fait. Tu continues d'avoir des gens euh, mm -hmm. malades un peu partout. J'ai ma, ma mère qui est pas mal atteinte actuellement de la, de la COVID. Donc non, euh, en fait, il y a des gens qui continuent d'en souffrir. Et chaque année, temps. mec, chaque année, il y aura toujours des virus qui évoluent. On est une humanité qui évolue avec euh, un environnement Et plus ou qui est moins au hostile. Euh, je comprends rien. Il mélange tout. Ouais, c'est comme ça depuis tout à l'heure. Mais on l'aime bien. On sait qu'on qu comprend pas forcément tout, mais on laisse parler tout le monde. Et du coup, si vous aimez les émissions où on laisse parler tout le monde, faites des dons. Et oui, ne serait-ce qu'un petit taureau qui traîne si vous avez euh, à votre bon cœur, monsieur, dame. Il n'y en, en a pas eu ce soir, du coup, j'insiste un petit peu. Mais bref, on va quand même faire monter Eska, Esca qui attend patiemment depuis tout à l'heure. Au standard, comment ça va, Eska? Damon n'aime pas les ska. comparaisons avec la Covid. Bah, J'aime bien quand c'est pertinent, en fait, mais comparer le port du voile au port du masque, je trouve ça juste absurde. Mais Eska, est-ce que tu nous entends, du coup eh bien. Bien. Ah, ça y est je t'ai entendu mais de très très loin. Ouais, si tu peux augmenter le son. Pour ça qu'ils mettent le voile sur les fillettes aussi. Euh, alors je, il me semble, je veux pas dire de bêtises parce que bah, j'ai lu le Coran, mais en fait c'est pas quelque chose qui est spécifié dans le Coran, euh, que c'est à partir d'un certain âge, hein, que c'est genre à partir de la puberté que tu mets le voile. Hein. C'est pas euh, une gamine de 4 ans, tu lui mets pas le voile quoi. Faux. En islam, on incite les hommes et les femmes à se couvrir par pudeur envers Dieu. Les hommes sont incités à ne pas regarder les femmes avec insistance. Nous précise euh, Kant F. Alors, Iskia, est-ce que tu as réussi à régler ton son Je parle un peu trop par alcool, nous, dit, nous précise Renaud. Attends que ça parte pas dans, dans des bails que tu regrettes derrière. Ça me va. Euh, euh, C'est de très très loin, Iskia. Je vais mettre ton son à fond, mais euh, regarde dans tes paramètres Windows. Hein, euh, Clic droit sur le volume, son, tu regardes euh, enregistrement et tu regardes euh, si ton micro il n'est pas réglé à 50% ou un truc comme ça. Mais là je pense que c'est pas normal qu'on t'entende aussi faiblement. Maintenant le masque n'est plus obligatoire. Les gens le portent même sous le nez par pure contradiction. Euh, non, non euh, ils le portaient sous le nez bien avant euh, quand c'était obligatoire euh, un peu partout. Maintenant c'est juste... Euh, ah moi ouais, j'ai une euh, bonne blague. C'est juste bon, transport en commun maintenant. Oui. Ceux qui portent le masque à l'heure actuelle, alors que c'est plus, plus obligé, c'est pour cacher leur sale gueule. <rire> <rire> non, 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 non. Ouais, voilà. mais, mais, mais non, pas trop, pas trop quand même. Non. Faut quand même les respecter. Euh, marrant l'appel du pied à Marine Le Pen à bon sens, le truc anti-vax. Ah, j'ai pas vu ça, Sodom. Tu peux nous faire un, un petit récap euh... Est-ce que c'était un appel du pied explicite Non seulement il faut les respecter, mais il faut les aimer. Euh, oui, alors après, bah, voilà, tu, euh, tu peux te dire oui, je ne suis qu'amour pour tout le monde tout le temps, mais euh, en fait, non, il y a des gens que tu aimes plus que d'autres, c'est comme ça. Hein. Et évidemment. Et il y a des gens, bah, tu t'en fous en parce fait, que tu les connais pas, en fait. Mais, mais il faut regarder quand même ce sentiment. Alors, quand je dis tu t'en fous parce que tu les connais pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas conscience qu'ils existent et que, euh, voilà, globalement, il faut un système qui prévoit. Aussi, tout à fait. Tout euh, que tout à fait. ces genres existent. Donc, euh, même si toi personnellement, tu genre fou. Genre, je suis un gros con et il faut que je sache fermer ma gueule. Ils ont pas parlé sur l'après-guerre, sur la Russie. Ils ont préféré parler sur les dettes. Oui, j'ai entendu euh, Macron qui disait oui, vous êtes financé par la Russie et pas par n'importe quelle banque de Russie, euh, par une banque très proche du gouvernement russe. Perso, ouais, je sais ils, pas... se sont... ils se sont envoyés de trois piques, quoi. Ouais. Ouais. Je suis pas un mouton qui obéit aveuglément au gouvernement, du coup, je continue à porter le masque. <laughs> bah, bonne contre tech euh, Madame Glask, euh, Sur le coup, ouais, c'est ah bah c'est plus obligatoire, donc maintenant je le porte tout le temps. C'est comme ça. Non, mais moi vas-y. Vas vas hi hier je me sentais, je savais pas si c'était un coup de fatigue ou de maladie, je me sentais pas très bien. Bah, quand j'ai fait mes courses, j'ai mis le masque. Bah, du coup, j'étais un des seuls à avoir un masque, hein, mais, euh, mais au, au moins je me dis, bah quelle que soit la maladie. Bah, euh, si si, si j'ai une maladie, euh, ça va euh, limiter euh, le fait que je la refile à toutes les, les autres personnes qui ont fait la connerie de faire leurs courses en même temps que moi, quoi. Perso, je continue à le porter. Bah, moi, je continue à le porter dans les transports et euh, quand moi, je me sens pas trac. Mais, euh, bon, après, là, euh, il que... divers... y a plein d'avis divers et variés. Hein. Tu uses combien de gilets par jour, Dai bah, en fait, pas tant que ça. Déjà, j'ai pas de gilette. En fait, j'ai une tondeuse pour la barbe et pour les cheveux. Une tondeuse à 7 euros. Et voilà. Et donc, c'est pas très très élaboré. Et je la, et la dernière tondeuse, je l'ai gardée 5 ou 6 ans. Donc, euh, bon une tondeuse à 7 euros, je pense pas que je la garderai super longtemps non plus. Et le mec très très élaboré au niveau machin truc, il serait pas sur YouTube. <laughs> ah bon Je vois toujours pas le rapport. Et ah, oui. ça a l'air d'être une constante dans ton œuvre. Du coup, euh, je ne m'en étonne plus. 20 e arrondissement moi, de Paris sont les fascistes ou les insoumis français alors j'ai pas compris si c'était les fascistes un ou les bon bon riz. tu mettais le, le bon masque il y a 10 ans quand t'avais la grippe bah sur le coup non mais par exemple il y a plein de pays en Asie où ils le faisaient déjà il y a 10 ans euh, parce qu'ils avaient déjà eu des alertes de, de, de virus qui s'étaient propagés assez vite et euh, bah ça serait un des trucs intelligents à garder ouais de euh, bah, quand t'es mal fichu bah, tu partages pas tes microbes. Euh, quoi. Si tu dois sortir de chez toi et te mêler avec des gens bah t'évites de leur tousser tes, tes microbes dessus quoi ou tes ou tes virus dessus. Donc euh, sinon, soit, soit sinon Dylan, ça sera débile. Oui ouais euh, je, je voulais aussi réagir euh, à un truc donc ça a rien à voir avec euh, le, le débat entre Macron et Marine Le Pen mais c'était plus euh, la discussion qu'il y avait eu chez IOCLO. Euh, entre Calivision Vision et Croblanc, je sais pas si t'avais vu ça, ouais. je sais pas si t'avais vu passer. Euh, ah, sais pas euh... t'as vu passer, c'est tout à l'heure, il y a à peine Elle deux heures. Heure. Euh, il me semble, sent... oui, c'est parce, parce que je crois que c'était une rediff, c'était une rediff, euh, ce qui, est, ce que, ce que Zio Clo avait, euh, avait posté, mais il me semble je que, que c'était, c'était Alors laisse un peu vulgaire parler, vas-y ah. ah, Il y a SK... 2-3 jours. Hein. Ça y est, Iska, tu as réglé ton problème. Ah, ouais ben, bah, bah, je la parole à Iska du coup. Ah non, 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 ouais, non mais là ça m'intéresse à ce que tu ouais, dis. Non, mais non, euh, non, non. Le, le, le sujet c'était il y a 2-3 jours. Ce soir il y avait euh... un autre type d'extrême droite, là, un espèce de gamin de 18 ans là, qui est venu parler de cette situation. Ah là, oui, oui, euh, ouais, alors je pense que. Bon, du, du coup, oui, euh, là chez, chez Zioclo, s'il y, y, ouais, y avait. Maman, là, après t'as pris la patate Merci beaucoup. Un, un jeune gars qui a été qui a été un qui a été interviewé c'était un ancien youtubeur gaming qui a décidé de faire un peu du psychodélique autour autour de d'égalité réconciliation ah, etc. Ah, c'est truc entracho là oui. ou un truc oh, comme ça oui, oui 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 ouais il, il est passé chez zioclou et je crois qu'il y avait un ah, autre attention. intervenant qui devait le confronter qui devrait ah et il devait y avoir aussi un autre intervenant, mais bon, j'ai pas suivi le débat en entier, en, 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 la discussion en entier, mais bon, c'est pas grave. Moi, je voulais, je voulais surtout parler de, de la discussion qu'il y avait eu entre Croblanc et Calivision, parce que là où j'ai été quand même sur le cul, c'est que il, les deux, déjà, en plus de, de ne pas s'être mis nécessairement sur la gueule au bout de deux minutes... Euh, ils ont quand même réussi à discuter ah, en disant qu'ils auraient pu assez avoir fond. un point d'accord. Alors, moi, j'ai trouvé, j'ai il y, euh... y, y a eu un point d'accord. Un point ouais. d'accord, c'était, je crois que c'était par sur rapport à, à l'héritage. Alors... Sur l'héritage. Et alors, Psychodélique, du coup, il fait Ah, regardez, euh, euh, ils se font des oui, bisous ouais. et tout. Je Non, mais attends, c'est pas parce que t'arrives à trouver un point d'accord. T'as écouté le reste de l'échange oui. et lui il résume l'échange ah bah oui, à regarder, il, euh, il Mais il faut être complètement fou pour dire ça. Bah oui, 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 c'est là, 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 là c'est psycho qui a, qu a, qu a fumé. Mais pour, et pour, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, euh, le, je veux dire, le, le point de désaccord euh, qui est euh, euh, épineux, euh, pour moi, je pense que c'est vraiment autour de, de, de l'immigration. Peut-être que, je dis peut-être une évidence, mais je me dis, euh, je pense que ça, ça, ça rejoint le, le, problème, euh, le problème suivant, c'est-à-dire si on regarde. Bien glé... sûr que c'est là qu'il est le clivage, parce qu'en fait, t'as pas beaucoup de clivage, enfin, t'as beaucoup moins de clivage sur ce qu'il faut faire économiquement. Bo bien sûr que la plupart des gens, ils veulent une hausse des minima sociaux, plus de redistribution, qu'on taxe un peu plus les riches, donc ils veulent quelque chose vaguement de gauche, même s'ils vont pas jusqu'à dire salaire à vie, communisme, anarchie. Euh. Et puis même quand. quand... Quand tu écoutes cro blanc, il euh, y a alors après encore une fois, moi je, je veux dire je suis totalement en opposition avec, euh, à, à, avec sa pensée sur l'immigration etc. Mais on sent qu'en qu en fait je pense qu'il il fait partie de, de cette catégorie de on va dire des lecteurs euh, qui considèrent que les étrangers veulent le travail en fait. C'est, on va dire, il, il est plus dans cet éclat plutôt que de dire que. Ah, ils sont toujours bloqués dans, dans l'épisode de South Park, que, que en fait. À... Ils nous volent notre ouais. travail! Oui, oui, c'est ça, en fait. Et je pense que si on arrive à désinguer euh, cette, cette idée que l'étranger vole le travail et que. En, en réalité, ce n'est pas l'étranger le problème, mais que c'est plus haut le problème. Que le problème, c'est le patron qui est prêt à prendre de la main-d'œuvre pas chère. Le problème, euh, c'est le marché de l'emploi. Oh, pas oh, qui s'intégrer. Les, oui, oui, voilà, voilà. les, hmm les femmes feront toujours un meilleur boulot que les hommes. Les femmes feront toujours un meilleur boulot que les hommes. C'est tu parles là. Hein bah, c'est du sexisme <laughs> positif, certes, mais c'est du sexisme quand même. <laughs> c'est quoi greenwashing là. Et ça n'a ça juste ouais, pas. c'est pas greenwashing, c'est pinkwashing. Pas <laughs> pinkwashing. Ouais, et du, et du coup, je pense que. Et, et, et au final, euh, je pense que dans, dans, dans l'eau, euh, je pense que la, le nombre de personnes, tu sais, qui, qui, partent du, qui sont racialistes purs. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Je pense que la, la plupart des personnes qui sont... Enfin, euh, je ne vais pas dire la plupart, mais il y a une partie des gens à, à droite qui sont plus dans cette tech, euh, de dont on en a marre des immigrés parce qu'ils veulent, euh, ils, ils veulent notre travail. Et je pense que là-dessus, il y a une marge de manœuvre. Si on arrive à convaincre, le, à convaincre les gens Alors que après, le problème, les gens qui sont pas... vraiment dans des bails racialistes, après, ils ne pas juste de ça. Merci pour le follow-colt. Euh, les gens qui, euh, qui sont vraiment racialistes euh, ils vont te dire non c'est une euh, voilà c'est deux peuples qui ne sont pas compatibles des civilisations qui ne sont pas compatibles alors des fois ils vont même partir au niveau génétique ils se disent, euh, génétiquement euh, euh, ce n'est pas possible euh, parce que génétiquement c'est les gens qui sont programmés pour être violents euh, parce qu'ils viennent de tel endroit du monde euh, c est, c est... les trucs euh, les bails qu'on entend souvent voilà, le cercle cobalt tout ça alors eux ils sont plus sur le cul genre euh, ah bah quand même euh, les études nous montrent bien que les noirs et les arabes ils sont débiles par rapport à alors et eux ils se, ils se défendent de, en disant Mais non c'est pas du racisme la preuve Si, si on était des, des suprématistes blancs Alors on n'a pas dit qu'ils étaient nécessairement suprématistes blancs d'ailleurs Si on était des suprématistes blancs on dirait que c'est les blancs les plus intelligents Or ce qu'on dit c'est que ce sont les asiatiques et les asiatiques sont, sont plus intelligents que les blancs voilà, es, Donc voilà c'est leur vision du monde Toi t'as une énergie ouais, de fou à dépenser hein. Je sais pas où est-ce que tu la dépenses Mais là tu la dépenses hein. Bah c'est surtout que hier j'avais aucune gouache et ce soir j'en ai du coup Parce que j'ai dormi entre temps Enfin bref, du coup. Jacques fait Attali, une petite Jacques Attali mais, mais tout... a dit prochaine, euh, la prochaine, prochaine présidente sera une femme. D'accord. Mm -hmm. Et donc, je... oui, Jacques Attali voit l'avenir. Hein. On, on le sait. Il mais a je ne sais pas, pouvoir. mais euh, Jacques Attali. Il, il a conseillé des présidents, c'est tout ce qu'on sait. est-ce que, mais... est que le mec, il a prédit l'avenir plein de fois dans sa vie en tomber tout, toujours juste euh... je, je ne crois pas. Hein. Bon, en tout cas, il n'a pas été. Il parlait de Pécresse, nous dit Lefty. Hidalgo, on nous dit euh, Sodom euh, Hidalgo 2027, ça y est, ouais, Sodom hier 2027. Il n'a pas été tagué euh, égalité, fraternité, machin truc, euh, dans un pays euh, où ça se comprenait pas, quoi. Vous avez vu les com-racistes sous euh, les vidéos de Psycho, je suis fier d'être blanc, ça me fume. Et bah euh, j'en avais parlé à l'époque, je, euh, je lui avais fait remarquer, et euh, bah, il l'a très mal pris, alors que bah, moi j'étais pas forcément dans une posture d'affrontement avec Psycho, euh, parce que à la base, moi, Psycho, je l'aime bien en tant qu'humain. Après, je trouve que son contenu, voilà, il est c'est moi, moi, je fais une différence, c'est pareil. Euh, les gens disaient est-ce que Kali et Dio ils vont se réconcilier Moi, je comprends la critique, même si je la trouve un peu trop frontale, un peu trop virulente euh, de, de Lisandre envers, euh, envers Dio. Euh, mais, euh, mais du coup, je ne je, je pense pas qu'il soit mais très réconciliable. Mais hein. moi, en fait, je, je, je mets la différence de bah, Dio bah ça reste un pote quand même. Euh, non, même s'il y a non, 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 plein d'émissions, moi ah, je pas, les, je pas les aurais pas fait comme ça. Mais voilà, c'est euh, lui, il fait ses émissions comme il veut, quoi. Mais alors après, moi je me reconnais de moins en moins euh, euh, dans. Il euh, y a pas mal d'invités. Disons que les invités qui sont ah, des récurrents, ça devient un petit peu les à nous Enfin croblant croblant il a un peu son rond de cuir chez chez Dio. Alors moi croblant s'il veut, quand il veut passer sur mon antenne, il passe aussi. Hein, donc euh, les gens, ils me reprochent même un peu, un petit. Actuellement, il y a des gens qui me reprochent la même chose qu'à Dio Clo. Le saviez-vous donc... Moi, je, je, je serais capable de faire abstention pendant au moins 2-3 mois parce que ça me saoule d'avoir trop d'informations. Oui, mais le chou rouge, qu'en est-il du chou rouge Il n'y a pas assez d'informations sur le chou rouge. Et en période de présidentielle, je trouve ça assez sardana palesque. Non <laughs> J'essaie de dire des trucs qui n'ont pas de rapport aussi, du coup. J'essaie de deviner ton jeu, en fait, mais bon, c'est pas facile. T'as quand même un haut niveau, Renaud. Euh, cro -Blanc, le rappeur, ou rien à voir Ouais, le rappeur. Enfin, le rappeur. Je, je sais pas s'il a fait euh, du son. Pour l'amour de, de la patate Il est plus euh, streamer euh, d'extrême droite maintenant que rappeur. Et merci pour le follow, Saucisse Purin. Hein. Enfin, peut-être qu'il a continué à faire. Moi, je suis pas trop ce qu'il fait euh, régulièrement, donc. Euh, je trouve ça pénible à écouter, du, parce que non seulement, je trouve que c'est ce que j'expliquais en plus aux gens qui disent eh, « T'invites Cro-Blanc, t'invites Greg Tabien. encore une fois les gens, hein. en fait, je n'invite personne. Enfin, ça peut m'arriver d'inviter, la fois où euh, cro -Blanc avait été interviewé, il avait été invité, pas par amour moi, de la fête, il avait été invité par, par À l'époque, Dioclo qui n'avait pas encore sa chaîne YouTube. Et merci pour le follow, le pied. Attendez, il y a plusieurs follows de suite, est-ce qu'il y aurait pas un raid que j'aurais raté non, bah, c'est juste vous qui prenez le temps pour follow. Et vous avez raison. Euh, pourquoi follow une chaîne au bout de deux minutes après l'avoir découvert Mais vous attendre 10, 20 minutes, peut-être même des fois une émission entière avant de savoir si on veut follow. C'est un peu parce que t'es pas trop con en fait. Je suis un pied, <laughs> un très beau pied d'ailleurs, nous dit le pied de sauce. Sûrement du public de Jackie ça. <laughs> c'est parce que je, je reste ici, c'est parce que j'aime t'entendre oh, parler. Hein. Rejoins Dioclo si tu es cancel. Alors je m'attarde sur ton message HP Camélion, mais moi je me suis jamais séparé de Dioclo, donc pourquoi je rejoindrais Dioclo avec Diochlo, on continue de se parler, on en... il y a encore des MP aujourd'hui. Euh, je regarde ses émissions, je viens toujours faire un petit coucou dans le chat. Après, c'est le chat de Diochlo j'ai un petit peu de mal. C'est euh, souvent alors pas aujourd'hui heureusement, mais par exemple, euh, souvent je vais juste mettre un petit bonjour et euh, t'as plein de droitos qui me tombent dessus, euh, euh, qui, euh, qui me hâtent daimon pour me dire des saloperies. Bon, du coup, tu te sens pas trop bienvenu, quoi. Tu vois. Ouais, il tourne en vinaigre, il tourne en vinaigre. Alors après, euh, voilà, Dioclo, euh, peut-être qu'il, par son contenu, il attire une certaine communauté. Je vais pas lui reprocher d'avoir cette communauté, mais bon, euh, voilà, c'est. Euh... Non, 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 les plus intempestifs, c'est ceux qui tournent au vinaigre. C'est ceux qui te pourrissent le plus en premier en vrai. En vrai. Tu veux me parler du vinaigre par rapport au chou rouge, du coup Non mais quelle que soit l'idée, les, les premiers qui te pourrissent sont les plus pollués. Après, euh, mmh. tu, tu, tu lâches le morceau et hop t'as Plus personne derrière, c'est le désert, le désert sauf ceux qui te suivent. Quand voilà. tu es dans et le désert depuis trop longtemps, tu demandes mais à qui attends, ça sert. Un pardon, faut, 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 faut que tu saches bien ce qui se passe. Faut que Tu saches bien que ils se sont bien. Moi, je, suis, euh, je sais tout ce, ce qui se passe, je suis omniscient parce que parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Là, il y a un de mes et voisins qui est en train es de baiser sa femme. Deux étages en dessous, mais je le sais et je l'entends pas, mais je le sais. Une partie de ton chat The zone chez Dioclo aussi. Moi, je vais chez toi, Cali, Dioclo. Il y avait quelqu'un qui me disait... Je... Bah, Saucisse Purin, justement, qui vient de follow la chaîne, je crois, qui nous dit « Je viens de chez Cali perso. Euh, » Donc, il bah, y, a, y a de tout le monde, en fait. En Avant fait, moi de aussi, hein. enfin... moi j'essaie de Le... m'embrouiller avec personne en fait euh, mais bon en fait c'est comme dans ma vie IRL moi je vois je vois plein de gens c'est souvent j'expliquais je, ça à une copine l'autre fois je lui disais putain tu me pas Il y a des masters pas... et les masters Attends je, je peux parler euh, sans que tu coupes deux secondes Renaud. Euh... Tu le fais pas que sur moi, tu le fais sur les autres aussi, donc c'est pour ça que je, je te rappelle alors. Euh, J'ai une copine avec qui on était en train de discuter, bon, le truc, vous en foutez, hein, des, des embrouilles dans mes cercles de potes, de gens qui veulent plus voir telle personne et, et telle autre personne qui veut plus voir telle autre et tout ça. Et euh, je lui disais, mais t'imagines même pas, en fait, sur YouTube, c'est exactement la même chose. Moi, j'essaie de, je suis au milieu, en fait, moi, je suis en embrouille avec personne, mais par contre, je vois que des potes à moi qui s'embrouillent, quoi. Tu ne partages une grosse partie des auditeurs du Zio. Bah, Ça paraît logique, vu que plein de fois, Zio Clo il arrête ici et que euh, dans la foulée, tu avais des follow. Donc, euh, obligatoirement, tu as des gens qui viennent de la commune de Zio Clo. Ouais. Damon J'aimerais donner, oui. donner mon avis par rapport à, à l'approche qu'on peut avoir par rapport à Zio -Clo. Je pense que ça, ça, ça dépend de la, la stratégie euh, que tu adoptes pour, euh, pour, pour critiquer euh, les, les idées qui peuvent. Euh, survenir euh, sur, euh, sur la radio de Zioclo, il y en a qui vont partir du principe que on regarde et après on peut, on peut balancer euh, nos arguments euh, pour, euh, bah, pour, pour contre-argumenter et pour critiquer le discours inverse. Et d'autres vont, euh, vont appeler au, au, en quelque sorte au boycott et à une espèce de, de diabolisation, tu vois. Ouais. Euh, J'ai... Par exemple... Enfin, je euh, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que alors... euh, on est ici, on n'est pas là pour le diaboliser, mais néanmoins, il pourrait se faire ce que tu dis, mais euh, pas à outrance comme ça. C'est possible. Euh, laisse poursuivre vulga, vulga Droit poluie, Renaud, on si, on si, si tu veux poluie. bien. Si tu veux bien, Renaud, Attends, je, je prends juste euh... une petite précaution parce que je, sais, je, je, je ne te fais pas confiance pour, euh, pour laisser euh, poursuivre euh, Vulga Droit. <laughs> Vas-y, vous voulez. Euh, du coup, pour répondre, à, à, pour répondre en partie à Renault, moi je suis plus euh, dans, dans ton approche, Diamond, c'est-à-dire euh, écouter tout le monde. Et je respecte totalement euh, la ligne éditoriale euh, qu'a adoptée The euh, qui est à peu près comparable à celle, enfin qui est parfaitement comparable à celle qu'avait adoptée euh, Teddy Boy, c'est-à-dire accueillir le Ah, tout, il le revendique comme un de ses modèles, oui, d'ailleurs. Euh... Ah oui, oui oui bien bien sûr et moi je trouve que c'est totalement respectable après on peut avoir euh, bon moi à la différence à la différence des autres euh, des, des autres personnes intervenant ou même des autres le dire, le collègues à la, à la différence des autres euh, collègues vidéastes, moi, c'est récemment que j'ai vraiment vois basculé Faut tu à, si à l'extrême gauche. Moi. Donc, euh, on va dire, au début, j'étais confus, puis après, j'ai basculé à l'extrême gauche. Donc, du coup, euh, je suis. Euh, on... ouais on peut on peut, on, peut, on peut dire ça comme ça dire oui, oui fort. forcément je veux dire quand tu adoptes une idée c'est je pense que tu été en partie influencé mais bon euh, peu peu importe moi je pense qu'il faut partir du principe. il faut partir du, pr... Tout il faut partir idéologie, du prince. Mais un as un as euh, de plusieurs influences qui viennent se stratifier et, et qui émergent à quelque chose de différent chez chacun mais bref et, et du coup, pour en revenir à ce que je disais, je pense qu'il y a différentes approches qui sont, qui sont faites. Donc, il y a des personnes qui vont simplement, qui vont simplement écouter mmh. le camp d'en face et essayer de, de mettre en balance les différents arguments en disant, bon, il euh, y, a, y a ça qui est intéressant dans le cas adverse euh, mais par contre il y a un autre truc qui me dérange donc du coup je vais essayer de le déconstruire etc c'est en cela que les émissions que, que les émissions de zio -Clo, elles sont elles sont intéressantes puisque ça ça t'invite à écouter euh, les, les discours euh, de les discours adverses mmh. euh, mais mais il y a d'autres personnes qui sont dans une dans une toute autre approche et qui sont vraiment dans une euh, euh, plus, plus, plus dans une logique d'affrontement et je mettrai plus après euh, le discours ce euh, a, a... dans, dans cette L case L tu vois. là où je, je mettrais une limite à ça c'est que en fait si tu veux voir le discours de Conversano tu vas écouter Conversano sur la chaîne de Conversano à la base mmh, donc ouais. du coup euh, mmh. la plus value de Dioclo c'est que des fois il va faire euh, se rencontrer différentes personnes qui vont euh, discuter mais en fait euh, c'est euh, pas lui-même qui va apporter de la contradiction alors il dit qu'il le fait avec Conversano vrai il l'a fait plus avec Conversano qu'avec Roblant euh, il l'a fait un peu plus moi je, enfin moi, je me souviens de la première interview la deuxième je l'ai pas écouté en entier il euh, faudrait que je le fasse mais, euh, mais bref euh, mais du coup euh, si en fait ce que les gens reprochent à la Zioclo c'est chiant que ça, ça, ça reparte sur le débat Zioclo enfin voilà pour clore le truc ah, euh... je suis désolé Diamond parce que ça, ça fait des mois et en fait Zioclo il n'en peut plus oui. moi j'en peux plus lisandre n'en ouais. peut plus bref mais euh... c'est que en fait on lui reproche de laisser dérouler la personne mais en fait la personne elle peut dérouler à plein d'autres endroits forcément chez Dioclo. Mmh. Donc du coup, ouais. y, quelle est la plus-value si tu te contentes de laisser dérouler son argumentaire à la personne que tu invites Parce que euh, les, si je devais re reprocher quelque chose, c'est que les questions de Dioclo me semblent... Un petit peu, voilà, des, des questions, euh, c'est euh, quoi que t'entendras un petit peu dans toutes les interviews, mais pas forcément. Je, je crois pas qu'il y ait un, un gros travail sur la recherche des questions qu'il va poser et que c'est un peu plus en freestyle. Ce qui en soi n'est pas c'est pas mal en soi, quoi. Après, c'est moi, ma façon de taffer qui est différente. C'est que quand je vais avoir une interview, c'est pour ça que quand les gens ils me disent oui, il est invité. Non, non. En fait, quand les gens ils sont invités, je prépare le truc à fond, tu vois. et euh, Enfin, su, euh, suivant le temps qu'il qu m'a parti avant l'interview. Mais euh, du coup, moi, mon reproche, ce serait plus là-dessus, quoi. C'est de laisser. Alors, lui, il veut que les interviews elles partent un peu en freestyle. Moi, je veux plus les cadrer, par exemple. Je peux ah, dire un truc oui, plus... Alors, il oh, y, a... y Je réponds si un message parce que c'est pas la seule personne qui m'a dit ça. Kristen qui nous dit La prise de parole de, euh, de personnes féminisées sur ton live n'est pas très fréquente, je trouve. Eh ben, je trouve aussi, Kristen, mais je le déplore. moi Mon antenne, elle est ouverte à tout le monde sauf que là tu regardes dans le standard mmh. moi toutes les personnes qui étaient au standard je les ai fait monter donc euh... venez mesdames eh, venez oui euh, bah, c'est après il y a peut-être moins, de... A peut moins de femmes qui suivent euh, mes lives enfin c'est ce que me disent mes analytics YouTube je sais pas comment ils le savent d'ailleurs parce que moi quand j'ai créé un compte Gmail j'ai pas dit si j'étais un homme ou une femme je crois pas mais euh, ils me disent en gros qu'il y a 95% d'hommes qui regardent, donc ça vient peut-être aussi de ça. Et que du coup après c'est un cercle vicieux. Euh, une femme qui tombe sur le live, elle entend des lives où il y a que des bonhommes qui parlent entre eux, elle se dit ouais mais est-ce que euh, je vais être super bien accueillie quoi Alors que oui oui n'hésitez hein, pas, mais je comprends que du coup euh, tu t'hésites un petit peu plus si t'es une femme à participer du coup. Juste pour dire un dernier mot là, sur Ozio Club, parce qu'après c'est vrai, il peut-être changer de ouais. sujet, parce qu'on n'est pas chez lui. Le, 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 le truc, c'est qu'il est bienveillant, quoi, si tu veux. Enfin, okay. il, oui. il, est pas, à... enfin, il est pas. Il est en rien haineux. Il Alors... n'y euh, a eu aucun truc Alors... chez lui qui. Mais euh, je tu crois sais, pas que ce soit, ça soit la bienveillance s'il son... y a des gens qui lui reprochent sa bienveillance de mon point de vue je trouve que c'est des cons parce que moi tu pouvais me reprocher par exemple salut la calvitie qui a bien trouvé son stream du coup tu peux lui reprocher sa bienveillance voilà, moi par exemple tu peux me reprocher dans ce cas là aussi d'avoir été bienveillant avec robland et d'ailleurs les deux fois hein, là quand il est revenu récemment euh, j'étais bienveillant avec lui euh, par je... contre tu peux pas me reprocher d'avoir été complaisant avec robland et ça c'est différent. Et c'est pour ça que moi j'avais réagi quand le Bouzeux et Jacotte ils ont dit ouais, c'était un peu gênant, ils étaient complaisants avec psychodélique. Mais je pense mais je pense pas qu'on puisse reprocher à Zio d'être bienveillant en fait, tu vois, enfin genre juste le gars il fait son truc, tu vois, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et tu peux pas parler du don chaîne en étant ici, c'est pas c'est 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 un paradoxe. Tout de suite il intervient. Euh, Lazy qui nous dit Cro-Blanc il est J'sais fun aussi. Plus. Bah après euh, c'est fun dans le sens où il a des punchlines un petit peu à la Soral quoi. Mais euh, en fait le mec euh, fait des vannes quoi. Mais euh, sauf que les gens qui le suivent ils le suivent vraiment au premier degré. Et euh, sauf pas... que en fait Vous sous couvert d'humour que... c'est que tu fais des pranks racistes. J'avais jamais vu ça des pranks racistes. Mais lui il a inventé le concept. Moi j'ai plus envie de te kiffer que de kiffer que... qui que ce soit quoi à l'heure actuelle. C'est... Ouais. Et donc, euh, sinon, le débat ce soir, euh, c'était cool quand même. Hein. Enfin, c'était une sacrée ah bon branlée, encore une fois. Ah. Autant qu'on 17. Ouais. 2017, ouais non, là. vraiment, c'était encore fait... une sacrée branlée. Ouais, ouais, C'est enfin... euh, un filtre d'amour. On a vu un Macron euh, un petit peu méprisant quand même face à une Marine Le Pen, un petit peu décontenancée. Mm. C'était un, un petit peu malaisant par... Euh... Par moment, moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé Macron euh, extrêmement bon en fait, tu vois, comparé à Le Pen, tu vois, malheureusement, tu vois, j'ai envie de dire, tu vois. Mais je dire pas trop. Alors, euh, Re ouais, Renaud, je vais, je, vais, je vais te souhaiter une, une, une bonne soirée, parce que là, je vais faire un peu de place, parce que tu prends beaucoup de place à l'antenne. Est-ce que tu as un mot de la oui, fin, Renaud, peux. avant que je te remette euh, à la cafette oh, bisous. Gros bisous. Eh bah écoute, au moins tu aurais été succinct sur le mot de la fin. Et tu reviens quand tu veux, évidemment. Même si on comprend strictement rien de ce que tu dis. Ah bah il y avait une personne au standard, mais elle est partie, du coup. Il y a personne au standard, c'est la merde. Oh, c'est incroyable cet éternel débat. On peut pas parler d'Hidalgo, plutôt. C'est vrai, parlons d'Hidalgo. Je veux pas trop quoi en dire, mais. mais bon, par... Bref, ok. Mais parlons d'Hidalgo, si tu veux. Le tweet de Marine en va pire. me hanter. Mais il y avait quoi sur ce tweet qu'elle a imprimé, du coup Parce que tout le monde me parle de ce tweet et j'ai pas vu ce passage-là. Et du coup, je. Euh, je, attends attends que veux, un je te le retrouve. Ouais. Mais, tu, de tête, je te souviens de quoi ça parlait Non, 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 je me rappelle plus là. Je, je, je suis. Euh, ah, suis C'est marrant, chose, ouais. marrant les, les gens ont été marqués par le, euh, la forme du truc, mais ils n'ont pas du tout retenu de quoi elle parlait du coup. Maintenant, euh... attends, je te le retrouve ça. Je trouve ça malaisant pour Kali d'avoir un la fesse pour parler de politique. Autant ça m'amuse bien comme il est pertinent. Et pourquoi la fesse Qui tu compares à la fesse en fait vous avez. De, alors, pour les plus jeunes, la fesse, c'est un mec qui faisait. Euh, C'était l'ancêtre des pranks. À l'époque où les gens regardaient la télévision et où il n'y avait pas Internet. En gros. Euh, merci à toi, on se garde dans nos cœurs. Afin de. Je, je, je n'ai pas compris, Renaud. Je, même, même par écrit. Euh, mais euh, merci à toi aussi. Ça, j'ai compris, merci à toi. Professeur Macron face à son élève. Vous voyez, bah, de toute façon, euh, il est. On sait qu'il est un petit peu voilà, méprisant, euh, genre euh, qui euh, se prend ah pas oui. pour de la merde et qui prend facilement les gens en face de lui euh, euh, bah, pour des gens inférieurs, quoi. Mais on va dire. Sobrement. Ça y est, je l'ai. Oui, vas-y. C'était sur. Euh, en fait, il y a Macron qui accuse, euh, enfin, qui accuse, qui dit à Marine Le Pen voilà, en fait, vous, vous êtes financé par une banque russe et tout, etc. Mmh. Et donc là, t'as Marine Le Pen qui lui sort un tweet euh, qu'elle a écrit en 2014. Euh, je soutiens une Ukraine libre qui ne soit ni soumise aux États-Unis ni ni à, ni à l'Union européenne ni à la Russie. Voilà. D'accord. Euh, voilà. C'était tout, hein, tu vois. Enfin, genre, euh, c'était pour dire, voilà, je ne suis pas de connivence russe et tout, etc. Je ne soutiens pas la. Oui, j'imagine qu'on aura pu à, retrouver euh, plein de tweets où elle euh, suçait un peu Poutine, hein, aussi. Hein, mais... Oui, et puis euh, juste le fait que euh, ce que dit Macron, c'est factuellement vrai, quoi, que du coup euh, elle est financée euh, par une banque russe, euh, tu vois, fin... Et après euh, Macron, il est financé par des gens aussi, hein. C'est pas des banques russes, mais euh... il oui. est aidé par McKinsey. <laughs> euh, bah mais non, Mc, que... McKinsey, ils prennent plus de l'argent qu'ils en donnent hein, sur, sur le coup. Hein. Mmh. Mais le, le, le disons qu'à l'État actuel, c'est moins c'est moins problématique pour Macron d'être financé par un Rothschild que une Marine Le Pen d'être financée par un Poutine, tu vois. Hum. Après, oui, les deux sont problématiques, on est bien d'accord. Arrêtez de mettre ça, le son des, dès qu'il y a une musique, vous mettez le son au minimum et ça donne un truc super violent. Arrêtez de faire ça sur YouTube. Tweet qui a seulement 58 likes. D'accord, oui, c'était euh, oui, pas quelque chose qui avait fait un gros consensus au sein des gens qui kiffent. <laughs> Qui kiffe le RN, ou alors, je sais pas, peut-être 4 dix 18 fois par jour, et que celui-là, les gens ont complètement osé effets Je ne sais pas. Euh, enfin, bref, j'avais un, un autre sujet. Euh, j'avais même deux autres sujets. Est-ce qu'on a le temps de les faire ben, il, faut, il faut faire des dons, si vous voulez, les, les deux autres sujets. Faites des dons. Euh, mais on va déjà faire. Le premier, premier sujet politique toujours, mais rien à voir avec les présidentielles puisqu'on débriefait un petit peu le débat entre Macron et Marine Le Pen. Euh, presque rien à voir ou presque, hein, puisque euh, on va parler des législatives. Mélenchon dit que c'est un troisième tour des élections présidentielles et appelle, comme vous l'avez vu il y a quelques jours, ses électeurs à le faire élire Premier ministre. Alors après Roussel qui avait dit il y a quelques jours, je cite "Voyons-nous", en, par en parlant de Mélenchon, "Voyons-nous le plus vite possible avant même la fin du second tour". C'est le parti Génération, rappelez-vous, le parti de Benoît Hamon, qui avait fait 6% aux dernières présidentielles, et qui, aux dernières élections où il s'était présenté sous sa propre étiquette, donc pas le PS, il avait quand même entre 3 et 4% des voix aux, aux Européennes de 2019, Hamon. Donc euh, et euh, qui rejoint l'Union Populaire aux législatives. Est-ce qu'on aurait enfin une vraie alliance de la gauche Un minimum radical euh, Voyons en tout cas le communiqué, communiqué de Génération, ici. Euh, D'ailleurs, c'est pas retweeté par génération. Est-ce que c'est vraiment un truc de génération euh, Je vois pas trop pourquoi ils mentiraient là-dessus, mais à vérifier du coup. On, on le fera peut-être si on a le temps. Euh, le 10 avril, les électeurs et les électrices ont placé Jean-Luc Mélenchon aux portes du second tour et largement en tête des candidatures de la gauche et de l'écologie. Ce résultat lui donnait la responsabilité et la légitimité pour organiser les conditions de l'unité, seule stratégie possible pour l'emporter collectivement en juin à l'occasion des élections législatives. Et là. Euh, au présidentiel, Benoît Monde ne s'était pas présenté. Justement, après les élections 2019, il avait dit qu'il voulait se mettre un peu en retrait de la politique. Ceci dit, au premier tour, il avait appelé à voter pour euh, Mélenchon. Et lui, contrairement à Mélenchon, où il reproche de ne pas avoir été assez clair, il avait appelé à voter Macron pour faire barrage au second tour. Euh, ce soir, il vient de dire clairement qu'il souhaitait, à partir de l'Union Populaire, bâtir un rassemblement pour qu'une majorité politique de gauche, sachant que c'est le 10 avril. Euh, enfin, le communiqué, je ne sais pas s'il date du 10 avril, mais en tout cas. Il parle du 10 avril, euh, donc le premier tour. À partir de l'Union populaire, bâtir un rassemblement pour qu'une majorité politique de gauche et écologiste gouverne le pays, c'est une bonne nouvelle et une étape cruciale pour parvenir à l'unité. Notre première urgence est de sauver la démocratie et la République du péril qui les menace dimanche. Dimanche prochain donc. En conséquence, nous appelons à nouveau les électrices et les électeurs soucieux de préserver la République et ses valeurs à utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron pour éviter le cauchemar de l'extrême droite au pouvoir. Et donc n'avoir que la droite extrême au pouvoir, du coup, à la place. C'est le ça, c'est moi qui le rajoute. C'est le préalable à toute reconstruction, à toute alternative heureuse, à la brutalité des injustices, à la violence des inégalités et au chaos climatique. Euh, chaos climatique, je suis pas sûr que le préalable il y fasse grand chose avec Macron parce que là on a juste les deux parties les, euh, avec les programmes les moins écologistes qui sont au deuxième tour. Enfin, je crois pas que Pécresse était beaucoup plus écologiste, mais enfin, vous m'avez compris. Face à ces urgences, nous devrons ensuite tout faire pour éviter cinq années perdues pour la transition écologique, justement, les solidarités, le renouveau de nos institutions. Génération proposera donc demain à ses partenaires du pôle écologiste de répondre favorablement à la proposition de Jean-Luc Mélenchon et d'en discuter en toute transparence, dans le respect de chacune. Et merci yes, pour. Yes, euh, it's me, Mario. Dans le respect de chacune de chacun, les conditions et les modalités. Merci, Kirsten, euh, pour. Euh, euh, pour le sub et alors, en plus ouais, je, je, je crois que tu avais follow euh, peu avant donc euh, doublement merci et n'hésitez pas si vous avez un prime qui traîne ça aide la chaîne enfin ça l'aidera le, le, le jour où on, où on touchera la Twitch Money évidemment bon, on n'a pas atteint le palier mais bon bref merci beaucoup euh, et Dan Yavad comme on le dit habituellement où est-ce que j'en étais Génération proposera donc demain à ses partenaires du pôle écologiste de répondre favorablement à la proposition de Mélenchon et d'en discuter en toute transparence, dans le respect de chacune et de chacun les conditions et les modalités. Nous nous tenons prêts à discuter du contenu d'un programme de gouvernement partagé, permettant d'agir pour le climat, la justice sociale et la démocratie, en attendant nos convergences et en travaillant à dépasser nos divergences ou à permettre leur coexistence dans un cadre démocratique et pluriel. Parce que c'est toujours ça le problème, c'est oui la gauche qui fait front commun, mais du coup quel est le programme Est-ce qu'on ne fait pas trop de concessions par rapport à notre ligne Bon, entre Hamon et Mélenchon. C'était à Mons et Il représentait les frondeurs du PS à l'époque où il y était. Donc vraiment l'aile la plus à gauche du PS. Et merci yes. aussi pour et la Mario pour la Nico euh, Nico Bergine. Ah bah Nico Bergine, je crois que je l'avais déjà vu. Je me souviens du je me souviens de ton jeu du jeu de mots de ton pseudo Daniavad. Euh, c'est ce gouvernement... quand même une belle merde ce... Merde, merde, vas-y, excuse-moi Il nous reste juste deux petits paragraphes Et je vous donne la parole pour commenter ça Vu que c'est une radio libre, évidemment Que ce gouvernement soit dirigé par le candidat de l'Union Populaire et légitime Au regard du résultat de l'élection présidentielle Presque 22% 21,95, donc le plus haut score euh, Que Mélenchon ait jamais fait à une élection présidentielle nous souhaitons que cette discussion stratégique préalable puisse rapidement aboutir à un accord électoral permettant la mobilisation la plus large possible des citoyennes et des citoyens. La victoire de la gauche et des écologistes. Et les, alors, l'écologie revient souvent dans génération. Ça paraît logique, remarque avec la, le nom du parti, hein, puisque c'est ce que ça sous entend aussi. Hein, oui, notre génération, on s'en fout du climat. Les générations prochaines, ils feront bien, ils feront bien ce qu'ils veulent. Euh, et il gère. Bah alors après, on nous a dit on a trois ans, la rapport du G, qu'on a trois ans pour changer radicalement les habitudes, si on veut juste que la planète soit habitable. Bref, euh, donc ça va être compliqué. Euh, Puisse aboutir. Donc voilà, euh, des citoyennes et des citoyens, la victoire de la gauche et des écologistes, et l'existence d'un groupe écologiste autonome en capacité d'exprimer dans le respect de nos combats communs. Donc combat commun, la voix singulière est utile. Au pays qu'il à la nôtre. Alors à voir, est-ce qu'il y aurait une partie des électeurs de Jadot ou plus largement euh, du, euh, de Europe Écologie Les Verts, puisque Europe Écologie Les Verts ne se résume pas à Jadot qui est un, qui est un petit peu sur le coup l'aile droite, alors, à peu près centriste du coup, euh, mais pas si éloigné euh, d'un Macron tel qu'on pouvait le percevoir en 2017 en tout cas, puisque aujourd'hui puisqu'aujourd'hui euh, Macron, la Macronie s'est bien radicalisée très très à droite. Enfin bref, du coup peut-être un espoir, un nouvel espoir pour l'interrogation, pour les législatives à venir. Eh ben on verra. Et puis eh, on verra aussi euh, l'intention de, 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 de dissoudre pour avoir une majorité. Manoukou Koustaya, euh, merci pour le follow. Et d'ailleurs que ce soit, euh, on en parlait au sujet de Marine Le Pen comme de Macron. Donc euh, ça risque d'être compliqué dans les deux cas, mais en tout cas, voilà, des gens qui s'allient auront forcément plus de résultats que des gens qui luttent chacun isolément. Ça me paraît assez évident en tout cas dans le cadre de ces élections. Et je vous rends la parole. Le est dernier quand même dommage que C'est quand même dommage que Benoît, enfin je sais pas si Génération est encore dirigé par Benoît Hamon, mais qui se réveille maintenant, quoi, tu vois. Bah non parce que Hamon il, enfin, avait appelé... non, non, il, a, il avait appelé. au premier tour il avait déjà il s'était pas présenté Ils avaient présenté personne génération et ils avaient appelé à voter Mélenchon donc tu trollerais pas ouais, un peu Tu as perdu fait, la hein. notion de, de modération oh, je fais une ouverture un peu plus tacite un nouvel espoir en citant du Star Wars mais euh, bah si je pense qu'il y, y a plus de chances que justement c'est les voix qu'on manquait c'est celle de Roussel euh, en 2017 c'était celle de Hamon et là les deux ils disent bah ok on a compris la leçon ou euh, on a plus okay. trop choix. ça, j'en sais rien, peu importe. À la limite les raisons. Moi ce que je vois c'est la finalité. Bon tu me diras, il vaut mieux tard que jamais, tu vois. Bon, ça, ouais, ok, je suis d'accord. Ouais. Mais je trouve toujours ça bizarre quand même que les gens ils se permettent là d'intervenir après euh, après la guerre, quoi, tu vois. Genre se ouais. dire oui allez c'est bon maintenant on a compris et tout etc. Tu vois enfin Je trouve que enfin bon, bref. Aurélien, Julien crois. Droit, est-ce que vous avez euh, des réactions, vous aussi, de votre côté Aurélien, on t'a pas entendu depuis un moment, mais peut-être... Je, je, je sais que le spécial d'Aurélien, c'est de ne pas dormir pendant 48 heures, et du coup, après, il peut euh, des fois s'endormir en sursaut. Il y en a qui se réveillent en sursaut, lui s'endort en sursaut. <laughs> je crois que c'est le cas. Euh... Bah, du coup, oui. moi, moi, au niveau de la réaction, euh, du je pense que je me, je me contenterai de partager euh, un... un lien euh, donc, qui est disponible sur le site euh, viepublique.fr et qui euh, vulgarise, je trouve pas mal, euh, le... on va dire, la cohabitation, en fait. Et il y a même un paragraphe, en fait, sur. Euh dire que ce soit sur les conséquences de la cohabitation, euh, euh, le, le, fait, le fait que quand il y a cohabitation, il bah, y a effacement euh, du, du président et que le président de la République, euh, bah, malheureusement, il, il reste aura surtout l'international à... quoi. Ouais, ouais donc il euh, y, y a pas mal de. Je vais, vais transférer le. Enfin, si tu. Soit, soit, soit je trans... vais te le transférer. Celui qui L'amour de la frite, l'amour de la patate. Oui, bien sûr. Ah après encore une fois le président de la république a quand même euh, a quand même des pouvoirs il peut signe euh, il, il signe il signe, euh, il, il signe des décrets euh, il est euh, il est responsable il est responsable du commandement des armées etc. il y a pas mal de euh, puis il y a aussi l'article 16 avec les pouvoirs les pouvoirs exceptionnels du président de la république donc euh, donc, euh, donc voilà, il y a quand même, il euh, y a quand même certaines prérogatives qui qui resteraient dans entre entre les mains ben, de la personne qui serait élue président de la République. Après, bon, dans, dans l'hypothèse où on aurait euh, Mé Mélenchon en tant que premier ministre, euh, ben malheureusement, euh, bon. On, je pense que tout le monde l'a entendu euh, à cause de, à cause du quinquennat, bah, malheureusement, euh, ça ça réduit les chances qu'il y ait une cohabitation puisque malheureusement, comme on réduit l'écart euh, entre euh, entre les entre l'élection présidentielle et les élections législatives, il bah, on, on laisse peu de temps en fait aux électeurs bah, pour euh, pour changer euh, leur choix en fait. Euh, si par exemple on a euh, après là où il peut y avoir euh, comment on appelle ça une marge de manœuvre mais qui est hypothétique ce serait de mesurer le nombre de comment on appelle mais c'est assez aléatoire ce serait de voir quelle est la part de votre part dépit en fait euh, c'est-à-dire quelle est la part de, Alors, de tu personnes mets dans le vote qui... par dépit c'est voter contre voter utile c'est quoi bah en fait, ce serait alors dans notre cas, nous, ce qui nous arrangerait, ce serait de qu'il y ait parmi, je sais pas, des électeurs de, je sais pas, de Macron ou de Marine Le Pen, qui est une partie des personnes qui est simplement votée par par défaut et qui se disent, moi au départ, moi ce que je voulais absolument, c'était Mélenchon. Et du coup. Peut-être que cette part, cette part d'électeurs euh, irait euh, irait voter pour les différents euh, les différents députés de la France Moi, je disais déjà au premier ah, tour que ah, je votais ah, par dépit pour Mélenchon, parce qu'en fait, euh, sur euh, les, les idées que je défends, oui, qui sont les plus importantes, ça ne suis pas dedans. Quoi, mais... Ouais, c'est vrai que malheureusement, euh, en, en termes de candidats, je pense qu'il y a enfin, une, part, une bonne partie des gens ici sur la radio libre. Je pense qu'ils auraient peut-être plus aimé une candidature. Euh, Peut-être plus une candidature Poutou, mais je pense que les gens, s'ils n'y sont pas allés derrière, je pense que c'est parce qu'ils ont... Ils avaient peur que ça n'aille pas au bout. Poutou, bah, beaucoup en après, il a fait, un, il a fait un score euh, vraiment le plus faible avec Arto, je crois. Donc, euh, je sais pas exactement si c'était sur la ligne que les gens aimaient Poutou, ou plus sur euh, le personnage et euh, ses petites sorties euh, pendant les débats. Euh, on se souvient en 2017, on se souvient aussi... Euh, alors en 2017 c'était sur Fillon, euh, cette année euh, c'était euh, sur Zemmour. Mais, euh, mais par contre, ouais, effectivement, quelque chose, par exemple, une ligne que le Parti communiste euh, ne tient plus, c'est ce qui manque à gauche. Mais je trouve. Après c'est juste mon interprétation à moi. Mais vous, qu'en pensez-vous Eh ben bah, dites-moi. La moitié des électeurs euh, de Roussel ont voté pour LFI, au final, on se fait quand même cracher à la gueule. Du coup, ils se démerdent entre eux. Ben en fait, c'est pas les électeurs de Roussel qui se font cracher à la gueule. Ben, les électeurs de Roussel, par définition, ils ont voté pour Roussel. Sinon, ils seraient pas électeurs de Roussel. Mais sympathisants de Roussel, tu vois. Euh... Mais et puis, euh, je pense pas que déjà ni euh, une, ouais. les électeurs qui ont voté pour, euh, qui viennent de chez Roussel et qui ont voté pour LFI eux, ils se font pas cracher dessus. Ni même les électeurs tout court. C'est le positionnement de Roussel qui savait très bien qu'il allait, qu'il venait pour perdre. Que ça fait des années et des années que le Parti communiste n'y présentait personne. Que si c'est pour présenter un programme qui n'est pas communiste, mais qui est juste proche, en, euh, voilà, avec un SMIC un peu plus élevé et plein de points de l'avenir en commun qui n'était pas présent, euh, du coup, un programme peut-être un peu moins intéressant euh, pour le PCF. Dommage, hein, parce que Moi, je serais plus euh, sur des techs communistes, vous me connaissez. Mais euh, voilà, c'est surtout ça qui lui reprochait c'est pourquoi tu t'alignes à la présidentielle alors que tu vas faire très peu, euh, euh, très, très, très peu de voix, que euh, tu vas nous enlever des voix à nous, et euh, que tu espères même pas gagner, que tu même pas rembourser ta campagne en fait. Donc, euh, et pour tout ça, pour présenter, en fait, euh, si c'était un programme qui avait rien à voir, bah oui, normal, on fait pas alliance, mais. Pour à part l'obsession pour la charcuterie, euh, c'était pas des programmes incompatibles. Ouais, là. je suis, je suis, je suis d'accord que clairement, enfin, pour pour avoir lu le programme de de Roussel, pour moi la seule différence qu'il y avait, c'était, et bon, je pense que c'était plus sur sur la police, sur la sécurité où il y avait une une différence où tu avais le programme de Roussel qui était un peu plus, on va dire un, un peu plus sympa pour, on va dire pour 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 la police, tu vois. Et et je pense, je pense, je pense là où il y avait eu les ah. différences entre le mes ou ah, que attends, juste attends, manifestation euh, Alors, en fait, je pense que je pense que dans le programme, il n'y avait pas beaucoup de différence. Mais là, là, où il y avait eu des, on va dire une, une distinction entre Mélenchon et Roussel, dans, je pense que c'était dans les déclarations, en fait. Non, pour, pour, pour moi, c'est là où il y a eu. Alors, moi, je ne pourrais pas non plus parler de fracture. Enfin, je ne sais pas si on pourrait parler de fracture, mais c'est plus une espèce de, une espèce de, de position euh, un peu trop sauce euh, Je trouve que, que Roussel a, a adopté euh, au point que, que Mélenchon était moins sauce en fait. Et je pense que c'est ouais. peut-être là qu'il y a eu euh, euh, bah de la part d'une part partie. Euh... Puis des petits ballons d'essai que... aux valeurs un peu tradies. Euh, c'est ça qu'il essaye de draguer un petit peu. Euh, tu vois, justement, les anciens électeurs du PCF qui sont partis au RN. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Alors, pas tellement sur le programme, parce qu'il disait pas euh, ouais, dehors les immigrés. Euh, mais. Euh, enfin, je, je crois pas. J'ai pas lu ça, en tout cas, moi, dans, dans son programme. Par Contre, euh, non, je pense, je pense, je pense pas pas discours, que Roussel était, était anti-immigration. Je pense, je pense, je pense qu'il n'était pas non plus à, il pas non plus discours, à ce point-là. Euh, la euh, bonne charcuterie, euh, la bonne vinasse, euh, et nous parler que de ça tout le temps et jamais de lui déclasse. surtout, hein, mais... je viens de regarder le, le parti de Roussel c'est 43 000 personnes, enfin, le parti communiste. Et euh, en termes d'élection, euh, ils ont fait 2,3%, donc ça représente 800 000 personnes. Donc, non. Euh, le Parti communiste n'a pas donné la moitié de ses adhérents à Jean-Luc à Jean Mélenchon. Clairement pas. Ça aurait été bien. Hein. Mais non. Roussel a fait une campagne grotesque avec la caricature des beaufs. Ouais, je, je me demande si oui, si c'était pas un petit peu ça aussi, quoi c'était peut-être une stratégie c'était peut-être c'était de la com en fait une, une stratégie de com pour séduire une partie de, une partie de l'électorat mais je pense je pense je pense pas qu'il y ait nécessairement une si grosse une, enfin une si grosse différence en, 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 entre les idées de, de Mélenchon et les idées de Roussel euh, après euh, peut-être peut que Roussel avait changé euh, euh, son fusil d'épaule peut-être pour séduire peut-être un, un on va dire il pensait qu'en changeant un petit peu son fusil d'épaule il allait peut-être toucher un peu plus de monde euh, mais bon enfin, euh, après moi, moi moi je te dis j'ai moi j'étais plus du côté de Mélenchon que du côté de que que, que, du, coup, que du côté de Roussel en fait au alors il y a qui nous dit Viande, vin, vroom, égale sécurité sociale alimentaire, c'est ce qu'il voulait dire. Et tu mets le vin dedans aussi. <laughs> Genre, il faut que ce soit, en fait, il était. Il y avait rapport, frio qui était. En fait, c'est frio qui a fait le discours de Roussel. Non, je pense qu'il n'aurait pas eu cette gueule. Le discours, hein. <laughs> Et il euh, y a droit au logement, alias Quebax, qui nous dit il y a deux lignes idéologiques en lutte au PC. Euh, C'est-à-dire, en fait, c'est quoi la fracture au sein du PC là-dessus? Genre, euh, est-ce on est euh, finalement euh, les potes euh, du PS, euh, centriste euh, et euh, pro-Union euh, Européenne, mais dans le sens euh, d'y ramener à tout à l'Union Européenne et s'y conformer en essayant même pas d'annoncer qu'on va renégocier quoi que ce soit Ou est-ce que euh, c'est euh, une fracture euh, vraiment sur l'économique bah, Tu me diras, c'est de l'économique aussi, l'Union Européenne, c'est principalement de l'économique, c'était la communauté économique européenne à la base en gros, la ligne Réac, la ligne Caroline Forest, Marianne, etc. D'accord. Ouais, c'est-à-dire, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais, Vulga c'est la fracture, elle est plus sur des sujets comme l'immigration, la sécurité, euh, que sur l'économique sur moi, en fait les moi, moi j'irais sur peut-être plus sur la comment on appelle ça peut-être plus sur la sécurité que sur l'immigration après peut-être que je me être que je me, peut, peut les... que je me trompe Souvent sur l'immigration les gens qui sont obsédés par l'immigration euh, assimilent la problématique de l'immigration à celle de la sécurité voire ne la substituent complètement oui, c'est oui c'est vrai qu'en général quand, quand, quand tu parles de enfin je dis en général peut-être peut-être pas en général mais 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 quand tu entends sécurité bah derrière tu fais le rapprochement avec migrants et que les migrants apporteraient de l'insécurité parce qu'ils sont clandestins délinquants etc c'est vrai que il y a, quand, quand 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 tu vas à l'extrême enfin quand, quand tu vas à droite, il ben, y a effectivement ce rapprochement. Là, là effectivement, euh, tu, euh, tu, tu l'entends... Enfin, le, le plus prégnant, c'est chez Zemmour. Zemmour, quand, quand tu entends que, que les mineurs isolés, ce sont des délinquants, des ouais. violeurs, bon, euh, voilà, c'est c'est l'archétype, tu vois. Ah, puis, moi, du coup, en plus, je connais bien la problématique parce que j'ai une de mes meilleures potes voilà, qui, qui bosse justement là-dedans à rendre autonome les mineurs isolés. Et elle me dit que c'est un combat de, de tous les jours contre l'État, hein. déjà. Donc euh, que voilà, euh, elle a des jeunes qui euh, en fait ils ont un dossier très bien, ils font des demandes de régularisation, ils se mangent des OQTF quoi. Enfin bref. Alors que voilà le, le jeune en question, euh, il, euh, il, a, il apprend à, de, à parler français, euh, il est en train de faire une formation, une formation en alternance où il a une entreprise. Enfin le mec il a un boulot, euh, une formation, euh, il, il est en train de s'améliorer en français et on lui dit bah non tu dégages. Donc euh, croyez que c'est open bar si vous voulez, hein, mais c'est pas du tout le cas. sinon euh, malheureusement je vais, enfin, je, vais, je vais vous laisser parce que laisse. là je commence à piquer ah, du nez pas de soucis uh, Vulga non. et tu reviens quand tu veux et, euh, et uh, si Aurélien tu es toujours vivant n'hésite pas à mettre le lien de la chaîne de VulgaDroit euh, dans, euh, dans les chats sinon vous tapez VulgaDroit sur Youtube comme, euh, comme vous le voyez s'afficher ouais. justement euh, en haut à droite si vous voulez un peu de vulgarisation euh, enfin plutôt une présentation de l'actualité juridique que ce soit au niveau des décisions de justice ou même autour des lois bah, n'hésitez pas à faire un tour, euh, un tour sur ma chaîne. Voilà. Et bien voilà, on invite tout le monde à y aller. Bonne soirée à toi vulgar. Et merci encore. Et à la prochaine. Bye bye. Ciao ciao. Hop. Salut. Mmh, bien... Ya yes, yeah, je vais dire que n'allais pas tarder non plus. Tu je te remercie beaucoup pour bah, tes ta... Ouais, non, je, je... Je bosse, je bosse un peu tôt demain. Bah, je te remercie beaucoup. et eh bah ben, tu reviens toi aussi quand tu veux, Eska. Et je te remets à la cafétéria aussi. Bonne note et bon courage pour demain. Euh, du coup, moi il me restait un dernier sujet, puisque là je suis tout seul à l'antenne avec Aurélien, mais n'hésitez pas si vous, euh, si vous voulez euh, réagir à ce dernier sujet, ou même apporter vous-même un dernier sujet. Eh bien, c'est une radio Profitez-en, profitez de la parole que l'on vous donne euh, sans rien attendre en retour. Ni sub sur Twitch, ni grand amour. Non, enfin bref, si. Quand même des sub Twitch si vous en avez, évidemment. Euh, et on va parler d'international. International et. Poutine, toujours, hein, qui vient de montrer les muscles, l'avez-vous vu aujourd'hui, c'était l'autre actualité de la journée, euh, avec l'essai de, fra... de sa force nucléaire, Sarmat, des euh, missiles de cinquième génération surnommé Satan-2 par les forces otaniennes. Alors la frappe s'est déroulée dans la péninsule du Kamchatka, qui est la partie, euh, c'est voilà, une péninsule extrême orientale de la Russie. Et le Pentagone a été un des premiers à réagir en, en l'amour la jeu. Prêt, de la patate. pour le follow-film Filmlit, euh, le Pentagone a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une menace, mais, je cite, d'un essai de routine dont l'avait au préalable informé Moscou. Donc euh, pas de panique, euh, il ne s'agit pas euh, d'une attaque, mais euh, Poutine, bah, ils attaqueraient leur propre territoire, ce sera un peu débile. Euh, Poutine ajoute toutefois que cela fera, je cite aussi, réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer la Russie. Bon, voilà, hein, toujours avec des déclarations euh, dans la finesse, dans la délicatesse. Alors, ce qui fait la spécificité des missiles Sarmat de cinquième génération, c'est qu'ils sont invisibles et qui déjouent tous les systèmes de sécurité anti-aériens. Alors, il y avait aussi des missiles qui étaient ultrasoniques, qui allaient trop vite pour pouvoir être interceptés, mais ça, c'est encore un arsenal différent. Je crois qu'il y a trois types de missiles actuellement euh, euh, qui sont vraiment mis en avant dans l'arsenal russe. Euh, et surtout, l'autre spécificité, c'est qu'ils peuvent frapper une cible n'importe où sur le globe, même à plusieurs milliers de kilomètres. Euh, il disait, on peut passer par le pôle nord, le pôle sud, pas de panique. Euh, justement, nous dit Kaka Chourou. Chourou. On s'entraîne pour bien vous la mettre dans le. Euh, oui, bah peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, pas de panique, on peut frapper partout, en passant par partout. Et, euh, et on vous le montre. Si vous bougez, je vous bute. Ceci n'est pas une menace. <laughs> Après, tous les essais nucléaires, en fait, bon, ça a double utilité. Est-ce que ça marche bien Est-ce que les nouveaux missiles, euh, ils se comportent comme on l'avait imaginé Donc, il euh, y a quand même. Euh... Voilà, un taf euh, simplement d'expérimentation. Euh, alors, oh, pas très très écologique évidemment, hein, va balancer des missiles nucléaires, euh, même dans des endroits où il n'y a personne. C'est pas trop trop euh, green friendly, mais why not La France l'a, la fait aussi, hein. Chirac c'est le premier truc qu'il s'est dit, il s'est dit, ah, euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans les conneries de président où, euh, Alors j'ai le droit de euh, euh, dissoudre l'Assemblée nationale et reprendre les essais nucléaires que Mitterrand avait arrêtés. Bah bon, on va faire les deux. Bon, les gens lui ont dit c'est une connerie, mais il l'a fait quand même. De toute façon, Chirac, il était beaucoup plus malin pour acquérir le pouvoir que pour l'exercer. Hein. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Hein. Euh, et donc, deux articles qui parlent de ce sujet. La Russie annonce avoir testé avec succès le Sarmat, un missile intercontinental sans équivalent, selon Vladimir Poutine. Donc, un article de France Info. Ici, un autre de West France vente un premier tir de Sarmat, un nouveau missile balistique unique. Euh, donc, faire réfléchir à deux fois les ennemis à l'arrière, il y a la phrase in extenso si vous la voulez. C'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées, qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Donc, alors, c'est pas juste si on te menace avec des armées. Si la rhétorique ne te plaît pas, euh, potentiellement, tu peux envoyer un missile nucléaire. J'espère que ça veut pas dire ça. Tout est plus rien ne m'étonne, hein, disait la chanson d'Orelsan, hein, mais. Euh, et on va peut-être passer cette chanson qui n'est pas la meilleure de l'OST de euh, Unpacking sur le coup, euh, mais. J'aimerais pas voir la Russie comme pays limitrophe. Ah, tu te sens un peu menacé. Après, quand t'as les États-Unis comme pays limitrophe, euh, t'es un peu condamné à la vassalisation aussi. Hein. Différemment. Je veux dire, ils envoient pas l'armée au Canada ou au Mexique, mais. Mais euh... par contre, euh, oui, c'est souvent. Quand il y a des régimes qui nous plaisent pas, on va, dans un premier temps. Bah, créer de l'agitation on va euh, financer euh, le, le mec qui est le, qui est le plus en adéquation avec notre ligne et qui va qui est le mieux en meilleure position pour euh, destituer le mec qui nous plaît pas puis en dernière instance on peut tenter d'autres trucs un peu louche un peu plus louche alors après ils, ils ont pas de problème à envoyer leur armée mais, euh, mais ils le font pas systématiquement à la Russie, non plus, ceci dit, hein, mais donc euh, c'est toujours plus compliqué. Mais oui, effectivement, euh, être dans le giron de deux superpuissances comme d'une de euh, ces deux superpuissances, ça doit être compliqué. Euh, nous, au moins là-bas en France, on est un petit peu éloigné des deux, même si bah, l'Union européenne est quand même souvent plus sur des euh, postures. J'allais dire occidental, mais parce que du coup, c'est devenu un petit peu ça. C'est que le bloc occidental, c'est pour pas dire la politique de Washington. Il y a des nuances, évidemment. Il y a plein de moments où la France euh, s'est euh, positionnée contre, euh, contre les États-Unis, même si de moins en moins souvent. Il faut bien le remarquer. Vivement que Elon Musk nous amène tous sur Mars. Moi, je l'ai déjà dit, je veux être le premier animateur euh, radio de Mars, mais on verra. On verra. Et alors, revenons euh, alors, un peu moins loin que Mars. Euh, nice of Sidonia, une très bonne chanson de Muse, justement. Qui, Sidonia, c'est sur Mars. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Mais info bonus et un peu plus trivial, toujours euh, sur la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui aurait un impact sur l'huile de tournesol. Bah ouais, souvenez-vous des euh, pénuries de PQ, souvenez-vous des pénuries de pâtes. Et bien, pour des raisons différentes, il pourrait y avoir une pénurie. Et il y a déjà en fait une pénurie d'huile de tournesol. Et parce qu'on le sait, avec la France, l'Ukraine, je l'ai déjà rappelé souvent, c'est l'autre grenier de l'Europe. Alors lequel est le plus gros D'ailleurs, je ne sais pas exactement, mais c'est les deux pays les plus producteurs et exportateurs euh, de, de, denrées, de denrées alimentaires agricoles. Alors, deux tiers des importations françaises de tournesol proviennent d'Ukraine. Nous, on en a des champs de tournesol à perte de vue, mais euh, on en importe quand même deux tiers, euh, vraisemblablement, de là-bas, principalement pour la fabrication d'huile et de tourteaux, j'ai pas compris, de tourteaux pour l'alimentation animale. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, les tourteaux pour l'alimentation animale. Pour moi, les tourteaux, c'était des crabes. Je vois pas la problème avec le tournesol, expliquez-moi dans les commentaires, expliquez-moi sur le chat. Faut investir dans l'huile d'olive, du coup. L'huile d'olive, ça reste plus cher, hein. Mais, euh, et justement, donc ça, c'était une citation de l'ONG Foodwatch, justement, sur les deux tiers des importations. Et alors, en conséquence, quelle conséquence ça de façon pratique euh, Le prix de cette denrée alimentaire augmente, euh, et certains magasins limitent déjà l'achat à 3 bouteilles maximum par passage en caisse. Ça va, c'est. Est-ce que vous, euh, je sais pas si soit vous êtes un restaurateur et vous faites vos courses à métro ou sur le marché ou ailleurs, soit euh, bah, si vous êtes un particulier et vous n'avez pas besoin de plus de 3 bouteilles à chaque passage en caisse. Bon, après il y a des gens qui pourraient tricher, euh, dire bah, je vais faire 10 passages en caisse et je vais prendre toute l'huile. Il y a des gens qui le feront. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne vous refaites pas comme le, le même coup que le PQ, quoi. Euh, alors qu'est-ce que vous nous dites Note Clear qui nous dit sur euh, Twitch, l'Ukraine a les meilleures terres agricoles d'Europe, pas mal de pays autour de la Méditerranée sont dépendants de l'Ukraine pour se nourrir, et même, euh, ouais ouais, même je crois, euh, c'est l'Afrique euh, sur et subsaharienne, hein. et il me semble qu'il y a déjà des pénuries alimentaires dans plein de pays euh, à cause de ça. Les tourteaux sont... Ah merci pour euh, l'explication couscousier. Euh, sont les résidus solides de l'extraction de l'huile de graines ou de fruits oléagineux. Ce sont les coproduits de la trituration procédée de fabrication de l'huile. Ils représentent généralement de 50 à 75 de la masse des graines. D'accord. Donc les tourteaux, c'est ce qui reste quand on enlevé l'huile. Ok. Et ça, et ça, c'est pour euh, faire bouffer les animaux. Ok. Ça Est-ce que tu veux qu'on te nourrisse avec euh, des graines en fait? Elle a pas l'air super convaincue. C'est quoi le rapport avec la choucroute ben, Le rapport avec la choucroute, c'est que ben, du coup, en fait, c'est plus difficile d'être un pays producteur quand tu es en train de te faire bombarder partout. Et du coup, euh, ben, en fait, tous les pays qui dépendaient de l'Ukraine au niveau alimentaire, ils voient évidemment leur approvisionnement se tarir ou au moins être perturbé. Donc euh, voilà. Ben, je voulais finir sur quelque chose d'un petit peu plus en mode fun facts. Et n'hésitez pas à participer à la Radio Libre si vous le souhaitez. Je vous ai mis le lien. Je vous remets le lien. Si vous souhaitez participer sur Discord, vous venez au standard. Comme d'habitude, c'est la Radio Libre. On donne la parole à tout le monde, à toutes et tous. Donc n'hésitez pas. Et ouais, je tiens jusqu'à 8 minutes pour YouTube. C'est mieux comme format pour la rediff. Ciao, abonnez-vous. Et voilà, moi j'en ai fini avec mon dernier sujet. Mais j'ai encore des recommandations de la semaine si vous le souhaitez. Euh, et je surveille le, le temps de vous montrer. Quoi que j'ai bien aimé cette semaine... Ah ouais, mais y a, moi, je, à la base, je voulais vous parler de plein de séries aussi, parce que qu'on devait avoir Tony. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on fera le prochain Serivor. Il y a euh, déjà le dernier épisode de Peaky Blinders, qu'on n'a jamais débrief en live. Ah, ça fait deux semaines, mais bon, toujours personne n'en a parlé dans la francophonie. Donc, pas d'alerte. Par contre, Soul, c'est sorti hier, et là, faudrait sortir au plus vite euh, le débrief, étant donné qu'il euh, va, euh, va y en avoir plein qui vont appeler sur YouTube, étant donné que ça fait beaucoup de étant donné c'est déjà sorti sur Netflix, contrairement à Peaky Blinders. Et, euh, et une série que j'ai découverte cette semaine, que j'ai euh, que j'ai découvert hier. Euh, je me suis tapé toute la première saison. Vous savez, je suis assez fan de sitcoms, mais j'en trouve pas très souvent des sitcoms qui sont bien, malheureusement. Et euh, là, j'en ai trouvé une cool. Euh, C'est The Good Place. The Good Place. Euh, C'est euh est-ce que je vous le pitch C'est Éléonore qui euh, en fait se réveille dans un endroit. Où on lui dit euh, ouais tout va pour le mieux et on lui dit bon, euh, bonjour vous êtes morte mais pas de panique euh, vous êtes euh... alors elle demande est-ce que il euh, y a le paradis est-ce qu'il y a l'enfer on lui répond bah en fait il y a euh, the good place and the bad place donc euh, le bon endroit et le mauvais endroit mais vous inquiétez pas vous êtes dans the good place euh, donc la voilà rassurée sauf que en fait elle se rend très très vite compte que euh, en fait ils ont un mauvais dossier sur elle et qu'elle ne mérite pas d'être ici qu'elle mériterait d'aller se faire torturer pour l'éternité en enfer puisque c'est ce qui est prévu pour les autres et à partir de là elle va essayer de cacher le fait qu'elle est une horrible personne en fait et dans ce monde parfait ça va être un petit peu compliqué du coup c'est pas c'est pas la, la sitcom avec toujours un intérieur d'appartement toujours le même et avec des rires enregistrés par contre il y a le format de 22 minutes euh, et bon, par contre, il n'y a pas une grosse variété de décors, ça, ça reste un peu commun à la sitcom, même si on a un petit peu d'extérieur, contrairement à, je sais pas, Friends, The Big Bang Theory ou euh, How I Met Your Mother qui se déroulait toujours strictement en intérieur. Ça coûte moins cher aussi. Dans mon top 5, assurément, ouais, t'aimes bien toi aussi, Lazy Il y a One Day at a Time qui est top. Je connais pas Kirsten. One Day at a Time. Euh, et c'est quel genre C'est sitcom aussi je vais regarder ce que c'est, je vais me le mettre dans. Parce que moi, en fait, souvent, je découvre des trucs grâce à vous, en fait. Vous me donnez des choses, j'ai une liste longue comme le bras de trucs à les piocher. Et euh, au fil des jours, série télé 2017, basée sur la série éponyme de 1975, d'accord. Sur Netflix. Mais alors, c'est quoi comme genre Sitcom aussi, d'accord. Sitcom euh, et du Québec. Alors. Ouais, j alors je, je c'est pas de la glottophobie ce que je vais faire. Le problème, c'est que moi j'ai besoin que ce soit sous-titré les séries québécoises, sinon j'ai du mal à comprendre. Ça dépend. Il y a des, il y a des Québécois, genre ça doit euh, dépendre de la région, où limite tu m'aurais pas dit que le mec était québécois, bah je pas su. Et il y a des fois où, par exemple, c'était la chute de l'Empire américain ou un truc comme ça, où euh, j'avais besoin de sous-titres. Du coup, euh, je crois qu'ils avaient même redoublé. Par contre, là je trouve ça ridicule quand ils le redoublent euh, en français avec l'accent français. <laughs> Enfin, avec l'accent parisien, en fait, c'est ça que ça veut dire. Hein, parce que c'est toujours, dans l'audiovisuel français, c'est toujours un accent parisien. Il y a un fond de réflexion philosophique tout du long de la série. Bah, en tout cas, je regarde. Attends, oui, que j'oublie pas. Euh After Earth, Love of the, on the Spectrum, One Day at a Time. Eh bien, c'est noté. Alors, oui, je vous disais quoi Les recommandations de la semaine. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai kiffé cette semaine parce que là, pour l'instant, les seules vidéos que j'ai. Ah, bah j'ai bien aimé la vidéo ouais. Faut-il débattre avec les confus euh, De Bad Mulch, sur le coup. Euh, bon, la vidéo d'Usul, bon, il n'y a pas besoin que je vous en fasse la promo. Vous connaissez Usul, vous le regardez déjà toutes les semaines, ou vous le détestez déjà toutes les semaines. C'est possible aussi. Bah écoutez, on va regarder quelques minutes de la vidéo de Badmulch. Badmulch d'ailleurs, parce que lui-même prononce Mulch. Donc pourquoi je veux donner une prononciation différente. Je le fais ceci dit pour Meinhardt, parce que lui dit c'est Ménard, et moi je dis c'est Meinhardt, c'est tout, c'est comme ça. En plus il y a deux N, donc pourquoi ne pas le prononcer Je ne sais pas. Et du coup voilà, c'est avec Titsimil que je suivais déjà pour le côté esprit critique. Alors la frange plus de gauche de l'esprit critique. Et on va peut-être enlever le bête qui est très, très, très sonore pour remettre quelque chose d'un petit peu plus neutre pour cette fin d'émission. Et, euh, et surtout, bah, en fait, pour bien écouter ce que Mulch a à dire et son acolyte, ça y est, j'ai perdu la vidéo. Où est-elle Où est-elle passée J'ai combien d'onglets Faut-il débattre avec les conflits Alors, moi, c'est ce que je lui ai dit dans les commentaires, je vous le montre. Euh, ah, bah, il m'a répondu. Ah, bah, je n'ai pas, pas regardé la réponse. Ça me rappelle une discussion similaire entre Usul et Dani après que ce dernier ait discuté avec Cro-Blanc. T'as un lien par hasard, ça m'intéresse. Bah attendez, on va lui répondre en live, on va lui retrouver en live pour lui envoyer à Mulch. J'ai envie de dire Mulch du coup. Désolé, tu me diras si, si ça, si ça t'énerve. Comme moi, c quand les gens prononcent Daimoon, je dis bah non, il y a un seul O, donc euh, arrêtez, de, arrêtez de mal prononcer mon nom. Euh, C'était Dani Usul, extrême droite. Normalement, on devrait trouver. Alors ça, a été, ça avait été re-upload faut-il débattre avec l'extrême droite, Ah non, ça a été en fait, vous sur voulez... la chaîne de Danny. d'accord. Bon bah en fait c'était directement sur la chaîne de Danny. Et là il était tout seul et en plein écran avec une super qualité d'image. J'aimerais tellement avoir la même qualité d'image. Enfin bref, euh, voilà, je jalouse un petit peu Danny. Et euh, donc euh, répondons à, à Mulch. Il est, il est ici. Bim. voilà euh, ouais, je vais peut-être pas. Je, ça fait pas très poli, juste chez le lien. Euh, le voici, voilà. Hop, petit euh, smiley, clin d'œil, voilà. Ok, euh, du coup, euh, je vous... Euh, allez, je, vous, je pense pas que ça dérangera Mulch si on en regarde 5 minutes. Et, euh, et je vous partage bien sûr le lien pour le regarder in extenso. Vous savez à quel point j'aime répéter et à l'envie in extenso. Ça va... Alors, Bad Mulch, quoi euh, Ça va être d'une profondeur intellectuelle abyssale à n'en pas douter... Euh, sous-estimer pas mulch euh, j Alors, après il est plus euh, dans la dialectique souvent euh, mais euh, ce qu'il dit n'est pas inintéressant quoi c'est on est on n'est pas juste de, tu vois par exemple euh, danny il est capable de faire euh, une analyse plus profonde mais il a le positionnement stratégique de se dire on va être sur du divertissement on est moins sur du divertissement avec mulch enfin bref et moi j'aime bien les deux en fait, qui est que euh, on s'empêche de parler avec euh, certains publics euh, pour des raisons je crois déontologiques Le truc c'est que d'ailleurs. Est... Est-ce qu'on regarderait pas d'abord quelques minutes De Danny Caligula pour euh, comparer les deux Ça je vais pas liker d'ailleurs bon Bah, bah c'est pas du tout ce qu'on a dit <laughs> Vous entendez ce que <laughs> vous, <laughs> vous voulez entendre vous hein. Est-ce est cool, que la musique va si pas des me des faire euh... tout, Si c'est pour lire des bêtises derrière dans le chat t En plus s'appelle Fier d'être fasciste Donc lui t'as le droit <laughs> Ah il y, ah. ah, y, y a du montage Mais il y a de la musique aussi Aurélien tu es de nouveau parmi nous Ouais, je me suis réveillé. Ah, je savais que tu t'étais endormi, putain. Ah, ouais. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait C'était sûr, sûr euh, mais je me suis levé ce matin à 9h. Ça fait des semaines que je que je, vis la, la, que je dors la nuit, la journée. Donc, une fois que je me réveille à tôt. Bah, c'est bien. Bah, je et, et, et je, je te décale ton rythme, c'est très mal. De toute façon, on est, est dans barat. la fin de l'émission. Là, on regarde, on regarde, on fait un petit. Un petit ouais, react sur. Euh, enfin, plus un comparatif entre la vidéo de Usul Dani et euh, Mulch euh, avec ses ouais. Je suis là, vas-y. Vas tu vas voir si je suis anti-France, si je suis anti-blanc. Moi, je suis pas en insulte, hein, de Daron. Euh, J'y vais, hein, comme d'hab. Hein. Moi, je pense qu'on peut répondre largement à quelqu'un comme Cro-Blanc. Hein, je suis désolé. Hein. Ah ouais, moi, je les traite juste de débile. avec ouais, ah, blanc faut, en, quoi, pouvoir, faut pouvoir en placer une, quoi. Ah, C'est ça le problème. Si tu veux, on peut en débattre là. Hein. À la Zob, vas-y, à la Zob si tu veux. À la Zob. Une des raisons pour laquelle je suis pas au pied à pied euh, avec les fachos, tu vois, c'est que tout simplement, je veux pas qu'ils m'imposent leur thème, quoi. Parce que toi, en fait, du coup, t'es obligé de répondre sur leur thème. Ouais. ouais moi, tu joues la défense, quoi, du coup. Je ouais. mange pas nécessairement. Ouais, bah, moi, j'ai pas le temps. J'ai d'autres thèmes. Je veux pas qu'ils maîtrisent mon agenda, encore moins ma ligne éditoriale. Bah, je comprends, mais moi, ils maîtrisent pas mon agenda et ma ligne éditoriale, puisque j'ai envie de parler de masculinité. Ah oui, toi, tu as déjà envie de parler de, parler de, ça, de genre. Ouais. J'ai envie mmh. de parler de banlieue. Tu sais, je repense, je repense moi je suis un enfant du, du 21 avril 2002, euh, la fameuse grosse phase sur l'insécurité, où euh, Jospin, euh, après deux ans de matraquage médiatique et euh, politique sur l'insécurité. Alors la vidéo on me demande de quand ça date, ça date comme vous le voyez, mais c'est vraiment petit, euh, du 30 août 2020, en tout cas pour, euh, pour euh, le re-upload sur YouTube, donc sûrement auparavant euh, sur Switch. L'insécurité, la gauche laxiste, la gauche laxiste. Et ça, c'était suite à la, à la dernière discussion que Danny avait eue avec euh, Croblant. Répondre en montrant qu'il était euh, euh, non, euh, la gauche, c'est pas laxiste, euh, voilà. Sauf que c'est pas son terrain, il peut pas gagner là-dessus, c'est nul. Tu bah... perds parce que tu peux pas être aussi bourrin que eux, avec leurs réponses simples ah, à des tu... problèmes compliqués. Moi, je suis d'accord, faut pas aller dans un débat. Avec de la punchline au lieu des arguments, avec des sophismes au lieu de sources. Euh... Un débat, c'est un contexte. Tu vois, si c'est le débat, il est surprise et que tu sais pas de quoi tu vas parler. C'est vrai qu'il y a une certaine asymétrie à la Brandolini. De, bon, bah, le mec va me sortir plein de conneries. Que en fait, si je voulais aller débunk, ce serait tout débunk. Il faudrait plusieurs émissions. Donc, on peut se concentrer que sur un truc à la fois. J'aurais tendance à dire, méfie-toi, il n'y va pas. Quoi. Enfin, faut être sacrément présomptueux pour croire que tu vas être invincible à tous les débats. Mettons, on dit, bah d'accord, on parle d'économie. C'est ce qui veux... nous dit sur Twitch, on peut gagner sur l'insécurité en vrai. Mais moi, je trouve que la ligne de Mélenchon, elle était, elle était très bien. C'était pas en mode, voilà, on supprime la police, euh, c'est free. Non, c'est par contre, on va... il va falloir que la police, échange Et du coup, euh, l'insécurité, elle vient aussi de la police. Et ça, faudrait quand même l'entendre un moment. Je vais me sentir un ouais. peu mieux. Mais dans la douche deux... vient à Sevran l'insécurité. Bah même si Sevran a une mauvaise réputation, genre ouais c'est la merde, ça pète, ça brûle tout le temps. Bah en fait je vous garantis que euh, jusqu'à la fin des années 2000, euh, bon j après j'ai arrêté, d a... de toute façon j'avais déménagé, jusqu'à la fin des années 2000, t'avais beaucoup plus peur de la police et en particulier de la BAC et c'est pour ça que je trouvais la, le programme de l'avenir en commun euh, vraiment pertinent là-dessus parce que ils, ils disait pas juste ouais la police euh, y en a marre il disaient non en fait il y a un corps qui pose problème plus que les autres c'est la BAC il faut que la BAC ça arrête d'exister il faut re le retour de la police de proximité euh, il faut dans l'encadrement de manifestation qu'il y ait certaines armes qui soient interdites pour le maintien de l'ordre le maintien de la paix, ça dépend, encore, ça dépend comment on le définit, donc il euh, y aurait des trucs à dire. Euh, bref, on regarde encore une petite minute et on passe sur Mulch. Deux, les mecs qui te font de façon le chômage, les arabes, les banlieues, l'immigration. Prenons un autre sujet où là c'est leur sujet et où moi je suis un peu à l'aise parce que pour le coup j'ai pas mal bouquiné, euh, etc. Et c'est des mouvements qui me parlent, même euh, même physiquement, tu vois, sur les trucs antiracistes. Ce dont je suis persuadé, c'est que moi j'ai déjà euh, balancé tout ce que j'avais à dire. J'ai fait le truc sur la police, j'ai fait le truc sur Elisabeth Lévy. J'ai déjà pris du temps pour expliquer. Et Donc, il a fait un vrai montage, Dany. Hein. Moi, je, je reste sur l'hypothèse de... Mais ils comprennent pas salut lui exacte. Alors après, de façon sur le somme du sens, il avait montré qu'il avait des skills, des, des vrais skills qu'il utilise presque, presque jamais. Dani, c'est très très dommage. Moi, euh, en fait, je sais que j'ai une influence sur le montage quand je fais des du montage de vidéos un petit peu, un petit peu élaboré euh, qui vient de Dani sur les options de transparence, par exemple. C'est euh, j'ai compris la puissance des options de transparence que ce soit en graphisme ou en montage vidéo euh, grâce à Dani sur le coup. Ils ont pas le niveau. Donc ouais, mais... ça va être un dialogue de sourds entre des mecs qui ne veulent pas comprendre. Annexou qui complète. Oui, l'insécurité alimentaire, l'insécurité climatique, l'insécurité sociale, c'est d'autant de facteurs de l'insécurité globalement et, et spécifiquement de l'insécurité qui obsède la droite. Oui, mais on ne veut jamais voir la cause. On veut juste voir ah bah regardez il y a des gens ils foutent la merde pourquoi ils foutent la merde en fait est-ce qu'il y a une raison à ça autre que ah bah ils viennent de pays où euh, traditionnellement c'est les colards en gros c'est ça hein, les têtes de droite quoi prendre ce que je veux dire et moi et ils vont me ramener toujours à des trucs de débiles importer des grilles de lecture américaines euh, qu'ils ont mal digérées Je reproche souvent aux antiracistes d'importer les grilles de lecture c'était pas ouf sacrément ils qu'avec de l'altright et des trucs qu'ils qui ont Également piocher aux États-Unis, là où nous, c'est beaucoup moins notre cas en fait. Mais ça peut être intéressant aussi à un moment donné, parce que, ok, c'est sûr, je vais pas convaincre cro Blanc, mais il y a des gens, peut-être, dans sa fanbase, qui sont perdus, qui sont là, qui se posent des questions, qui ont. Des dormis que... en train de se radicaliser, chez qui tu peux semer des graines. Ouais, ça, je partage ce, ce positionnement avec euh, Danny cro Blanc, qui n'entendent que cro Blanc et qui sont aussi dans le prisme de Croblanc qui est de dire les gauchistes ne nous écoutent pas les gauchistes sont contre la liberté d'expression les gauchistes ont peur de répondre à nos arguments yes yes et salut Mario mais parce qu'on soit... les connaît d'avance et merci pour le sub euh, Svext c'est peut-être un resub d'ailleurs je ne sais plus bah euh, non c'est pas un resub. Bah, merci d'autant plus euh, Svext un gros danivad l'amour de la frite l'amour de, la de la patate, patate et l'ours de gauche bah, bah oui l'ours de gauche qu'on avait vu l'autre fois et c'est pour depuis c'est à cause de l'ours de gauche que l'ours on l'appelle l'ours de droite le pauvre d'ailleurs mais... c'est pas, pas leurs arguments qui sont intéressants c'est pas, pas avec leurs arguments qu'ils vont s'en sortir on les connaît ils sont capes, Bien, leurs mais, arguments ils tournent en boucle dans toi une on tu tu les connais, mais pas je te parle de, des gens qui les connaissent pas forcément et j'avais pris un autre exemple qui est euh, Acermandax Sardoche. plein de gens disaient il faut pas aller parler avec sardoche parce que c'est un débile sur le plan scientifique j'avais trouvé ce débat là en particulier extrêmement efficace heureusement sardoche bon il s'est un peu calmé là-dessus depuis il a il a pris une fessée mais la fessée a été utile tu vois ça a rendu sardoche moins con donc, euh, donc pourquoi pas? Côté euh, qui peut parfois être lourd, relou, hein, d'Assermandax, euh, paternaliste, médecin en blouse. Euh, Ça fait plaisir de voir choses. un live sur, dans le, sur lequel Dani n'est pas cancel. Ah bon, il est, il est cancel par plein de gens, Dani? Je ne savais pas. Il y a plus l'image. Euh, l'image, je Chose. peux la remettre. Là, pour le coup, il a été d'une efficacité redoutable parce qu'il a été en mode Mon petit garçon, tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc tais-toi. Il y a eu un truc très efficace et qu'aujourd'hui je vois même dans la communauté de Sardoche, même ceux qui l'adorent, qui sont fans de lui, ouais. ils se moquent de lui quand il fait... Euh, Alors ça il l'a le... pas supporté parce qu'il avait essayé de faire disparaître la vidéo Rappelez-vous Sardoche et en fait euh, face à l'indignation, le mec qui se bat contre l'hypocrisie et qui essaye de censurer un truc où il se mange une fessée, bon euh, du coup ça passait pas trop, il a fini par euh, lâcher l'affaire et laisser Mendax euh, euh, le diffuser quoi. Le gars un peu scientifique. Alors qu'avant il pouvait potentiellement le prendre au sérieux. Et Il pouvait potentiellement se dire ah On est d'accord, dire... on a les meilleurs emojis ici, SVX." Hein. Un vrai truc sur euh, comment. Euh, on en a que trois, mais tu vois. mais ça me paraît non. important de maîtriser l'histoire des idées des autres. Tu de dire un truc Aurélien Non non, ah non je peux pas parler. C'était Usul qu'elle est. Je t'ai confondu avec Usul. D'ailleurs, on vous non. a jamais vu tous les deux dans la même pièce. Non non, est... je voulais bien, ah mais il est ah, bien oh, plus intelligent que, que moi. Lysandre, il peut prouver qu'il n'est pas Usul vu qu'il était dans le le, ouais. le stream de Mélenchon. Tous les, ils y étaient tous les deux, mais toi tu n'y étais pas. Non, mais Usul et moi on n'a rien à voir. <laughs> c'est typiquement ce que dirait quelqu'un qui essaie de ne pas se faire griller que c'est lui Usul. Bon d'accord, j'avoue. Le je est... Une perruque le, le matin. Le mec il je... est pas bien réveillé, tu sais, je suis en train de lui, <laughs> lui sortir n'importe quoi. Mais sur contemporain. C'est un des outils les plus importants pour comprendre comment les autres y pensent notamment, ouais, ouais, et pour répondre à eux. Et typiquement, euh, un, quelqu'un que je trouve très fort. C'est Zemmour, parce que Zemmour, il, a, il parle de structuralisme, il parle de la French Theory, il parle de mai 68, il maîtrise, euh, entre guillemets, euh, cette période-là. Il a plein de biais, en fait. Il raconte plein de trucs, c'est des manipulations, tu sais, il y a plein de choses. Tu peux le débunker pareil facilement, quoi lui montrer que non, non, attends, attends, attends comment tu me trafiques Foucault là C'est pas exactement ça, tu vois. Le problème, c'est que souvent, ses adversaires qu'il attaque, bah, ses adversaires de gauche, il leur dit Votre pensée vient du structuralisme Ils disent Oui. Parce que c'est la vérité. Il déjà Et eux, Zemmour, ils sont euh, même pas que... au courant de leur propre histoire des idées. Et Zemmour, il les a là-dessus. Pourquoi tu crois que j'ai fait mes chers contemporains, c'est pour expliquer ces trucs-là aux gens Je parle précisément. C'était super, mes chers contemporains. C'était un format sur lequel il prenait du temps, qui avait un rythme de parution aléatoire, mais du coup il y avait toujours un sujet bossé à fond. quoi Il peut pas autant bosser ses sujets aujourd'hui. Quoi que, franchement, il a, il a fait des trucs sur, surtout sur Blast. En fait, je trouve son travail sur Blast est encore mieux que ce qu'il faisait sur euh, Mediapart. Là, le, le... Les portraits sur euh, l'utte ouvrière, sur euh, le candidat écologiste, euh, là aussi, euh, Dumont, je sais plus exactement, René Dumont. de ça. Nous, on va devoir développer, mais développer longuement. Tu vois, un Zemmour ou chat, c'est une bête de plateau, il va t'attaquer. À peine tu commences à répondre à un truc, il va t'attaquer sur autre, sur autre chose. Tu vas pas pouvoir avoir le temps de développer le truc. Mais cher... Ah bah et tout coup, Je vous invite là aussi à regarder la vidéo en entier. Je vous mets le lien euh, à la fois sur YouTube et sur Twitch. Là c'est le lien de la vidéo de Danny. Euh, ours de gauche qui nous dit Danny qui essaie de réhabiliter les mêmes ou des personnalités de droite sur la gauche au sphère. Jamais compris pourquoi il bande la droite autant. Alors est-ce que c'est bander la droite ou montrer, bah... Non, en fait, c'est ça le côté no cap, c'est vous-même, bah... En fait, il y en a qui peuvent être rigolos, limite on va les utiliser contre vous. Euh, parce que pourquoi, en fait, en soi, une grenouille, ce serait forcément l'extrême droite Parce qu'il y avait un emoji. Il y avait un meme, je ne sais plus, Pepe The Frog ou un truc comme ça. Ou Issou, euh, euh, qui était un euh, truc de jeuxvideo.com. Et jeuxvideo.com, bah, il y a beaucoup de confus et daltra qui traînent là-bas. Euh, mais pourquoi ne pas récupérer Pourquoi s'interdire surtout de les utiliser euh, si ça semble pertinent l'amour de la frite, l'amour de la patate. Merci pour le follow, Mike. Donc euh, c'est plus ça en fait. C'est on va on, nous le. Euh, là, je parle à la place de Danik, tel que je, je le perçois et donc tel que je le résume. Euh, on est à gauche no cap, On s'interdit pas d'utiliser ce genre de truc. Et ça veut pas dire que on partage l'idéologie de la plupart des gens qui, le, qui, qui utilisent eux-mêmes. Ils ont une idéologie contraire à la nôtre, mais un même, c'est un même. C'est l'idéologie qui est derrière qui est importante. Contemporain, je parle tout seul pendant 40 minutes, je monte des extraits, machin, tout ça. C'est un travail qui ne pourrait pas être fait sur un plateau. Dessus. Sachant que les penseurs de la French Theory, en fait, ils ne sont pas tous structuralistes, nous, nous précise Lazy. Et bien là-dessus, je t'avoue suspendre mon jugement. Et donc on passe à la vidéo de Mulch. Mulch. J'ai envie de le prononcer Mulch. Désolé empêche techniquement de, de, de faire ça. Une... Ce, ce graphique trop improbable. <laughs> Attendez, il a, je sais pas s'il si a dessiné une bite ou si c'est un, un fuck, mais dans ce sens-là. Mais en gros, c'est ce que ça évoque Nos idées, et tout... Et les chiffres n'ont aucun sens. Donc euh, là, par exemple, on, on parle à, à Grec Tabibian. Non, on parle pour essayer de démonter un peu les... Les arguments qui, qui pourraient mener à. Des renais du monde, c'est ce qui manque aujourd'hui en politique, malheureusement. Bah, sur l'écologie, on n'a pas trouvé trop d'équivalent. Euh, par contre, sur le côté, genre derrière la foutre de cette élection, Poutou, il a un peu un esprit euh, du monde là-dessus. Euh. De l'extrême droite. Est-ce que ça s'est vu dans, dans le débat Je ne sais pas, genre. Parce que du coup, il y a des gens qui, du seul fait que du coup, on va parler pour essayer de convaincre à ces publics-là du confusionnisme, etc., et bien après, on est, on est genre. Euh, mis en quarantaine et on peut plus parler euh, à d'autres euh, personnes quoi. Euh... En fait il y a des gens à gauche qui sont euh, foncièrement opposés à coup, tout de... euh, échange avec des gens d'extrême droite en mode euh, ça des plateformes et tout euh, en l'occurrence on a ah. une personne qui a des dizaines de millions de vues VS quelqu'un qui a 80 000 vues sur Youtube en total depuis le début de sa chaîne c'est Alors, parce que c'est ça que ça va développer, c'est. Euh, oui, on peut débattre avec l'extrême droite, ce qu'il faut, c'est pas leur donner de la visibilité. Mais si euh, le mec de l'extrême droite, il a euh, un public qui fait 10, euh, 20, 100 fois le mien, eh ben, bah, en fait, je donne beaucoup plus de visibilité à mes idées. Euh, enfin, L'amour, me la, de la plus de patate à mes idées. Merci pour le follow, Vulgos. Euh, Vulgos Kratos. Et euh, que, que moi, je n'en donne aux siennes. Donc c'est un petit peu et ça c'était par exemple une peu... un truc que j'avais je crois avoir entendu Usul dire aussi euh... non c'était pas Usul c'était le... le Bouzeux à l'époque il disait ah oui pourquoi pas mais faut pas faut pas donner de la visibilité à des petits faf euh... Euh, si toi tu as une grosse chaîne. l'amour la de complètement... la patate 50 nuances de grec pourquoi pas. Merci pour le follow. Ou alors il faut être euh, très très solide sachant que c'est un combat qui est déséquilibré puisqu'en fait ils n'essayent pas de gagner le débat sur le fond, ils essayent de gagner l'apparence du débat. Forme les idées, genre c'est lui qui est en, littéralement en train de nous platformer parce qu'on va faire un segment sur notre chaîne qui va avoir 10 000 vues. Du coup qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui nous dit je veux plus vous parler puisque vous parlez avec des confus Qu'est-ce qu'on répond à ça Qu'est-ce qu'on peut répondre On peut pas répondre ah non euh, c'est compliqué hein et je sais pas, je pense qu'il y a une erreur de raisonnement fondamentale sur le côté plateformé. En vrai, troller les, mais non, on peut pas troller. C'est des gens qu'on respecte infiniment. C'est ça qui énerve. C'est des gens qu'on veut pas troller. C'est des gens avec qui on veut échanger. C'est des gens avec qui on veut co-construire. J'ai ouais. l'impression que si tu touches quelqu'un de l'extrême droite, tu deviens éclair direct. Bah, il y a un peu de ça malheureusement. Euh... Attends, il y, y a moyen que la personne euh... soit en train de regarder. Euh... Bah oui, bah oui, bah si c'est le cas, euh... s'il vous plaît, euh, ça fait. Nous, déjà, on adore le contenu. On l'a commenté en live, euh, le contenu que vous faites. Ça fait 17 heures et 18 minutes qu'on stream. Vous pouvez demander à n'importe qui dans, dans le stream. Il n'y a pas eu d'idée confusante de notre part depuis le début. <laughs> Genre... 50 nuances de grec qui nous dit Salut Diamond, t'es un ancien. Toi, je te voyais souvent dans les coms YouTube de chaîne Hearthstone. Bah, T'as peut-être vu aussi mes vidéos qui parlaient. Euh de la sphère Hearthstone hein, ma, deuxième ma deuxième et troisième vidéo euh, la plus vue c'est toutes les deux des vidéos qui parlent du monde d'Hearthstone euh, et je continue de faire du Hearthstone hein, sur ma sur ma chaîne gaming suivez la chaîne gaming évidemment euh, du même nom très opportunément nommé genre euh, on peut pas donner plus de preuves de bonne foi euh, sur euh, de manière conséquentialiste euh, ce qu'on est en train de faire Alors, euh, casquette les c'est leur polo américain là tu parles de qui tu tu parles pas de mulch là tu parles de Danny, Danny Eras ou. Après eux ils se revendiquent de la gauche bling bling donc bon. Euh, techniquement là. Personne euh, et Chardelle. Euh... Si c'est vraiment un truc déontologique, ben on peut rien faire. Vous êtes fait piéger par Tabibian. C'est sa technique. Il s'incruse dans les petits streams pour diffuser sa soupe confuse et islamophobe. Alors. et Qui, a un... qui tire le plus. On m'a dit exactement la même chose d'ailleurs de la dernière intervention de Greg en disant ouais. Euh... D'où tu laisses Tabibian et Cro-Blanc Alors déjà, Tabibian c'est pas Cro-Blanc mais euh, donc moi je trouve que, bon, euh, il le calé, vraiment, il sous entendent un petit peu ouais Tabibian, les gens d'extrême droite et après il, euh, il parle de Tabibian, donc je sais pas si pour eux Tabibian il est d'extrême droite. Bah moi je le trouve bah, beaucoup moins de gauche que ce que lui se perçoit, mais euh, il, il dit d'ailleurs je suis euh, d'une certaine gauche, pas forcément la bonne. Donc euh, alors après moi économiquement je le trouve pas de gauche. Et euh, sur le reste, euh, bah modérément de gauche quoi, on va dire. Euh, il est plus progressiste que croblant par exemple. Mais il va l'être moins que Usule. Voilà, en gros, quoi. Donc euh, généralement, il est classé confus euh, Greg. Et alors après, lui, je sais qu'il aime pas du tout le mot. Donc, euh, bon. euh, oula, Draw Logement. Ah mais non, c'était une réponse à Outcast. Alors, Ours de Gauche, tu as voulu mettre un lien. Ah, tu t'es fait. Ouais, on n'a pas le droit de mettre des liens. Mais euh, je regarderai. Plus gros bénéfice d'un échange entre une personne qui a 300 000 abonnés et une personne qui a 800 abonnés. Qui, qui ah bénéficie pas, Le plus de vues sur ma chaîne, c'est l'échange avec Tabibian qu'on a fait. C'est le truc qui a fait plus de vues. Logique, car Tabibian a 300 000 abonnés et fait des dizaines de millions de vues depuis sa carrière très très longue sur YouTube. Et ça. Il est parmi les, les youtubeurs politiques les plus populaires de la plateforme. Donc c'est logique que ce soit les vidéos les plus vues. Et c'est qui qui va voir ces vidéos C'est son public. Et, et donc là, j'arrive à faire regarder un, un débat où on oppose des arguments bien construits, bien formulés à euh, ces arguments fallacieux. Donc j'arrive à faire en sorte que son public regarde ce débat et littéralement, des gens dans les commentaires me disent « Ah, ça m'a ouvert les yeux sur Tabibian, j'ai vu que ses raisonnements étaient erronés. » Et vous pensez qu'il y a des gens non, mais... de mon public, de 800 personnes, qui se sont fait influencer dans l'autre sens Et vous pensez que ça, c'est plus grand que l'influence dans, dans le sens bien vers moi Genre. Les gens, genre. Se... Raisonnez un peu. Fin... Essayez, c'est sûr, mais vous avez, bien vous avez rien concédé du tout. Vous avez, trop peur, vous avez trop peur que les confus influencent, mais vous refusez que l'inverse existe. En fait, on en revient au débat euh, suprême. Dans, dans un débat avec euh, Greg Tabibian, nous, je ne pense pas qu'on arrivera à convaincre Greg Tabibian. Évidemment que non. Ce n'est pas l'objectif. Mais techniquement, quand, quand on, on fait ce genre d'échange, ça permet au public de recevoir un message. Et je pense que le message, euh, quand clairement, là on peut l'annoncer, Greg Tabibian pense que Marine Le Pen est centriste. Oui. Il l'a avoué, ça a été pendant notre échange, le masque tombe. Et vous pensez que c'est positif pour euh, la gauche ou pour la droite ça J'sais pas, genre Et pense sachant à... que, ouais, c'est sûr que quand tu trouves que Marine Le Pen est centriste, est-ce que tu es vraiment très de gauche Diamond Oui. On a deux personnes dans le standard. Ah. Euh, si, on, si tu veux les faire monter, ou bah, on, pour va, on va les faire monter eux, juste ou On, après. on écoute encore en une petite fois. Il euh, y a Tom qui nous dit Greg, économiquement pas de gauche, tu peux approfondir à cet épée. On en a longuement discuté directement avec Greg. Donc je te laisse. Euh... Voir la rediff, c'était euh, justement la vidéo sur. Euh, en fait, c'était le live suite au petit clash avec Psychodélique, où Greg était monté euh, en vocal, et on avait discuté assez longuement sur. Euh, euh, bah alors, il y, y a des gens qui te disent d'extrême droite, il y en a qui te disent de gauche, euh, est-ce que tu peux clarifier ta position Et par exemple, sur l'économie, il m'avait dit Je veux le moins d'intervention de l'État possible, je veux le plus de libéralisme possible. Pour moi, bah, bah, pour moi qui suis communiste, c'est pas très, très de gauche. Euh, alors, euh, du point de vue euh, d'un. Euh, Mec qui vivait sous la monarchie euh, au XVIe siècle, oui, ce serait, euh, re, re, ce serait de gauche le libéralisme. Mais voilà, encore une fois, ça dépend du contexte géographique et historique, évidemment. On en, est en termes de conséquences, en termes on de, de comment on, 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 on gagne du terrain sur Internet par rapport ça, à Vous les... avez tous des noms d'aliments dans le standard. Pas, genre, s'il vous plaît. Il faut débattre, il ne faut, il faut, il faut pas laisser le terrain, il ne faut pas céder le terrain. Et si dans les faits, on paraît, parce que, ouais, on paraîtrait amicaux. Mais c'est parce que ça permet d'engager le débat et juste. C'est fait exprès. De, dans, les, dans les arguments, on défonce tout après. Hein. C'est fait exprès le truc de de. C'est une question de optics. Il faut paraître comme si on est de bonne foi, on, on croit qu'il est sincère et que euh, on oppose. Juste. Alors c'était pas dans cette vidéo qui parlait de. Là c'est les anecdotes Aurélien, mais oui revoyez cette vidéo qui avait fait beaucoup plus de vues d'ailleurs. Euh, quand il parle d'anecdotes que quand il parle de politique. Des arguments en mode ah bah, ah bon mais moi je pensais que machin. Au lieu de euh, faire euh, certaines personnes qui sont pas stratégiques et de dire euh, ah facho et de quitter ouais. le débat tu vois genre la stratégie du cordon sanitaire ne fonctionne je suis pour que l'État intervienne moins après il faut plus de pouvoir au niveau commune ou département Et dans ce cas là oui on, on c'est pas besoin en fait un interventionnisme ne c'est pas forcément la centralisation pour tout tout ce qu'on peut faire au niveau local il faut essayer de pouvoir le faire au niveau local Bref, je, je vous ai mis le lien de la, de la vidéo de Mulch. On va faire monter Couscous et Aubergine. Salut Couscous, salut Aubergine. Merci d'arriver quoique tardivement dans cette radio libre, dans LMCP 160e du nom. Vous pouvez vous démute. Aubergine, tu es encore mute. Couscous, tu ne l'es plus. Et coupez le retour de vos lives respectifs pour ne pas m'entendre en double avec un décalage temporel. Comment ça va ce soir Qui veut prendre la parole Et pour nous dire quoi N'hésitez pas, Couscous, Aubergine, qui veut commencer Eh bien pour l'instant personne. Euh, faites que... des dons. Faites des dons. Et pensez les gens sur, euh, tweet, sur Twitch que vous pouvez vous abonner si vous êtes sur Amazon Prime. Vous avez un abonnement gratuit offert par moi. Évidemment. Est-ce que, est que dépend... vous m'entendez là, là a... Couscous on tentant. Alors Aubergine nous a quitté, mais Couscous on tu T'as un son qui est fort, ah, y a de, de, de mauvaise qualité. Mais on va faire avec, ça reste intelligible. Ah putain, attends. Ah, ça s'améliore. Euh, non non mais vas-y euh, couscous moi je, je réglerai ton volume. Ouais ok nickel. Si juste si t'es sur télé, sur téléphone oh. reste à l'endroit où tu captes le mieux histoire qu'on ait une bonne connexion et ça devrait le faire. Euh, ouais non ça devrait aller t'inquiète pas. Euh, ouais ben en fait moi je voulais réagir à à ce que tu viens de passer en fait. Ouais. Euh, parce sur que si j'aime bien droit, les deux. Euh, comment? sur euh, faut-il débattre avec l'extrême droite euh, à la fois la vision de ouais, mais au, au de, les des des stratégies de Daniel n'ont euh, rien à voir avec, euh, avec les stratégies de côté badmuche mm. et, euh, et justement il euh, y, y a un truc que je trouve marrant euh, du peu que j'ai vu chez badmuche c'est euh, qu'ils sont vachement plus durs avec des gens de leur bord politique qu'à euh, l'inverse moi je les ai, ai vu avoir une, une patience infinie euh, avec euh, des, des mecs complètement enfin euh, au-delà du confus moi un des trucs qui m'avait marqué c'était avec Zioclo euh, et à l'inverse, euh, ouais, avec Dioglo, il, il, il n'avait pas été très, très très sympathique et bienveillant, par exemple. Alors après, moi, euh, je, oui. je m'arrachais les cheveux que je n'ai plus euh, quand j'entendais Gioclo euh, euh, s'enfoncer dans le ⁇ ouais, mais non, il n'est pas fasciste parce qu'il euh, n'est pas ah, au pouvoir. Vrai. Et le fascisme, c'est que Mussolini... C'est aussi pour répondre à ça que j'ai sorti ma capsule sur le fascisme. Déjà, bah déjà, parlons de Mussolini puisque vous voulez résumer le fascisme à ça. Mais en fait, il y a d'autres fascismes, mais on va commencer par celui de Mussolini. Rends la parole. Bah, il n'empêche que... Oh, non, je t'en prie, je t'en prie. Euh, Excuse-moi, je suis désolé si, euh, si je coupe. Non, euh, c'est moi qui Mais, euh, Justement, c'est euh, tout un discours qui... En fait, c'est un peu là où je veux en venir. Euh, le discours de Zioclo, c'est un discours qui a, qui a pu prendre place. On parle Alors, de après, confusion, que Zio etc. Zioclo, il a vraiment un discours de... lui-même. Enfin, euh, par exemple, sur la politique. En fait, il va avoir un discours... Euh... Euh, sur le rap, euh, sur la drogue sur euh, le euh, certaines dérives euh, complotistes là où il va avoir un avis très tranché sur la politique je l'entends rarement avoir lui-même un avis tranché il donne pas la contradiction bah. avec des gens qui ont un avis ouais. dégueulasse des fois, ça oui mais est-ce que lui-même il a un discours Dioclo là-dessus s'autoriser à dire tout et n'importe quoi c'est un discours pouvoir dire, euh, pouvoir dire, euh, dire je vais, euh, je vais jouer pas. à la marelle et je me ouais. mettrai sur la pièce que je veux ouais. tu vois alors après du coup dans le, dé dans le débat avec Mulch, Mulch oui, il le pousse un peu dans ses retrochements pour lui faire a avoir ah bah, des oui. positions et euh, bah en fait à un moment il y a une position qui tient pas mais il tient à la garder. Et je pense que... Je pense que Gioclo réalise qu'à un moment c'est compliqué. Là, le truc sur la, euh, sur la déportation à la fin c'est insupportable parce que en fait le mec il veut absolument confondre euh, déportation et extermination euh, systématique donc génocide. Et en fait, la déportation n'a pas nécessairement pour objet le génocide, même si ça peut être le cas. Mais là, on parlait de déportation, tout simplement. Et en fait, il dit Bah non, on va pas les mettre dans des camps de concentration pour les exterminer, donc c'est pas la déportation. Donc c'est aussi débile que quand tu dis le fascisme n'existe pas en dehors de Mussolini, de dire euh, la déportation n'existe pas en dehors de Hitler c'est ça. Et moi, je l'adore, Dioclo. là-dessus, Je ne serais jamais, serai jamais d'accord avec lui. Ouais, on t'entend, Aubergine. Et autant, okay. autant j'étais d'accord avec Mulch, autant il avait un comportement vraiment, je le dis, hein, j'aime bien Mulch aussi, hein, mais il avait un comportement de connard avec Dioclo. Donc, euh... Il aurait pas. Ah, il, 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 il a poussé ouais. dans les cordes, mais. Enfin, Écoute, moi, l'impression que j'en ai eue, ça reste malgré tout que justement, je l'ai trouvé beaucoup plus euh, patient et, euh, et d'une certaine manière oui. gentil que ce que j'ai pu le voir avec euh, des gens, et en discussion avec des gens euh, de gauche, sur lesquels il sera hyper rigide, et bon, alors, pour, pour dire les choses euh, très directement, moi, en fait, surtout ces derniers temps et avant le premier tour, je, je trouvais ça euh, attendrissant, en fait, euh, tu sais, cette espèce de, de passion de gauche, de euh, on est derrière Mélenchon, et du coup, euh, on, on ne supporte plus que qui que ce soit et la moindre parole qui, euh, qui, qui déborde ou qui ne s'accorde pas directement à avec celle de Mélenchon, c'est-à-dire, euh, je les ai entendus s'en prendre à, à Usul dans Backseat. Je pense que c'est de la connerie de s'en prendre à Usul, de, de, de s'en prendre à lui en tout cas dans le cadre de Backseat. Si, attendez, euh, attendez, si attendez, attendez, Usul, attendez, attendez, vit... attendez excusez-moi, excuse, il faut, il faut le chat, se rendre si compte d'un truc avec euh, Mulch et, et son point de ou fait ouf, pour il il tout, c'est que c'est du troll 250 000%. Hein. Parce que ils ont passé leur journée, par exemple, de, ouais, alors, genre la semaine de la politisme. Euh, ça, alors que très les gars ils passaient, que <laughs> ils, pa ils, ils passaient des ils passaient que des vidéos de Mélenchon. Donc, euh, ah, attends, et moi ils ont, il ils ont menacé de me ban euh, quand j'ai dit euh, euh, ouais euh, votre troll sur la politisme ça m'a bien fait marrer et, euh, et ils me disaient ah non non c'est pas un troll t'as pas le droit de dire ça Daimon, si tu recommences on, même toi euh, désolé mais on te ban. Ouais, voilà. <laughs> il ils vont juste que Je dans le il faut, il faut à des moments, il faut vraiment, euh, et parce que les mecs sont, ils, ils bougent pas, ils vont rien dire, ils vont pas sourire. Bien fait pour tous, il va rentrer dans le jeu à 2000% et il faut qu'ils jouent sur ça parce que c'est un bon duo. Et donc, tu, 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 tu te fais berner à 2000%. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de commencer à réfléchir à dire à Gioclo. C'est qu'il faut qu'il se rende compte que quand, il met des, quand le mec dit, je suis à politique, je suis ci, je suis ça, ou quand il fait une simple phrase, il faut des fois ne pas du tout prendre compte de sa, de sa phrase. Parce que le gars, il est complètement en train de, de se foutre de notre gueule. Quoi. Ouais. Alors, il y a Gérard Gouziès qui nous dit sur le chat, Mussolini, l'inventeur du fascisme, aujourd'hui, on parlerait surtout de néofascisme. Alors, appelle-le néofascisme après Mussolini, si tu veux. Appelle-le proto-fascisme avant Mussolini. Je sais pas. Est-ce que Jules César, c'était pas du fascisme aussi, tu vois Bref, c'était, euh, c'est pareil. C'était euh, la fin d'une république. Alors, c'était pas redevenu l'empire avec lui, mais c'était euh, le diktat la concentration de tous les pouvoirs, le culte de la personnalité. Alors, euh, alors après, je sais pas si ça cochait toutes les cases, mais donc il y a eu des fascismes avant. Il y en a après. Alors, si tu veux les appeler néofascisme c'est juste plus long, quoi. Je, je, moi, je suis désolé, il y a des gens, si ils revendiquent la, la même chose que le programme d'Adolf Hitler, bon, c'est des néo-nazis, oui, techniquement, mais est-ce qu'on a le droit de dire des nazis quand c'est des nazis Non Je sais pas. <laughs> je vous rends la parole. C'est qui Dioclo pour vous Pourquoi tant de sentimentalisme bah, C'est un pote, euh, Dioclo. Euh, à la base, euh, il, euh, ça faisait euh, deux ans qu'il qu était... Euh, avant qu'il relance sa chaîne, qu'il était standardiste ici. Il y avait plein de sujets sur lesquels on était d'accord. Plein de sujets d'ailleurs... Euh, euh, par exemple, sur, euh, il va être complètement de gauche sur euh, toutes les questions euh, LGBT, homophobie, etc. Euh, sur le droit des femmes. Tu, euh, alors après, il va donner la parole à des gens qui sont euh, complètement euh, opposés, pour qui les femmes sont des sous-hommes, hein, littéralement en croix blanc. C'est ce qu'il dit, quoi. Jules César, ça a plutôt bien réussi aux Romains militairement oui. Après pour le reste jusqu'à -ce les... voilà, après pour le reste est-ce qu'ils ont pas perdu quand même au change sur certains sur pas mal de points. Bref. Mm -hmm. On s'écarte un peu du sujet. Aubergine, -au toi tu, tu ne t'es pas encore exprimé maintenant ton micro marche. Est-ce que tu voulais standardiste oui parce que en fait les modérateurs ici mais qui sont modérateurs <laughs> sur Discord sont standardistes sur Discord. Non Et... mais j'attendais le... de prendre la parole, Je laissais les autres discuter. Eh bien, on t'entend, c'est parfait. J'ai un, ton... un petit tunnel à faire, mais, mais en fait, prends la parole avant. Moi. Non, non, vas-y, vas-y. Garde-le pour l'instant, Aubergine, je te donne la parole. Garde ton tunnel pour ah. après, ah. couscous. Et vas-y, uh, vas-y. Okay, parce que tu ouais, qu Ok, non, bah, c'est juste, euh, en fait, euh, voilà, je voulais parler de... du débat de ce soir. En fait, j'ai regardé le débat euh, Macron-Le ah. euh, Pen. Est-ce que tu as trouvé ça. Euh... Oui. Je connais beaucoup de gens que ça a passionné. Les gens ont préféré Better Call Saul. Alors déjà pour, euh, pour euh, comment dire pour repositionner un peu le truc, voilà moi j'ai voté au premier tour euh, Méluche. sachant que bon, c'était un vote euh, par défaut, sachant que moi voilà sur les dernières élections j'ai toujours voté euh, à gauche. Ouais. Bon là sur cette élection à gauche euh, Fidalgo, je ne le sentais pas. <laughs> Donc j'ai voté, euh, voté Jean-Luc. Et donc forcément, bon, bah voilà, le deuxième tour, je me dis, euh, bon, bah voilà, c'est Macron ou Le Pen. Quel que soit mon vote, l'un des deux sera élu. Donc euh, voilà. Mais en absence de vote. Oui, voilà, exactement. Donc moi, j'étais parti sur un vote blanc. Euh, donc j'ai quand même regardé le débat et je me dis, bon, bah voilà, entre, entre Macron qui nous fait une sorte de... Je sais pas comment dire, mais de mépris total du peuple. Et, euh... Et Le Pen, c'est euh... bon bah c'est le racisme, c'est euh... voilà c'est la haine quoi, c'est le FN, c'est le euh, c'est sécurit le sécuritaire, ah. euh... c'est voilà, le faussement ça. social mais en fait il n'y a rien du tout de social. Exactement, c'est euh... cette fameuse femme de gauche hein, comme dit euh... comme dit Zemmour alors qu'elle n'est pas du tout de non, gauche. Bah, les gens vraiment d'extrême droite là, qui disent <laughs> Malika Le Pen femme de gauche on connaît les techs hein. Voilà exactement donc. Euh... J'ai regardé les deux heures et demie de débat et je me dis bah ouais, je vais toujours partir sur un vote blanc quoi c'est c'est euh... dramatique mais bon enfin euh, quel que soit mon Allez, vote fais-moi plaisir un... vote Nodus <laughs> ben, vous okay. verrez qu'à la fin il va faire un vrai score hein. mais en fait le problème c'est que moi je suis sur un vote électronique ah. Donc, euh... pas. Ah, mais... <laughs> tu peux pas faire un vote nul sur le vote électronique, c'est nul. Sur un vote électronique, j'ai Manu, j'ai Jean-Marine ou j'ai Blanc. Donc, euh, mm -hmm. voilà, j'ai pas trop le choix. Quoi. <laughs> tu comptais vraiment sur le débat pour avoir un avis, en fait? Non, ah, non. Bah non, bien sûr que non. Bien sûr que non, mais euh, je voulais tu quand me même ému un peu, un peu comme ça, c'est pour, pour, pour ça que. Non 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 non. Bah non bah non. Écoute, j'ai ouais. voté Jean-Luc, donc. On, euh... on est pieds dans le sens. Euh, Est-ce que Macron <laughs> il va jeter un petit os à ronger à la gauche, voilà. histoire de. En fait... <laughs> mais même pas en fait, euh, moi parce que j'ai entendu. Non non. En fait, je m'attendais à ce que quand même que Jean-Marie soit un peu plus un peu plus agressive, qu'elle lui parle de de de, 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 voilà, de son, sur de son ta, bilan sur sa fraude fiscale a, aussi ouais, c'est ouais, de, de personne. Euh, après hein, mais, les, les ouais. deux exactement elle, et en fait elle a, elle a été complètement nulle ou de la donc euh, pff, enfin lui a été, lui a été méprisant et elle a été nulle donc euh, pff, enfin voilà quoi Tatiana Ventos recherche un poste au FN elle force dans ses tweets sur le peine bah, j'ai regardé les deux vidéos où elle <laughs> disait je vais le Pen ah non mais pas <laughs> vu les tweets mais elle mais est rincée Tatiana je vous avoue que bah moi, je, je trouvais sa chaîne intéressante, mais plus ça avance, plus je trouve que son Instagram est plus intéressant que sa chaîne YouTube. Donc, entre Trédivian et elle, c'est n'importe quoi. Les... Enfin, pff, ça va pas quoi. C'est un peu triste. Et moi, je, je suis même bottes. déjà à l'époque quand elle faisait du commentaire de Game of Thrones, donc euh, je découvre pas sa chaîne, hein, mais bon. Non mais euh, Tabibian Vantose euh, c'est n'importe quoi. Bah, ceci dit c'est pas la même ligne. Ils sont, euh, par exemple, elle est anti-libéralisme complètement euh, ventose, et alors que euh, Tabibian économiquement est, est au niveau enfin euh, il est libéral libertaire li littéralement. Mais je veux bien, mais les deux se rejoignent sur euh, voter euh, voter Le Pen au deuxième tour quoi. <laughs> ouais, ça me fait tousser ces... En se disant de gauche. Non, oui, voilà. non ça que... mais non. Se... Ça fait... Par contre, là-dessus, faisons pas un procès euh, qui n'a pas lieu d'être. Ça fait très longtemps qu'elle a dit qu'elle a quitté la gauche. Donc, ce n'est plus la gauche C'est euh, la défense ouais. des Français, quoi que ça veuille dire. Ah de, ouais. ou de droite. Donc, c'est de la. Si une tu une de gauche as, as, as Bian est entre parenthèses de gauche. Donc, euh, bon, c'est. Euh... Parce que économiquement, bon, moi, j'aurais plus de gauche de... que Tami Bian bien, mais euh, sur le reste, euh, sur le reste moins. Mais. Vandoeuse, j'ai entendu être déçu de la gauche, mais dans son discours, je l'ai entendu. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Clairement, je l'ai pas euh, regardé autant que vous, mais ce que j'ai entendu de sa part, c'est euh, euh, c'est pas assez la gauche, tu vois ouais. ah, euh, Pas je suis déçu de la gauche, mais c'est pas la, la gauche telle que non, je considère. Tu l'as c'est pas soit, ma conception je... de la gauche. Euh, ouais, ces réunions, euh, ah, mais... ce, ce, ce truc au parti de gauche avec Mélenchon. Euh... Enfin euh, appelé en, appelé en boomer, fait finalement de c'est des, problème de hein, euh, des problèmes de boutique qu'on fait qu'elle est partie en plus des problèmes d'organisation à la base mais... en après, vérité elle, franchement elle, elle est la même chose qu'il y a 5 ans donc, elle, 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 elle nous fait une OK boomer elle euh, depuis quelques temps. Parce que j'ai l'impression que quand elle nous dit oui, mais ce n'est plus ma gauche et tout, oui, mais écoute, ma chérie, déjà, la gauche, ce n'est pas toi qui l'as choisi. La gauche, ça fait partie d'une histoire euh, pluricentenaire euh, qui est composée de différentes branches et c'est euh, en euh, prenant connaissance de ces branches et de ces différentes formes et de son histoire que tu t'y insères, que tu t'y intègres et que tu essayes de la faire évoluer. L'évolution, tu n'es pas euh, motrice, tu es simplement un rouage, ma chère Tatiana. Donc, la gauche elle n'évolue pas par ton choix à toi c'est les... la gauche évolue par son choix généralisé c'est euh, intrinsèque à toi-même euh, si je dois lui faire passer un message c'est ça moi je peux pas je me reconnais pas dans certaines gauches mais j'essaie de les comprendre et elle elle fait plus partie de la gauche avec ce qu'elle dit la façon dont elle le dit quoi yeah. si Aurélien cachot qui nous dit euh, sur Twitch ce qui gêne Tatiana c'est les LGBTQI, les arabes, etc. Et, et, il, il paraît qu'il y a eu un avant et un après. Euh, alors elle a été agressée, les gens lui ont demandé, première question, évidemment les, les, les faf, euh, est-ce que c'était des arabes qui t'ont agressé Elle leur a dit oui, et à partir de là il y a eu un virage un petit peu euh, idéologique. Donc ça c'est souvent ça, C'est euh, les gens ils, ils ont un problème dans la vraie vie et ils généralisent leurs problèmes qu'ils ont eu dans la vraie vie euh, à tout un pays, à toute une civilisation, au monde entier des fois. Tatiana elle se revendique. Bah, je me boue souviens boue de D'accord. Ouais, Comment je, je, je me souviens de la série de tweets à ce moment-là, euh, au moment de l'agression et effectivement, c'était une nana que Je regardais de temps en temps et c'était euh, déjà dès ce moment-là, ça commençait à être un petit peu bizarre le, le ton des tweets les uns après les autres au bout de 2-3 de, de, jours, au bout d'une semaine, au bout de deux semaines et il y, y a eu un virage à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est je sais pas si c'est le tout, mais en tout cas, ça a contribué, ouais. Elle veut une gauche islamophobe comme le Front de Gauche. Euh... Jusqu'en 2014, le Front de Gauche, ils étaient islamophobes Je savais pas. Hein. Oh, c'est le printemps républicain. Ouais, c'est plus... Oui, c'est eux, généralement, qui sont... Ouais, c'est genre euh, la gauche molle, ultra laïcarde, mais le, en fait, le dont la laïcité est le fauné de l'islamophobie, ouais. Alors, si j'ai bien compris le truc. son sont anti qui Ouais, ça, c'est pareil, tu vois. En fait, il faudrait... Alors bien sûr c'est ce que je disais tout à l'heure dans un, un tout autre sujet oui euh, tu des gens qui, dé, euh, pour qui là, après, des on l'amour de Merci pour le follow euh, destigisti si je l'ai bien prononcé et, euh, et par contre, ouais, qui vont le faire maladroitement, euh, et des fois, bah, ça va devenir un petit, peu, un petit peu ridicule, un petit peu risible. Mais en fait, ces gens-là, c'est tout le principe de psychodélique c'est que tu vas prendre l'exemple le plus débile d'une idéologie en disant, vous voyez, c'est ça les woke, c'est ça la gauche, c'est ça les LJW, c'est ça les antiracistes. Et en fait, c'est juste, en gros, c'est un homme de paille permanent, quoi. C'est. Donc, alors qu'en fait, euh, bah, ce que, ce le que, le ce le que le dit l'idéologie le... woke, c'est juste, c'est juste des trucs assez basiques. Hein, c'est euh, bah oui, il faut lutter contre les, les, discriminités, les discriminations envers la minorité, euh, qu'elle soit raciste, sexiste, validiste, etc. Et que euh, en fait, il euh, y a une une stratification de ces oppressions et donc d'où l'intersectionnalité. Mais en fait, c'est juste un constat de base. Alors après, euh, oui, on va te dire, oui, il y a des gens, euh, ils militent euh, pour dire, ouais, euh, si tu déblais de la neige, t'es raciste. Et qui sont ces gens Combien sont-ils Est-ce qu'ils représentent vraiment quelque chose Est-ce qu'on en sait Tu dois euh, dire, bah, l'antiracisme, c'est de la merde. Enfin bref. Donc en fait, ça sert à rien de dire, bah, dire euh, je suis woke ou je suis anti-woke. Et en fait, tout le monde est plus ou moins woke. Euh, alors certains, très très peu, certains, beaucoup. Mais voilà, en fait. Euh... Plus non, ou moins elle est très peu woke hein. ouais bah écoute euh, il paraît qu'elle le dit de, <laughs> de moins en moins moi je t'avoue que du coup je suis de moins en moins sa chaîne donc euh, je sais pas trop j'ai en les vidéos là où ouais. elle a appelé à voter le pen j'ai pas trop ouais, suivi récemment mais en plus Tatiana c'est une féministe qui euh, reproche à Usul de, de demander conseil à sa femme et de prendre euh, et de ouais. tenir en, de compte de ce que dit pas, sa femme ça c'était vraiment complètement de l'ad la personam et en plus de l'ad personne même pas pertinent quoi c'est ah, regardez le mec, euh, limite c'était ça, c'est ah, c'est un keuk, euh, il a même pas des grosses couilles pour décider lui-même, euh, il faut la vie de sa bonne femme, on en est là, euh, bref, après c'est, ils ont des différends entre eux, ils eu les personnellement ils se, ils, ils se détestent, euh, au-delà même du clivage euh, idéologique, donc faut peut-être pas trop écouter ce qu'ils ont à dire l'un de l'autre, globalement. <laughs> bon, fait, il empêche que il y en a un des deux qui a une colonne vertébrale et l'autre pas. Faut pas. Enfin, remarque, tu me diras, si une colonne vertébrale, mais, mais qui est, qu est, qu est pas annoncée directement. D'ailleurs, je suis Arraye, désolé, tu mais j'en profite après, parce on que c'est bon exactement sur le vraiment... il est maigre et tout. Je les connais par cœur le chat de Ah Non mais <laughs> oui. Bon, alors Usul a principalement une colonne vertébrale, d'accord. Mais là bon où je veux en venir, c'est que <laughs> c'est que <laughs> justement. Euh... Le mérite que je trouve euh, au, au, au premier tour qui a eu lieu, même malgré la déception d'avoir eu le débat de merde qu'on s'est tapé soir, euh, c'est justement que après toutes les années qu'on s'est tapé, ah, as euh, reconnu, justement, oui, de, oui, justement. De, de contexte qui contribuait au, à la confusion. C'est pour ça que je parlais de Badmus au départ, parce que juste c'est de un des la exemples. Euh, en gros. Les droits se sont sentis autorisés à tout et le confusionnisme était très pratique. Ah, Moi, hein, j'ai l'impression, quand même, que, euh, après ce premier tour-là -là, qu'on a vécu, euh, <coughs> la gauche, elle a retrouvé, elle, sa colonne vertébrale. Et qu'il y a tout un tas de choses que, que, qui, qui avaient, des, comment dire, un terrain qui était brouillé par le PS, qui a toujours été un peu un pied à droite un pied à gauche, mais pas mal un pied à droite et un autre pied à droite quand même. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, probablement, qu'on ne le mesure pas encore, je, je l'espère, euh, tous ces débats-là, on va pouvoir s'en passer un petit peu plus parce que la gauche, elle a retrouvé un peu ses appuis, d'une certaine manière. Parce qu'il y a des points sur lesquels on a tellement plus envie de discuter et voir le. Moi, je l'ai vécu comme un combat d'infirme ce soir. Euh, c'est vraiment des débats de merde. C'est-à-dire, on a parlé de rien d'important de ce qui va arriver. Et. On le savait d'avance, mais c'était flagrant. Et surtout, il y a une gauche qui s'est un peu auto-identifiée, qui fait que probablement, euh, tu vois, quand tu les, les extraits que tu nous as passés euh, à propos de, de Dani, de Usul, de ben, justement de de euh, etc. Euh, tout ça, ça a un sens dans le contexte dans lequel ça s'inscrivait, qui était un contexte un très mauvais. Citoyen euh, dans lequel euh, on pouvait un peu dire un peu tout et n'importe quoi, même en étant de droite, d'extrême droite et se faire passer pour de la gauche. Peut-être qu'aujourd'hui ça va être progressivement de moins en moins possible, parce qu'on a retrouvé une colonne vertébrale, et je trouve perso ça un peu cool. D'accord, et ben, bah, espérons que les muscles viennent se greffer à ce squelette. Et on va faire monter euh, la droite, oh, la contradiction, on va faire monter euh, 126H qui n'est pas du tout sur euh, nos têtes de gauche justement. Si qu'on dit euh, c'est un stream de gauche, Bah, je ne sais pas si c'est un stream de gauche. Mais en tout cas, on donne la parole à tout le monde. Et 126H, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Comment ça va ce soir Comesta y cuesta serra 126. Oui, 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 bonsoir, 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 vous m'entendez On t'entend avec un son un peu étouffé mais on t'entend. Ah, non, alors, euh, Par contre, j'ai un, un ordinateur qui déconne complètement, donc euh, il faut que je déconnecte. Avec... J'arrive. Euh, bah écoutez, on va se compter. Là, vous m'entendez On t'entend. C'est euh, voilà, euh, 3 sur 5, 3 sur euh, oh, la clarté, oui, oui. 5 bah, sur désolé, la force. Mon ordinateur est en train de rendre l'âme littéralement, en fait. pour voilà, ces dernières heures. Donc euh, j'en profite. Mm. Et, bah, écoute, Et euh, on t'en oui, prie, je... je... Voilà. <laughs> Euh, je, je viens un peu voir euh, justement euh, ça fait longtemps que je suis pas mis en live là voilà, j'ai un peu de temps donc j'en profite euh, justement j'ai regardé euh, le, le débat présidentiel enfin, le, l'entre deux tours euh, entre ouais, euh, Le Pen et euh, Macron etc entre entre deux parties de conneries sur le téléphone tu vois et euh, justement, je venais euh, un peu prendre la température de ce que vous en pensiez, etc. Parce que je n'ai pas du tout écouté ce que vous disiez avant. Je suis désolé. Ah, hein, on n'a pas me, pu regarder le débat. Enfin, moi, je pas pu regarder le débat en entier. Parce que si tu le diffusais, il fallait payer 1500 euros. Donc, je n'ai pas eu oui, 500 euros. Ça. Donc, dès que j'ai en fait, lancé mon émission, j'ai arrêté d'écouter. Mais euh, j'écoutais avant. Mais euh, c'était pas ultra passionnant. Euh, il me semble que... Alors on me, dit, on, on me détrompe sur le chat, mais moi le ressenti, j'avais l'impression que Le Pen était moins à la ramasse qu'en 2017. Mais euh, on me oui, dit que c'était à peu près pareil, en fait. En gros. Fait. Oui, oui j ai, j ai, bah justement, euh, ça dont je voulais parler... Euh, J'ai trouvé que les deux étaient à la ramasse en fait. Ouais. Dans le sens où, de toute façon, euh, c'était le pire il... deuxième tour possible, donc euh, évidemment bah, que les deux bon. sont à la ramasse. Non, mais à la ramasse, dans le sens où euh, il n'y en a pas un qui, qui prenait le dessus sur l'autre. Genre, ils étaient tous les deux euh, complètement largués euh, sur les sujets, dans le sens où il n'y pas de, de, de réponse précise, réelle, ni concrète euh, sur tous les sujets. Quoi. Genre, ouais. c'était. Euh, franchement, je pense que les voix, ils ne vont pas changer euh, suite à ce débat. C'était euh... quand même assez catastrophique hein, pour ceux qui l'ont eu. On vérifiera au résultat, étant donné les intentions de vote sur lesquelles ça partait, ou ça partait à un moment, il y avait du 52-48 dans les sondages les plus favorables à Marine Le Pen. De toute façon, 52, dans les deux 48, cas, on aura de la saloperie. 50, non, mais... Et quoi. toi, t'avais fait quoi 126 heures euh, au premier tour euh, puisque Tu t'es ah, euh, que... pas voté, pas moi. Tu n'avais pas. pas voté et tu voteras pas pour le deuxième non plus Du coup bah, Ça dépend si j'ai envie d'aller pêcher ou euh, si... Enfin, je sais pas, on verra. Mais dans tous les cas, je pense que j'irai pas voter. D'accord. Mais le... euh, t'avais une espérance sur le débat Comment bah, si T'avais euh, un espoir sur pas, le non, débat mais... Quelque chose que t'attendais Ah, vous avez, vous avez parlé en même temps J'ai pas entendu pardon. Est-ce que t'avais un espoir ah, euh, sur ce débat Il te demandait. Et moi, ah Je, 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 je pars ouais. du principe que non, vu que tu ne votes à aucun tour. Mais... <laughs> non, moi je voyais ça plus comme un divertissement. Euh. Mais là, mais un peu plus de. Euh, comment dire de... <laughs> De pique, euh, de pique dans les jambes, etc. Tu vois, je m'attendais euh, à un petit peu plus de bataille, quoi. Là, j'étais un petit peu déçu, quand même. C'est assez fou, un... en fait. Assez Gérard bon. résume en disant un match nul de <laughs> oui, voilà, nul. C'est pas un match nul. C'était un combat entre le mépris la... et la nullité, quoi. Bah, pff, je vois, je sais pas. Je... je sais pas quel adjectif euh, <laughs> je pourrais donner euh... à... 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 à aucun ouais, de je... Politiquement, le mépris est plus violent que la nullité. J'ai l'impression que les deux d'accord hein. pour. Moi. Pour euh, ne pas clair, se foutre hein. sur la gueule en fait Comment J'avais l'impression que les deux mmh. S'étaient mis, mis d'accord plutôt Pour ah. ne pas se foutre sur la gueule Et en fait ils auraient pu se massacrer Et non, aucun je... des deux ne l'a fait Non je pense qu'ils ont été <laughs> Ouais madame là, ce qu'il nous dit c'était même on pas a un a bon dit... divertissement En Avec 2010 ça, tu vois je pense que Marine Le Pen elle a été traumatisée par 2017 et qu'elle a essayé d'être le, le plus aimable possible. Il oui. y a ah, quelqu'un qui nous disait sur le chat aussi, ouais, elle s'est préparée pendant 5 ans à son intervention qu'elle a foiré. Oui, voilà. en même temps, euh, je pense qu'on lui a souvent balancé <laughs> la gueule. A <laughs> euh, raison. Mais oui, elle ne se présente à l'Assemblée nationale, peut-être qu'elle saurait répondre aux questions au tac ou euh... Enfin bref. La blanchité des de le, le briller les dans le noir, c'était l'immigration. Pêche le jour du vote divertissement à l'abri des problèmes le boug. Bah moi je vais aller euh, je vais aller voter Nodus donc je ne sais pas si euh, ça me fait briller dans le noir mais euh, dans ce cas-là bah, j'aurai un super pouvoir. Vous savez quel météo il va faire dimanche euh... Il va pleuvoir. Non, je sais pas, je ah, Regardons peut-être que ça va <laughs> ça va nous donner un indice sur le deuxième tour. Ouais, peut-être. On va vérifier ah, je ça. Savoir si, si j'allais pêcher ou je chez moi à jouer à l'ordi. Euh, 16 degrés et il pleut dimanche chez moi. Ce qui est sûr, c'est que les vieux et les CSP, les CSP plus iront voter. Donc euh, voilà. Non, mais t'inquiète pas, je vis avec eux. <laughs> ça autour de moi donc, <laughs> je les connais. Mais bah, bah, c'est eh, ce grâce, c'est grâce ou plutôt à cause d'eux qu'on a Macron au deuxième tour et qu'on aura sûrement Macron. Ouais. Enfin, est, sûrement. Mais, est je fais, je fais probablement des, des, euh, moi, j'habite dans, dans un des rares quartiers de France qui a voté en, euh, Fillon euh, à 110% en 2017. D'accord. Donc déjà, un quartier où les statistiques sont surréalistes. Mais euh... voilà. mais du coup, maintenant, Fillon, ils ont ouais. voté euh, Macron. Ouais, bah, oui, c'est... C'est peut-être un bah, petit peu moins euh, conservateur sur certains trucs, genre les valeurs familiales, chrétiennes, tout ça. C'est bah peut-être un euh, petit peu moins pro-russe que Fillon, mais sur le reste, on est à peu près pareil. Ouais. Ça n'a rien à voir, c'est juste des boomers. Quoi. Genre, ils votaient euh, Fillon, il n'y bah, a, a plus de droite, donc ils votent Macron. Quoi. Pas d'agisme. Mais, mais du coup, toi, tu aurais voulu quoi, en fait, sans teaser Un roi que... Un empereur galactique un de côté, euh, Pas le patin. <laughs> Ouais ouais. Non ça m'intéresse. Euh, ok, bah moi tu sais j'en ai plus grand chose à foutre honnêtement. <laughs> je suis pas très... Enfin il me reste un an à faire en France et après je pars. Donc... Tu pars où donc, euh... Euh, Je vais partir aux états unis six mois et après euh, très certainement euh, en Norvège. Euh... D'accord. Pourquoi la Norvège Parce que c'est magnifique. Ouais bah, mais déjà Bah faut, ça, ça dépend où quoi. Euh, le nord c'est un petit peu ah, difficile oui. à visiter mais... Oui, non, mais. Euh, je... Oui. Peut-être toujours l'idéal du Fjord. La petite baraque. Encore Galactique, c'est sympa. <laughs> ouais, bah. Il y avait quelqu'un qui euh, se voulait un petit peu bonapartiste, mais il n'allait pas jusqu'à Palpatine, tu vois. Il disait pas, ouais, cool. je veux, voilà, une galaxie prospère pour l'ordre et la sécurité. Palpatine, il aurait voté qui, du coup Palpatine, je pense qu'il aurait voté Zemmour en se disant, c'est euh, la gauche molle, tu vois, mais. Attends mais Damon, il y a quelqu'un qui est ouais, sur Twitter, sais. sur Twitch, ouais. sur YouTube Et il poste deux fois le même message Il faut je en double chez Couscous Mais t'es pas sur YouTube hein, parce que c est, c est, c est ah, je... Si si je suis sur YouTube Je suis sur YouTube et surtout, Mais en fait ah bah c'est parce là. que par okay. rapport à la dernière fois j'ai une, une nouvelle chaîne J'ai lancé une nouvelle chaîne qui s'appelle Damon Radio Libre où il y a tous mes lives ah, mais Du coup, ça. Donc n'hésite pas, abonne-toi, abonne-toi Partage, like, commente et abonne-toi Pardon oui, je fais des fois des parodies de Reggae Night pour demander aux gens de s'abonner, mais, mais c'est un pas délire oui. assez ancien de la chaîne. J'ai claqué mon Prime. Hein. Comment Moi j'ai claqué mon Prime. Ah, tu as claqué ton Prime <laughs> bah, C'était euh, ah bah, le pseudo. Eh oui, ah, bah c'était le pseudo. Ah oui, c'est moi, Nico Bergine. C'était écrit différemment, par contre, je crois. Oui, moi c'est Nico Bergine. Ah voilà, Nico, je me souviens qu'il y avait un jeu de mots. C'est Donc je partage mon Prime entre toi et Elizandro. Et salut Game Boy qui nous rejoint. Désolé, on a, on a fini de parler de rétro gaming, mais, mais ça reviendra peut-être. Balance ton prime, moi ouais, oui. je, je le. Oui, ouais, ça pourrait être un concept d'émission euh, pour parodier touche, euh, les émissions Et euh, Mais tu le ferais sur Twitch, du coup. Ça, ça marcherait. Mais de, quali de qualité. Effectivement. Palpatine, Zemmour est un islamo-gauchiste assumé. <laughs> J'aime bien les, les faux citations. Zemmour est un islamo-gauchiste, alors à ce compte là, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de droite, en fait. Euh ouais, ouais non mais c'est pour ça moi, en fait justement c'est il euh, y avait des gens qui me disaient mais arrêtez de dire que euh, Zemmour il est d'extrême droite il euh, est euh, juste un peu de droite quoi mais c'est pas faut arrêter de voir de l'extrême droite partout que je fais. Alors attends, ça m'intéresse. Si Zemmour n'est pas d'extrême droite, selon toi, qui est d'extrême droite sur la scène politique française Et le mec répond euh, bah en fait euh, ça n'existe pas. Ah d'accord donc l'extrême droite n'existe pas et d'autres qui me disent non ça n'existe plus je dis bon d'accord ok donc l'extrême droite n'existe plus et d'autres à la fin qui me disaient carrément bah en fait euh, l'extrême droite c'est tous ceux qui se disent de gauche je dis « ok bon bah juste full inversion euh, inversion accusatoire et euh... enfin, moi j'accusais pas j'essayais vraiment de me renseigner ça si, si pour les Zemmouristes, Zemmour n'est pas d'extrême il y a des gens qui votent pour un candidat d'extrême droite mais en revendiquant oui c'est l'extrême droite Moi je suis pour une droite radicale Comme il y en a qui sont pour une gauche radicale Et je les renvoie pas dos à dos évidemment hein. Mais, euh, oui. mais par contre Dans le sens euh, historiquement Il euh, n'y a pas de parti d'extrême droite Actuellement en France oui, et alors il n'y a, a pas vraiment de partie euh, suffisamment. Alors je peux comprendre aussi parce que pour moi il n'y a pas de partie suffisamment euh, à gauche sur l'économique. C'est-à-dire oui, que même le sûr, PCF non, ils ont laissé tomber. Euh, du coup, bah, en fait pour moi c'est genre. Allez, ouais, Fabien Roussel et ses steaks là, vous n'avez pas voté Fabien Roussel Bah non, la charcuterie, j'ai dit ouais, non, d'où là, mais euh, pas, pas, sur, euh, pas tout de suite. Et, euh, et donc, en fait, ouais, non, j'attendais que Roussel. Euh, non, il nous parle de lutte des classes et de communisme. Mais du coup, visiblement, c'est passé de mode au, au Parti communiste, donc qui est officiellement le Parti charcutier français maintenant. Mais bah, euh, à 3000 balles par mois, Damon, on parle pas des, euh, des travailleurs. Ah putain, ça, ça veut dire beaucoup de prime ça, 3000 balles par mois, putain. Eh oui, euh, non, mais c'est ce qui gagnait Roussel à l'Assemblée nationale, rappelle-toi, quand non, il était. Quand il est accusé de... Il est embauché tant, en tant qu'assistant parlementaire pour 3000 balles, c'est lui. Thanos, il vote qui Je pense Thanos, il est confus, tu vois. En fait, il dit, euh, ouais, ni la droite ni la gauche, euh, à l'aveugle, juste on bute une personne sur deux. Bon, c'est un peu de droite de vouloir buter la moitié de l'univers, remarque. Je sais pas, hein bah, je, je, je sais pas... Tout, tout l'intérêt... Un euh, mix entre Zemmour et Rousseau. Tout l'intérêt de... de faire... ah, pardon, putain excuse-moi. Tout l'intérêt de, de faire péter euh, la notion d'extrême droite, c'est précisément... Enfin moi, je sais pas. Ça a dû vous arriver aussi de discuter avec, euh, avec des mecs Zemmouristes qui vont faire leur maximum pour qu'on n'emploie pas le mot raciste quand on parle d'eux, ni fascisme, ni quoi que ce soit. En fait, ils ont absolument besoin que le mot disparaisse. Il y avait un contexte en fait qui permettait que le mot disparaisse, et c'est absolument nécessaire. Rhetoriquement, en fait, c'est relativement malin. Après, euh, ça marche que si euh, toutes les autres valeurs euh, deviennent égales ou disparaissent comme des valeurs de gauche. C'est un peu là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est que euh, tout ça a fonctionné aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont délitées. Maintenant... Euh, en forme de 10 secondes. Stratégiquement c'est malin, hein. c'est normal. Hein. Si tu ne dis plus que je suis d'extrême droite, l'extrême droite n'existe plus. Du coup j'ai gagné. Je suis normal ouais, comme tout le monde. Tu vois. Pourquoi déjà vous dites euh, Zemmouriste et pas Zemmourien Bah normalement c'est euh, je... normal, normal. non. Normal. Oh, donc ça, déjà, dire, comme tu disais, déjà une droit dit droit tard, ça n'a pas de sens. Ah, c'est vrai qu'on euh... dit plus droit tard, ouais, normalement, ouais. ouais Alors, ouais, y, y qui, il y a que qui, euh, qui, qui nous hurle en caps lock. Désolé pour mes voisins. Vous ne parlez qu'entre vous mais en fait non, c'est une radio libre. Donc, qui, si tu veux bien arrêter de hurler en caps lock, tu peux rejoindre le. Enfin là, on va pas tarder à rendre l'antenne il hein, est heures h 30 Mais euh, tu peux rejoindre le Discord, tu peux rejoindre la radio libre, tu peux venir nous apporter une contradiction, euh, de préférence polie et encore plus, et, euh, et de préférence en bonus, de préf... euh, argumentée, sourcée. Et, euh, et c'est cool. Mais même si t'es pas argumenté, sourcé, du moins t'es poli. On arrivera à discuter. Les hémorroïdes. Ouais, j'aime bien la formule. Je sais pas. Après, oui. extrême droite, c'est une insulte pour beaucoup de monde. Bah, c'est eux qui bah, nous disent tout fait. le temps, bah non, mais bah, attends, l'extrême droite eux-mêmes, ils veulent pas se faire appeler l'extrême droite, et après, c'est eux qui viennent accuser la gauche de dire, ouais, ils disent qu'ils sont le camp du bien et que nous on est le camp du mal. Mais si vous êtes pas le camp du mal, revendique euh, d'être un radical de droite, si c'est pas sale, euh, si c'est pas une insulte. Ou alors, ouais, euh, bah, si, si t'as conscience surtout... que l'extrême droite c'est de la saloperie et que les gens trouvent que, euh, que tu l'incarnes, pose-toi peut-être des questions. Mais... Et les, e les, extrêmes les extrêmes droits tard, c'est les premiers à nous traiter de, de gauchias. Hum oui, c'est les termes que je, remets, je renvoie un donc, peu de donc, voilà enfin, non, c est... C est... Je mets plus tu droit sais, tard en équivalent de gauchiste. Non, faire, hein. Gauchias, oui, 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 c'est vraiment une sûr. insulte. En fait, l'équivalent oui, oui, de gauchias, oui, non, mais... messieurs, l'équivalent strict de gauchias, c'est droit tardé dans ce cas-là. Oui, oui bah, ouais. Ouais. Encore droit tardé, c'est différent parce que ça, ça correspond à une catégorie particulière. Des mecs qui essaient de mettre de, de l'argent sur le dos de, de type euh, un peu paumé, tu vois. Oh, c'est pas forcément pas ce que je veux dire? C'est pas forcément ça, c'est juste une façon de renvoyer une insulte aussi. Hein. Voilà. et puis les. Bah, de faire, faire ressortir boucher, le fait que souvent on est plus dans le rapport euh, de force, euh, dans à qui gueulera le plus fort, que vraiment dans l'argumentation. D'où le côté droit tardé, quoi. Bah, tu n'argumentes pas, tu hurles fort. Ouais, c'est plus violent que ça, hein, parce que quand ouais. tu euh, quand tu discutes, et ça m'est arrivé encore ce matin, de, de mecs qui veulent te dire, il faut que tu votes Le Pen tout en t'expliquant tout ce qui te to tolère pas mais que le mec dans le même temps il t'explique que quand toi tu refuses son intolérance tu es intolérant et donc tu es fasciste on rentre dans un cadre dans lequel euh, en fait euh, enfin, dire, la rhétorique n'a plus mais aucun sens c'est-à-dire -ce hein, le, le, qui... le, le, le mec intolérant le mec qui déteste une catégorie de gens t'explique que lui il faut lui laisser la place de pouvoir dire écoute moi je déteste des gens c'est très mignon, mais, euh, mais ça marche pas comme ça. Enfin, tu vois, tu, tu, tu peux pas juste venir euh, dire je déteste des gens et je veux avoir le droit de venir dire je déteste des gens mais et bon si là, tu me refuses, c'est toi le fasciste. Littéralement. C'est juste une blague. En fait. D'ailleurs, on nous demandait tout à l'heure pourquoi il y avait une embrouille entre Soral et Conversano. En gros, Soral, euh, lui, en étant d'extrême droite sur à, peu, euh, sur à peu près tout le reste, il essayait euh, de. De donner l'impression en tout cas qu'il tendait la main aux musulmans, et, euh, et euh, en fait, euh, quand il euh, y avait Conversano, lui il était plus sur une position zémoriste. Ouais, le problème c'est les arabes, il y en a marre des arabes, etc. Quoi. Et donc, euh, voilà, c'était parti là-dessus. Et il y avait aussi Tu es un bourgeois Soral, en gros, voilà. Mais sinon, tu re regardes hein, le débat <laughs> Zemmour, euh, Zemmour, non. le débat euh, Soral-Conversano qui euh, juste euh, vrille au match de boxe très, très rapidement, quoi. Il est pas en prison, Soral. Bah en tout cas, il a eu des condamnations. Après, je crois pas qu'il y soit là, mais, mais euh, peut-être que depuis qu'on en a parlé, c'est le cas. Il est parti à Lausanne. Ah ouais Du ouais. coup, pour pas aller en prison Ouais, il est en Suisse. Il a pris trois mois, il s'est chié dessus et il a fait prout. Bracelet, Soral. D'accord. Ça dure trois secondes le débat. Bah en plus, ouais, y a il y, y a deux rounds, c'est ça qui est rigolo. Et après, genre, il reprend le débat. et en fait, t'as un Conversano qui a le visage Tu méfies avec un peu de sang et qui continue d'essayer de parler. Tu vois, c'est marrant. Enfin bref. i have the right. Comment La version anglaise est meilleure. Ah ouais Bon, bah, je, je vois pas comme, pourquoi la version anglaise serait meilleure que euh, que la version originale. Attention, les gens, Marx n'est pas de gauche, d'après Ludwig von, qui est très clair dans sa tête. Ah bon D'accord. Économiquement, quand même, je sais pas sur le reste parce que il parlait plutôt d'économie, hein, matérialisme historique, etc., et, et, et toutes les choses qu'il y a à faire, mais euh, et euh, je, je vois pas en quoi tu peux dire que le mec n'est pas de gauche quoi. Enfin bref, et donc, ouais, il y avait euh, Aurélien, il y avait quelqu'un qui disait euh, euh, qu'il pouvait pas parler, euh, c'est que qui qui nous disait, ouais, euh, je suis sur le Discord, mais euh, on m'a bloqué sur le salon. Je vois pas ce que ça veut dire. Ouais, mais... non, non, mais c'est qu'il a dû essayer de monter on air direct et que ça ah, marche pas comme ça. Ah, il faut que tu ailles ah, au standard. En fait, il y a un canal qui s'appelle Le Standard. On est obligé à chaque fois. Hein. Bah, ce sera peut-être pour la prochaine fois parce que là, j'avais plutôt vous faire un tour de conclusion. Mais tu vas au standard ici et toi, tu peux pas aller on air directement. Et c'est nous qui venons te pêcher après pour ne pas dire te pécho. Évidemment. Bon, bref, l'heure est plutôt aux conclusions. Euh, 126H, couscous, Aurélien, aubergine. Conclusion Qui veut commencer moi, je, je veux commencer. Euh, ben, super live, même si je me suis endormi pour pas changer. Il <laughs> va je dorme un peu en ce moment. Super live, même si je me suis endormi, j'adore la précision toujours. Le début <laughs> et la fin étaient bien. Le milieu, je ne sais je, pas. J'ai moins d'assurance, oui. <laughs> et ben voilà, faites des dons hein, assurés pour des il, il faut remplir euh, le frigo et nourrir euh, le raton laveur. Ouais. Ah, le voilà, frigo, ça va, mais c'est surtout. Il, il, il faut, payer, euh, faut payer les trucs pour euh, que ça se fait les, les factures toi sur la tête. Il faut pouvoir payer le volvic fraise. Aussi. Bon, ça c'est moins <laughs> urgent, mais euh, quand il y a plus de thunes je m'en fous de pas payer le volvic fraise. Par contre, quand il n'y a plus de thunes pour euh, les factures euh, incompressibles, ça c'est un peu plus problématique. À votre bon cœur, monsieur, dame, on ouais. agit toujours le chapeau en début et fin d'émission, comme vous le savez. Eh bah ben, écoute, merci pour ce rappel vibrant et inspiré, Aurélien. Euh, 126 h couscous aubergine. Euh, ça fait oui. bizarre quand je le dis comme ça, mais c'est vraiment le. C'est <laughs> une recette dégueulasse. <laughs> je sais pas, tu prends euh, le euh, couscous de l'aubergine et tu attends pendant 126 ouais, heures. Si je veux commencer, la tambouille. Vas-y, euh, bah pour terminer, euh, j'ai envie de vous dire euh, profitez de votre week-end euh, si vous n'êtes pas euh, particulièrement euh, comment dire politisé ou quoi que ce soit. Euh, allez faire un petit tour en forêt, je sais Donc pas. Toi, tu euh, appelles les gens l'abstention. Non, pas forcément, non. Si à 17 h vous rentrez chez vous, euh, si vous sentez d'une humeur patriotique ou que sais-je, euh, allez voter si vous voulez. Hein. Ou pas, je m'en branle. C'est votre choix. Mais dans tous les cas, passez un bon week-end. D'accord. Bah, du coup, une conclusion. Normalement, j'ai un sample pour ça. Euh... Vas-y, j'en ai rien à foutre. Par rapport à dimanche, en gros, euh, si on peut ouais, le résumer bah... ainsi. Moi, euh, pour dimanche, euh, j'ai envie de dire voilà. Je pense que je vais regarder les tendances euh, le plus tard possible. Euh, j'ai pas envie de faire le castor, mais bon, j'ai pas envie d'avoir Le Pen présidente non plus, donc euh, je vais attendre le plus tard possible. D'accord. Euh, Avant de te décider formellement. Ouais, exactement. Ouais. Euh, j'ai prévu de voter blanc. Si vraiment il faut, j'irai voter euh, Macron. Et puis, et puis voilà, quoi. Et, euh, et puis j'espère qu'il y aura un petit couvre-feu demain avec. Euh, eh bien c'est prévu, c'est prévu avec Cali, ah, On fera un, un débrief cool. de ce débat s'il le mérite, euh, qu'on fasse un débrief <laughs> euh, plus avant, évidemment. Eh bah parfait Eh bah parfait, j'essaierai de venir alors dans ce cas-là demain soir. D'accord. Eh ben, bah, demain, fin d'après-midi. N'hésitez pas. Et, euh, et je suis en train de vous préparer un raid. Alors il y avait Claire, mais Claire elle est en train de faire du Final Fantasy. Euh, du coup, on va peut-être aller chez Chilin, elle, qui... Euh, euh, Qu'on n'a pas pu raid de la dernière fois parce qu'elle rendait l'antenne elle aussi. Euh, et du coup, euh, qui n'a pas conclu Couscous aubergine, je ne crois. Il euh, y en a un de vous deux qui n'a pas conclu, du coup. Euh, ce... bah, vu que c'est le thème, moi je vous dirais faites ce que vous voulez, euh, c'est pas mon problème pour dimanche. Et euh, je vous euh, faites ce que ouais, vous voulez, mais il pinte, euh... Comment Libération disait, mais je crois que c'était en 2017 sur le coup. Euh, faites, ce que vous voulez, mais ouais, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Ouais. Non, mais euh, moi j'ai pas pas vocation à dire à qui que ce soit euh, quoi faire. À la limite, on serait dans un milieu qui a du sens là-dessus. Pourquoi pas Mais c'est pas le sujet. Et, euh, et surtout, payer une pinte à Daimon, ouais, c'est une bonne idée. N'hésitez pas. Je vous dis je ça, moi pas même, de je ai pas, mais, mais, euh, mais en tout cas. Mais non, mais payer mais on est ah oui, mais euh, du coup, euh, oui, sachez que ça ne passera pas dans des peintes. Ça, marche pas. Pas grave. Écoute, On ça fera marchera. C'est pas Ça marchera une aussi. prochaine fois que qui. Euh, en tout cas, merci euh, aux <laughs> personnes qui ont sub ce soir. Merci à, déjà euh, aux tipeurs Cracks, Nuglic, Alex, Bourricha, Adrien, Vulgadroit, Mood et Victoria. L'amour de, la de la patate L'amour de la patate pour nous, nos trollers, qui a suivi ma consigne, non pas de vote, mais en tout cas de follow et qui attend la fin du live pour savoir s'il veut follow ou pas. Eh bien, soit le bienvenu, évidemment. Euh, merci donc euh, aux personnes euh, qui euh, ont claqué leur Prime. Euh, Ou euh, claquer leur sub. Il y avait euh, Kristen. Est-ce alors est qu'il y en avait avant Non, je crois pas qu'il y en avait avant Kristen. Il y avait euh, du coup Nico Bergine et euh, Kristen et es Svext, Pourquoi il s'affiche pas Svext euh, sur mon logiciel et eh bien merci à vous trois. Daniavad, à vous Et, trois. À et du coup, eh ben qu'est-ce qu'il est en train de faire Ramène ton gros Fiat, ton gros fiac bébé. Bah ben, je vous laisse avec ça. Euh, Chillin, elle. Ah, est-ce que ce serait pas du réact de euh, Cauchemar en Cuisine Ces réacts de Cauchemar en Cuisine, en vrai, étaient bien. Donc, euh, bah, je vais vous raid chez elle. Euh, et du coup, je vous dis à demain pour le couvre-feu, euh, si vous le voulez. Euh de bonne heure à 18 h et ça je sais pas mais en tout cas de bonne humeur ça on en est sûr euh, même si bah voilà la bonne humeur est un petit peu compliquée dans cet entre deux tours vous m'avez compris go 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 Diamond Rangers comme, comme d'habitude vous avez le droit de parler de l'Uruguay en arrivant ah, et euh, oh, on se laisse là dessus ciao ciao okay. et bonne je... réso à demain bah, bah. Bah, bah, bah. Bah. Oh. Oh. et votez Nodus oh. putain nous oh. Nous oh. Nous oh. Nous votez Nodus attaque pousse-moi oh. oh. attaque-moi oh. Kevin et toi, je vais te fais un Let's truc Let's go! Mais forcément, forcément, pile quand je dis ça, il y a un raid. Merci, Deboon! Oui! Elle le prononce mal. Je me vengerai un jour. Parce que c'est notre oh,